le Kenya, il est juste énorme. Bon, ben bah, ça commence là-dessus. <laughs> euh, bienvenue à tous. On va faire un petit récap pour ceux qui n'ont pas trop, trop suivi la carrière. J'espère que vous allez bien. Euh, normalement, le mot de passe c'est à jour, mec. Normalement, c'est bon euh, d'un point de vue euh... mot de passe. Euh, ça, non. Sérieux que, Ça me dit que c'est pas le bon. Euh. Bah. Écoute. Euh... T'as pas changé euh, avec euh, le truc de samedi Bah, je te fais un, je te fais un screen. Je t'envoie un screen. C'est la toute première fois que je regarde en live et je regarde toujours en rediff. Mais merci, Lenny, Nico, de, de passer le cap de venir en direct. Merci beaucoup. Non, non, c'est euh, ça, Jax. Bah, je mets ça, ça ne marche pas. Relancer, euh, relancer le jeu, les Steam. Vas-y, je vais faire ça. Et bonne année, Jax. À toi, Alex. Je te l'ai dit. Hello, Alex et Jackie. J'ai regardé le replay de mardi. GG pour le record et surtout avoir attiré ta merde. Quoi <laughs> Il manque des mots, mais j'ai compris le sens de la phrase, je pense. Jackie est tombée. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est parce que tu le veux bien, sinon je l'aurais fait tout seul. Hein. Eh ben, ça tombe bien. Ah <laughs> Puisque t'en parles, écoute, ça, fait, ça me fait plaisir que tu te sacrifies. Bah non. Donc, euh, voilà. Bravo à toi. Félicitations pour ton live 24 heures et puis bonne chance. Hein. Moi, je tiendrai jamais tout seul. Moi, je, je fais un inox. Hein. Je dors. Hein. <laughs> Balaras. Hein. Je dors en live. Bah oui. Tout en écoutant Booba. Booba, Booba, mon petit ourson. Et hey, yo Will Meilleur à mm. toi aussi. Non, mais oui, non, mais c'est moi, Musica. Euh, moi j'ai vraiment des... des problèmes pour lire, je pense. Je pense que je suis dyslexique. Euh, ça un le peu caché. Lance. Ça le lance. Je pense que ça n'a pas été décelé quand j'étais petit. Euh, donc salut à tous, bienvenue. Comme d'habitude, on va commencer euh, ce live par un petit quart d'heure, euh, même un peu plus si jamais on a des, de, de la matière. Par l'actualité un petit peu du moment. On refait BFM TV, version Benito et Jackie, donc c'est un peu plus salé en général. L'actualité football, j'ai vu que Coutronet, ça y est, il a été résilié par la FIO. Est-ce que ce serait un prémisse de l'OM qui, qui passerait à l'action Qu'est-ce que t'en penses, toi Parce que la Fiorentina ne l'a pas résilié s'il n'y avait pas une offre derrière, tu vois Parce qu'il appartient toujours aux Wolves euh, il me semblait de base qu'il y avait. Euh, C'était un prêt à la Fiorentina avec une option d'achat, mais. Parce que je croyais qu'il était définitivement à la FIO, moi. Donc, il appartient toujours à Wolverhampton. Ok, ok. Bon, après, il jouait pas à des masses, hein. Très peu utilisé par une Fiorentina, euh, Fiorentina en énorme difficulté. Je pense que tu peux le témoigner. Oui. Donc, c'est très, très compliqué de, de s'imposer là-bas. Donc euh, La Fiorentina, c'est combien 14. 14e. Donc, on peut lui pardonner le fait de. Parce que bah, devant, c'est Duzan Vlaovic qui est, qui est favorisé. Et puis après, est-ce que. C'est -ce réellement une perte pour la Fiorentina. Après, Wolverhampton, c'est pas facile non plus. Je pense que c'était peut-être euh, visé un petit peu haut pour lui et la Fiorentina aurait pu le relancer. Le problème, c'est qu'il n'a pas été utilisé. Donc, c'est toujours le même débat. Quand tu n'utilises pas un joueur, c'est très difficile de le mettre en confiance, surtout pour un buteur. Là, on regarde, nous, on a l'habitude d'aller directement voir les stats. Ok, on ne voit pas de but marqué, donc on se dit c'est une merde. Sauf que ça ne marche pas vraiment comme ça. C'est vraiment une merde! <laughs> non, mais c'est vrai, quand tu vois très peu de buts pour un attaquant, c'est que t'as l'impression que c'est pas bon. Mais le problème, c'est que si, s'il si fait que des rentrées euh, pour jouer 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là dans une Fiorentina qui n'y arrive pas, c'est logique. D'un côté. Après, pour le coup, il est vraiment été pas bon. Après, il est, il est sûrement très rincé aussi. Hein. Depuis euh, depuis qu'il a, il a eu la bonne c'est quand même plus trop ça. Hein. On va pas se le cacher et que. Ce sont les Wolves qui ont résilié, pas la Fio. Alors moi j'ai plusieurs versions du coup. Non, non, c'est les Wolves qui l'ont rappelé Alors les Wolves l'ont rappelé pour le vendre. Mais ça serait con de le rappeler pour le reprêter ailleurs, à moins que la Fiorentina n'ait pas respecté les conditions qui sont de le faire jouer. C'est tout à fait possible aussi. Que c est... C est... Ah ouais c'est vrai que Jiménez est ultra blessé Après avoir voir hein, si les Vols l'utilisent euh, Pourquoi pas hein. Tant mieux pour lui Il y a quand même, euh, même L'euro euh, 2021 Non mais cool. mec Il ira jamais <rire> <rire> Non mais mec il ira jamais à l'euro euh... Je sais je sais je déconne même si, Je déconne euh... je déconne Même si Immobilier est rincé avec la Nationale euh... Je préfère euh, bah... un Immobilier rincé Qu'un coup trôné hein. À la Lazio, il est loin d'être rincé. Hein. À la Lazio, il est pas rincé, mais en national, mec, il est rincé. T'as avec un immobilier avec, avec la Lazio et t'as un immobilier en Italie. Je sais pas pourquoi. Il est rincé. Ouais, un ouais soir, mais il y, y a souvent des joueurs comme ça qui sont très bons dans leur club et en sélection, ça, ça bégaye. Du coup, bienvenue à tous ceux qui sont en train de s'installer tranquillement. J'espère que vous allez bien. Euh, voilà, la température actuelle est de 2 degrés. En tout cas, chez moi, ce matin il faisait moins 5. J'ai pas trop l'habitude de voir ça. Je sais pas, je t'ai pas levé ce matin. Température négative à Toulouse, c'est du génie. Mais là il fait soleil et tout, ça, ça donne le moral, ça donne envie euh, de jouer avec l'éléphanto à Catane. Face à Palerme. On fera un petit récap de ce qui s'est passé parce que comme ben, ça fait longtemps, enfin longtemps, quoi. deux semaines qu'on n'a pas joué. Petite pause des fêtes, on a un petit peu oublié tout ça, même si j'avais mis sur Twitter un petit récap des mercato. Merci Lenny Paul le follow, bienvenue sur la chaîne. Face à Lens, Marseille qui a battu Montpellier. Salut Marco, Monaco qui a éclaté l'Orient 5-2. La défaite de Lille a hein, fait mal. Elle fait vraiment très très mal la défaite à domicile face à Angers. C'est vraiment dommage parce que du coup, Lille perd la, la tête du championnat. Au profit de Lyon, trois points d'avance sur Paris. Euh, Paris qui a perdu des points face à Saint-Étienne. Et du coup, euh, c'est vrai que pour une, une fois, j'ai envie de dire, on a un haut de tableau Ligue 1 qui est assez serré. Et Paris, euh, qui va commencer à se chercher avec Pochettino, peut encore perdre des points. Parce que changer d'entraîneur en cours de saison, c'est jamais. Euh Réaction immédiate. La Hontada, but de Germain. Dégoûté pour Montpellier. <laughs> <laughs> bah, L'avantage pour Montpellier, c'est que, que Lens a aussi perdu, donc ça reste à la lutte. Mais en vrai, le top 6, il va être quasiment. Il est, il est très très chaud à jouer le top 6. Hein. Sachant qu'en G, c'est pas si mal. Hein. La Honda, salut Nono Salut Nono, salut Nono, il y a eu quoi d'autre bah, le Barça qui a battu euh, Bilbao. Et il bah, y a eu de la Serie A hier. Milan est tombé. <laughs> bah oui mec. Tu peux pas avoir la de gagner Avec, euh, avec l'équipe qui a été envoyée en fait. C'est quoi cool. Au bout d'un moment, je veux bien... Leur... On peut leur trouver des excuses, mais... Il y a un moment, l'effectif a ses limites. Hein. Bah, ma malgré tout, Milan euh, bah, à la douche, après, voilà, tu, tu, tu tombes face à la Juve, ça, ça reste assez logique. Il vaut mieux faire ça que tomber face à, face à un Genoa ou un Croton. Euh. Non, mais pour beaucoup d'entre nous, supporters milanais, c'était sûr que hier on allait perdre en fait. T'as toujours le petit espoir de te dire qu'il y a peut-être le miracle parce que le collectif est ultra soudé, mais ah quand tu regardes l'équipe sous le papier, je dis au bout d'un moment ça va sauter, hein. parce que là il y a trop ouais. de blessures, enfin on est trop, il y a trop d'absents. Il y a beaucoup. Bah trop c'est Bah c'est pas la faute de Pioli, euh, Marco. C'est pas la faute de Pioli, on a plus de milieu. Bah même. Tout le monde critique Calabria c'est lui qui marque. Je pense pas que c'est Calabria qui a été le pire sur le terrain, il y a juste la UV qui est dans une forme qui a été un petit peu au-dessus. La UV a bien joué pour une fois, Dybala a été au niveau en fait. La UV a été au-dessus, Chiesa ça confirme de ouf, Dybala Ronaldo c'est plutôt bien. Ronaldo moins, mais... c'est plus Dybala Chiesa qu'on fait très mal. Moi, je ne suis pas contre les entraîneurs qui osent changer un joueur de poste. Il bon, y a des trucs aberrants, mais euh, parfois, ça peut marcher. Il faut oser le faire. En tout cas, il a eu, il a eu les couilles de le faire. Euh, et ben, Calabria a marqué. Donc, je n'ai pas vu l'action du but. Est-ce qu'il marque Donc, si, si franchement, il il, je pense qu'un arrière-droit est capable de jouer mieux au centre. Quand tu es professionnel à ce niveau-là, que tu joues milieu droit ou milieu centre ou arrière-droit ou milieu centre, je pense que tu es capable de le faire et tu peux demander à n'importe qui, je pense que même vous, à niveau amateur, vous avez quand même joué de différents postes. Quand tu es dans cette qualité-là, tu sais à peu près tout jouer. Quand tu es un petit peu technique, que tu as une vision du jeu, que tu es intelligent, voilà, ce n'est pas une faute tactique d'avoir mis Calabria. La faute tactique, elle est sur l'Atlético Madrid qui s'est fait éliminer par une troisième division espagnole. Salut les gars. <laughs> eh Marco C'est pas toi qui m'as dit ça ou c'est Jérôme Bah ils ont fait tourner, je comprends. Ils ont fait tourner, je comprends très bien que Joaquin Correa, Joao Félix, Saul, Lucas Torreira et Vitolo, c'est pas capable de battre une troisième div espagnole. Pardon. Pardon, pardon. Même José María Jiménez et Felipe, c'est une charnière titulaire, ça. Et Renan Lodi, c'est un titulaire. Il n'y avait que Ricard et San Roman qui étaient pas dans les. qui étaient euh, allez, de, de, de l'école euh, Atlético. Mais, euh, mais sinon, il euh, n'y a quand même pas d'excuse de perdre contre Cornea, qui est une troisième division espagnole. Oui, il y a la défaite de l'Inter aussi, donc finalement, le Milan s'en sort assez bien dans sa chute. On aurait pu tout perdre hier soir, c'était un match très, très clé. Au final, on perd pas tant que ça. Enfin, la défaite était logique. Je il manquait vois... quoi, Benasser Tonali non mais, non, mais, non, mais, non, mais par contre, euh, il manque pas que Benasser Tonali. Euh... Mec, on n'a pas Krunic qui était censé remplacer au terrain parce qu'il a pris le Covid il y a deux jours, je crois. Rebic, pareil. Euh, Salmakers, blessé. Euh, Ibra, bon bah il est blessé. Hein. Ouais, après quand tu vois l'équipe, tu te dis que ça va quoi. Non, mec, je suis désolé. Castillero, c'est un plot. Hein. Bah, pourtant, il est quasiment tout le temps titu. Mais parce qu'on n'a pas mieux. On est premier de série A avec un plot à droite. Mm. Je vous jure, c'est à regretter, Souzo. Hein. <laughs> Alors, j'aurais jamais cru que tu dises ça un jour. C'est vraiment arrêté sous-eau. Hein. Tu ne peux pas ce... dire ça. Moi, ce mec-là, j'en peux plus. Hein. Tu sais pas à quoi il sert Il prend un coup d'épaule, il vole. Ça... C'est pas le profil d'un mec. Enfin, pour moi, il a il a rien à foutre en série 1, en fait. Je ne veux pas douter que le mec soit mauvais ou qu'il soit bon, mais il a rien à faire en série 1. Je pense qu'il était bien... En... C'est un mec qui est... doit être bien en Liga, en fait. Mais Wynash, je... je te jure je pense que Tova, à côté, c'est... le feu. Même Maxou. Et c'est frustrant d'avoir un mec bah, qui est à droite, qui est peut-être... Enfin, t'as même, envi... même pas envie... Au bout d'un moment, t'as même pas lui... envie de lui tirer dessus parce que bah... Moi, je pense qu'il a juste rien à faire là, en fait. Ouais. C'est une erreur de casting, c'est le mec, le championnat n'est pas adapté à lui. Ouais c'est un jeu, c'est un peu le défaut de, de certains joueurs espagnols qui sont qui misent tout sur la technique mais, mais physiquement ça tient pas toujours la route. Et je pense que Brahim Diaz, bah, c'est le même chemin en fait. C'est le mec, tu peux pas jouer, tu peux pas le faire jouer titulaire parce que bah dès, qu dès que ça commence à jouer physique, bah, le mec il vole. Est-ce qu'on peut, on peut dire, demander à Aimé Jacquet de lui dire muscle ton jeu parce que tu es trop gentil Peut-être. Ton problème, c'est que t'es trop gentil, voilà. Mais non, je sais pas. Je. C'est des mecs, c'est cool. Hein. Ils ont ils ont du ballon. Je ne veux pas remettre ça en question. C'est c'est très technique, mais ça La technique en Série A, bah. Si t'as pas ouais, le les. Suis, euh... Les Espagnols en Italie, c'est rarement des réussites. Bon, c'est deux championnats qui... c'est vrai qui diffèrent et... et vice versa. Hein, les Italiens. Hein. En Liga, c'est pas toujours ça. Après, il y a quand même quelques exemples. Il y a Borja Valero qui s'était très très bien adapté. Et il y a Carles Perez à la Roma qui je sais pas ce qu'il donne, mais ça a l'air pas trop mal. Luis Alberto est monstrueux, bien sûr. Après, voilà, quand c'est Luis Alberto qui était assez critiqué à Liverpool. Il est ouf, quoi. Il bon, y a toujours des contre-exemples, c'est sûr. Non, il y a toujours des exceptions, mais majoritairement, c'est vrai que les Espagnols en Serie A, bah, c'est pas trop ça. Ah, ouais, mais je pense que c'est vice-versa aussi. Ou c'est la, la façon dont ils ont été conçus, je sais pas, enfin, dont on les a formatés. Mais nous, on a quand même deux mecs, bah, dès que ça va au contact, ça le perd. Hein. Oui, Luis Alberto, il a fait un saut à Liverpool après Séville, donc euh, oui, forcément. Tu vois qui pour le yep. remplacer Je sais pas, mais il y a tellement de, tellement de choix. Après, on dit plutôt euh, Ibra Rebic ou plutôt Ibra Leao. Moi, je dirais Leao, mais euh, je regarde pas les matchs. Ah Ah, je sais pas. Moi, je suis pas un fan de Rebic. Après, je le vois, je l'ai pas assez vu sur le terrain pour savoir. Je ce que trouve ça vaut. que la connexion Rebic irlandaise quoi très vite sous le côté Et plus intéressante qu'avec Léao. après après Léo, quand tu engages il va tout droit au but quoi il fait du fut. après Léao ça peut être un... un mec qui va faire le match de... enfin qui va faire un match exceptionnel et puis que derrière peut se trouver totalement mm. Ouais, c'est encore un peu irrégulier, mais on peut pas lui reprocher. Je pense que sur la longueur, il y a quand même de la progression par rapport au tout début où ah, il oui, est arrivé. Oui, oui, mais par rapport à il y a pas photo. Non mais, je pense. Après, je sais pas si c'est le fait d'avoir Ibra qui lui met un peu du, qui le, enfin, qui le laisse pas, tu vois, enfin, qui est un peu peut-être derrière, son cul, tu vois. Mais moi, je... non, Léo, ça va cette année, je trouve c'est c'est satisfaisant. Pour moi, il y a pas besoin de remplaçant à Ibra en fait. Léo peut le faire. C'est pas là que j'irai chercher... Euh, j'irai pas chercher un attaquant. Non, non, je pense pas. Mais en vrai, euh, il manque pas grand-chose. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que ce Milan reste en tête et finisse champion. Euh, ça va être dur sur la durée, mais ça peut se faire. J'y crois pas. Si on, si, on est, si on ambitionne de jouer l'Europa League et le championnat, on n'ira pas. Enfin, on n'ira pas premier. Mais bon, on a la... C'est vrai que l'Inter, ça peut. Euh, sur une fin de saison, l'Inter, ça peut. Euh, les écarts peuvent vite se creuser. Une UV qui peut revenir, même si elle a, des, elle a quand même un petit peu de retard, mais un match de retard aussi. Contre Naples. Mmh. Mmh, mmh. Ouais. ouais. Bon, bon, Naples en ce moment, euh, voilà quoi. De toute façon, on part du principe que la UV, déjà de base, avait déjà les 3 points. Hein. Puisqu'ils avaient. Oui, les oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai, euh... c'est vrai. vrai. Euh... Non, non, là, le scénario, c'est qu'actuellement, on est. On a, je crois, 8 points sur le cinquième. Donc, ça veut dire que là, pour l'instant, bah, 8 points de, on est déjà à 8 points d'avance pour être. On va euh... dire une... En Ligue une, une Ligue des Champions l'année prochaine est largement envisageable. Donc, avec un effectif comme ça, il manque pas grand chose. Il manque 2-3 recrues clés pour avoir un effectif Ligue des Champions. C'est ça. Non, là, il là, me... faut tèche Castillero. Il faut prendre un allié, un allié droit, un vrai, un titulaire. Parce que même c'est hein. pas que c'est. C'est pas que c'est mauvais, mais... Ah c'est je... l'avenir, l'avenir, hein. Est-ce pas... Est que c'est le mec qui va te faire passer le, le cap J'en suis pas sûr. Non, non, c'est à intégrer petit à petit et d'ici une à deux saisons, peut-être. Puis un défenseur centre pour moi, on n'en a pas besoin. Je pense que c'est une connerie d'aller en chercher un. Hein. Il y a des pistes là sur le mercato euh... bah, Milan euh, ou pas le, Toujours le même. Euh... T'en <laughs> Non, c'est toujours le même. Euh... Le mec de, de Strasbourg là. C'est. Je sais plus le nom d'ailleurs. C'est Macan Non, je sais plus. Ah, c'est Macan. Si Macan, pas. Macan. Voilà, si Macan, si Macan, je sais pas ce que vous dites à Strasbourg, mais. Euh, puis il y a encore un mec, je crois, euh, je ne sais plus où, je, alors je vais peut-être dire une conne, mais je crois que c'est Conné. Je, je crois que c'est un mec de Toulouse. Manu Conné. Manu Conné très très bon jeune à Toulouse. D'ailleurs, euh, en parlant de Toulouse, il y a Adil Taoui qui s'est fait virer de Toulouse pour faute grave. Alors je ne vais pas enquêter plus loin, mais c'était un, un bon élément de, du centre de formation toulousain qui s'est fait virer. Je pense qu'il retrouvera un club assez vite. Salut, quoi vous et du coup, euh, ouais, Lenny, pourquoi De Jong est titu alors que El Nesri est meilleur Je pense que les deux alternent la force de, de l'OPT guide cette saison. C'est qu'en fait, il peut varier son 11 de départ et ça marche à chaque fois. Euh, de Jong, euh, il est parfois titu El Nesri est parfois titu il y en a un qui rentre. Je pense qu'ils ont à peu près le même temps de jeu, les deux. Je vais, je vais vérifier ça, mais. Euh, mais Nesri a, eu, a parfois été titulaire et, et ça claque. Je suis très content pour lui parce que j'y croyais pas trop trop au début. J'y croyais pas trop trop au début. <laughs> Adil Tawi. Son comportement, il paraît qu'il est ingérable. Ah, bah écoute. Ça arrive. Ah oui, oui, mais, ouais, 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 mais ça doit sûrement être ça ah. hein, parce que. Ça arrive. Alors pour information, euh, NSRI c'est 799 minutes jouées et De Jong c'est 649. Donc NSRI a plus joué cette saison que De Jong. Là Otaro Martinez il va partir de l'Inter vu que ça joue plus l'Europe. Euh, je sais pas en vrai. On va quand même le dire, l'Inter, ils ont cette capacité à garder leurs joueurs. C'est quand même ouf. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jax, mais euh, je trouve que l'Inter, ils ont une force dans leur effectif. Ils ont déjà un, un gros effectif avec beaucoup de joueurs. Et, euh, et même si, si tu te fais éliminer d'une coupe, ils ont quand même cette capacité à garder leurs joueurs. Ou aller tuer. Eriksen ça fait longtemps qu'il est là. Vecchino, pareil. Ouais, Vecchino, ça joue plus. Euh... Mec, non, mais c'est bah, vrai, tu vois. c'est le mauvais argument, par contre. <laughs> ça je pense que c'est ouais. le joueur à ne pas parler actuellement à l'Inter, tu vois. C est, c est pour moi, c'est le mec. Euh, ils ont Il ont va se fait... faire dégager. Mais ils en ont fait n'importe quoi. Ah, oui, non, ils en ont fait n'importe quoi. Mais ils arrivent à les garder, malgré ça. C'est ça le pire. C'est qu'ils arrivent. Un joueur comme ça qui, qui a quand même un top joueur européen qui, qui peut jouer la Ligue des champions sans aucun problème titulaire partout, et il est encore à l'Inter, et c'est pareil pour plein de joueurs comme ça qui, qui restent là-bas, ils ont cette force, je pense qu'ils ont les moyens aussi de claquer des gros salaires. Par rapport à un Milan assez je pense qu'il y a un petit peu plus de, de masse salariale à l'Inter. Bah là où l'Inter euh, n'a pas dégraissé, Milan l'a fait en fait. Et puis ericsson, je suis pas sûr qu'il y ait actuellement grand monde dessus en fait. Salut Poney Parce que j'ai souvenir que l'État a quand même cherché à s'en débarrasser cet été. Hein. Ouais, mais ça n'a pas fonctionné. Après, peut-être que les demandes sont chères. Hein. Les demandes sont assez chères. En tout cas, ça demande salariale, je pense. Et je trouve ça dommage parce qu'Ericsson, j'adore le joueur. Enfin, Pour moi, c'est. J'ai un souvenir de lui à Tottenham, c'était quelque chose. Oui. Là, bah, l'Inter, je, je sais pas. Déjà même quand ils l'ont signé, hein, c'était un mec qui ne jouait pas. Je sais pas pourquoi il... Ah c'est 9 titus, 0 passe-des, 0 but cette saison. Ah non, mais c'est XN, l'Inter c'est c'est le néant, il n'y a rien. Le petit ouais, je pense gros, que... Genre, oui. Je suis très très confiant pour Séville. En tout cas, je sais que s'ils mettent toutes leurs tripes, ils sont capables de battre n'importe qui encore une fois cette saison. En tout cas, vu, vu ce qu'on a donné face aux grandes équipes, à la fois en Ligue des Champions face à Chelsea, et euh, c'était pas le Chelsea de maintenant, c'était le Chelsea en, ultra en forme. Et, euh, et face à, au Real Madrid, euh, si on joue comme ça face à, à Dortmund, on peut les plier. Après avoir avec avec Erling, évidemment. Salut Blue Gorak Du coup, Ramos va signer au PSG hmm Je sais pas, on me, dit, euh, on me dit Ramos va signer au PSG. Ouais, c'est des rumeurs, ça, non Je sais pas. Tu imagines, toi, un Real Madrid sans Ramos Non. Bon, tu sais moi, quand tu, quand tu as un crois, et le PSG, je me dis que tout est possible. J'y crois moyen. Après, j'avoue que j'ai pas encore regardé le résumé de, de Pochettino face à Santé hier. Je crois que bah, euh... c'était assez euh, affligeant. Ouais, après, tu peux pas transformer une équipe comme ça en une semaine, mais euh, sachant qu'il y a quand même encore les blessés tu peux pas changer une équipe en une semaine mais c'est quand même chaud de se faire euh, de faire faire enfin que saint-etienne fasse jeu égal avec le psg oui avec mbappé Moiskin, di maria verratti herrera Gay. censé c'est censé tenir la route quand même après il y a des blessures aussi au psg mais bon moi quand je vois pas de soucis, choco ah, bienvenue quand je vois draxler qui se fait euh, qui se fait tuer au psg c'est c'est chaud. Ramos et Eriksen Ah, je passe sur un match, mais c'est Saint-Etienne. Enfin, J'ai des gens Après... que je connais qui m'ont qui m'ont vendu Pochettino comme un dieu. Hein. Et que lui au PSG, ça allait tout révolutionner dès le début. Bon. Non, je pense que ça va être. Déjà là, euh, jusqu'à la fin de la saison, euh, pour moi, c'est carte blanche, parce qu'il va oui, avoir oui, au moins ci... pas... Il y a au moins six mois de travail. Il y a au moins six mois de travail Pochettino et il marche un peu à l'affinité euh, à Tottenham. Il a mis du temps aussi. Euh... Euh, et, et, et le Paris, dans quel... dans quel état il est là, le Paris Saint-Germain Il faut au minimum six mois pour, pour, pour trouver une cohésion euh, à la Pochettino. Tu ne vas pas faire ça en trois matchs. Je qu pense que ça va peut-être commencer à fonctionner en début de saison prochaine, mais il faut pas demander des résultats immédiats. Je sais que c'est souvent comme ça dans le foot maintenant, mais, mais il lui faut au minimum jusqu'à la fin de la saison pour, pour s'adapter et pour mettre en place ce qu'il a envie de mettre. Mais bon, j'estime quand même que c'était le PSG contre Marc, contre saint étienne tu es quand même censé gagner. Après les joueurs, s'ils ont lâché un peu aussi, oui, oui, je pense qu'il y a ça aussi. Mbappé, il a besoin de coups de pied au cul. On va pas se le cacher, euh, et la beaucoup d'autres joueurs, au <laughs> ouais, ouais, mais bon, peut-être, Tu sais pourquoi, je trouve que ça sort beaucoup. Cette excuse, il a tête au réel. dans le cul, ouais, et quand même, j'ai six en face, c'est vrai, c'est vrai, parce que ah, le oui. pauvre fier se fait têche comme un salaud, et oui, est-ce qu'il va retrouver un club? Non, mais c'est ça, c'est ça. Je pense qu'il faut, faut lui laisser le temps. Mais c'était quand même intéressant d'analyser le premier match. De voir un petit peu, même sur une, sur une composition, tu peux voir euh, est-ce que tu as envie de partir sur autre chose. Il n'est pas parti euh, avec cinq défenseurs déjà. Il n'a pas fait la Lolo. Non, mais après, il faut voir, de hein, toute façon. Avec le temps, si c'est un good call. Sur la durée, je pense que oui. Mais sur l'immédiat, vraiment, hein, j'ai l'impression que là, dans l'état où est Paris, euh, il va falloir du temps. Il va falloir du temps parce que là, ils sont dans un creux en fait. C'est monté très haut avec une finale de Ligue des Champions et c'est redescendu très très bas, comme, comme une, une très grande difficulté à se relever après un coup de bambou. Quoi. Et puis pas épargné par les blessures non plus. D'ailleurs Ruffier, moi pour en revenir à lui, j'ai jamais compris en fait il a fait quoi Il a baisé la meuf à, à Puel ou <laughs> euh, Ruffier, je sais pas ce qu'il a fait parce que même pendant le... pendant le mercato de cet été, il avait été mis à pied, il est revenu etc. Je, Franchement, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec Ruffier. Alors euh, la raison principale du clash Ruffier Puel dévoilé. Origine du bras de fer. Au bout de long mois, un mot de travers à l'origine. Alors, Ruffier a balancé une chandelle et puis elle a pété un câble en lui demandant de relancer proprement. Ruffier prononce alors un mot pas très sympathique sur le terrain et leur embrouille a continué dans le vestiaire et c'est parti de là. Okay. Okay. Donc Ruffier qui a fait ah, le ballon et tac <laughs> Ruffier qui a tapé comme un grand malade dans le ballon parce qu'il était énervé, et puis elle il a pas apprécié, et puis les deux, euh, voilà. C'est ouf quand même. Surtout ouf de traiter comme ça un mec qui a fait 10 ans au club, quoi. Merci Lenny Mais Lenny qui regarde les carrières de 2015. Pour se rappeler l'époque, le bon vieux temps, la jeunesse. fais des prédictions mais tu veux que je prédise quoi s'il va pleuvoir LOL premier de l'IA, Rudy c'est un génie. Non mais LOL j'attends le moment où ils vont enchaîner 4, 4 ou 5 matchs moins bien et que ça va, re ça va ressortir des Rudy out euh, en boucle. Ah, mais C'est sûr. C'est quand même ouf euh, avec les Lyonnais c'est que, que c'est toujours la faute de Genesio ou de, ou de Rudy. Euh, mais quand, quand, quand ça, ça rivalise contre City et que, que c'est premier de Ligue 1, il y a toujours des rudis out. Quoi. Non, mais je pense que ça va revenir. Je te dis, je suffit juste qu'il y ait, enfin, qu ait 3-4 matchs qui se passent à peu près mal ou qu'il y ait des changements douteux. Ça va revenir. Habitué, de toute façon. 10 ans ou 10 jours au club, si tu respectes pas ton coach et les consignes, tu n'arrives pas à comprendre. Ouais, ouais, ouais. Logique. Wow. Je suis Lyonnais et Garcia est le plus grand entraîneur que le club ait connu depuis longtemps. Est-ce que j'ai le droit de screen et de balancer ça sur Twitter pour, euh, pour voir la sauce C'est pas mal quand même. Mal quand même, plus grand entraîneur que Lyon. Ouais. Bah, Genesio est libre, hein, maintenant. Ouais? Mais oui, il, euh, il a pas été prolongé par le club chinois, donc euh, Genesio est libre depuis le 1er janvier. Il va revenir. Bah, c'était Gérard Houillet, ouais, je pense. Bah, j'aurais dit oui ouais, mais. Ici si babane le lyonnais. Même le Gwen, j'ai pas souvenir qu'à Lyon c'était si mauvais. Ou je. Ouais, je pense. Je pense aussi. D'ailleurs, ça a donné quoi la première de Domenech 0-0 euh, contre Rennes, ce qui est plutôt un bon résultat pour, pour Nantes. Je sais pas s'il y en a des Nantais dans le chat. Est-ce que ça a été mieux ou pas Est-ce que ça a bien joué Domenech est resté en 2010, il a mis le bus. En plus, gens. si c'était si le même bus qu'Anaisna, euh, ça passe. Hein. Ah, mais je suis d'accord, euh, Pony. Moi, je ne regarde pas Lyon, mais j'ai regardé Lyon que sur le Funnel 8 et j'ai trouvé Lyon très, très propre. Hein. Même face au Bayern. Hein. Domenech, il savait même pas à quelle place du championnat se trouvait Nantes. Après, je me, f... je me fie du Final 8, hein. c'était une année spéciale. Hein. C'était un peu bizarre, ouais. Faut... Déjà, de voir Paris en finale, tu te dis qu'il y avait un petit souci. Quoi. Oups, c'est sorti. Domenech, sous-côté à la tête bouffée à la CDM 2010, regardez avant. Moi, Domenech, je ne je, je, je le critique pas encore. J'attends de voir, parce que ça fait tellement longtemps que ben, franchement, coup euh, de chat ou pas, en 2006, euh, bon, après, vu la sélection qu'il y avait, euh, je pense que n'importe qui aurait pu y arriver. Mais voilà, on, euh, avant de cracher dessus, on attend de voir ce qu'il va faire. Je sais qu'il n'est pas apprécié, pour so surtout ses déclarations, en, pendant qu'il n'était pas entraîneur. Il n'y a, a pas que 2010, je suis désolé. L'Euro 2008, c'est une purge. Hein. Oui. Enfin, la France fait ouvrir par le Pays-Bas. Je crois qu'il y a Hyper contre l'Italie. Je crois que ça devait être la poule où il y avait France-Italie-Pays-Bas. Si je dis pas de conneries. Mais il me semble que 2008, c'est pas glorieux. Hein enfin, que beaucoup se sont demandé, mais qu'est-ce qu'il faut encore en équipe de France hein Je dis peut-être une connerie, mais. Domenech, c'est Bernard-Henri Lévy. <laughs> non, non, clairement, le, le... la France de Domenech, c'était pas toujours beau à voir. Hein. Je veux bien que le parcours en 2006 soit exceptionnel et tout. Euh, bon bah oui, oui. Tu peux pas lui enlever qu'il a fait une finale. Mais pour moi, 2008, à partir de là, je euh, suis pas sûr que tu gardes un grand souvenir de Domenech. Hein De la dire qui est sous-côté, euh... j'attends de voir. Je pense que euh, Nantes est tellement dans la merde que, au final, euh, que ça soit Domenec ou un autre, euh, ça va être compliqué dans tous les cas. Il hein. n'y a, a pas de sauveur possible là. Euh... Après, ça me fait quand même rire euh, que ben, on est obligé encore de recycler des. Des vieux mecs, alors que je suis sûr qu'il y a plein d'entraîneurs qui sont bons dans les basses divisions et qui, qui sont passionnés de en national, en Ligue 2, qui ont des bons résultats et voilà, des, des nouvelles têtes, des, des jeunes entraîneurs qui, qui ont de l'envie. C'est ça qu'il faut dans, dans des équipes de bas table tableau Ligue 1. Non, je pense pas qu'il est sur FM, Domenech. Il est pas sur FM, c'est sûr. Wow. Ouais, le problème de Nantes, c'est que je... je suis ça de loin, mais ça a l'air d'être avec le président. Attends, 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 mec. Merci, Félix, pour ton host de 351 viewers. Mais what the, the hell? hell what le record est m'a dit! Salut à tous! <laughs> mais what the hell? <laughs> mais merci! Mais mec. C'est quoi ce. What the... Je pense qu'il est pas français. J'imagine qu'il est pas français. Parce que ça ne me dit rien du tout. Welcome! Hello everybody! Welcome, thanks. Thanks, thanks. Moi mon anglais, vous savez, mon anglais, moi, c'est quelque chose de fabuleux. Alors ce qui est chelou, c'est que tu as toujours 8 viewers, quoi. C'est peut-être peut des bots. Moi je pense que c'est un peu du cheat. T'essayes de te faire du boost là. Sent... Je ne sais pas qui c'est. Je. Ça sent le bot coréen. <laughs> <laughs> c'est sûr. Non, je sais pas qui c'est. Félic Hosted You. Ouais, bah déjà rien que le pseudo, c'est du cheat. Hein. Je pense que c'est un troll. Hein. T'as payé combien, Bobby ah, Moi j'ai rien, rien payé du tout. Moi. Alors, Alors là, surtout pour ça. Je pense que le Félix euh, c'est du cheat. Je sais pas ce que c'est euh, non mais. Je vais essayer. Non mais je pense que c'est sûr c'est du. C'est du bot. C'est du bot ouais. Eh ah, bien ça marche pas. Concernant ah, l'actu, on parle de plus en plus du remplacement de lampard, bah ça serait une connerie. C'est un troll, il fait ça sur plein de chaînes. Bon, bah voilà, on est rassuré. Comment il fait alors Parce qu'il hoste pas vraiment et ça te, ça te met quand même un. Euh... Ça met Chauveux. quand même une notif, ouais. s'il puis... vient chez moi, je lui fais Tu dégages <laughs> <laughs> Sinon, je suis en colline <laughs> Non, et puis il y aurait eu la notif. Enfin, euh, je pense que c'était un vrai mec qui parlerait. Voilà, euh, c'était juste la petite info. Voilà, voilà, on va passer à la carrière. Parce que ça, fait, ça va faire euh, 40 minutes qu'on discute de l'actu foot. Euh, toujours euh, un plaisir. Euh, ça serait possible un projet carrière en ligne avec Jax, Arthur, Expérience FM et d'autres. Alors attends, je vais juste te montrer le planning qui est là. Euh, samedi, on fait une compétition avec la Commu FM, dont. Est-ce qu'on a le droit de citer les personnes qui seront là, des, des, vraiment des gros poids de la communauté FM, Urban Spirit <rire> notamment. <rire> Yo chéri, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Petit passage d'histoire d'inquiétant entre les deux, bah ça marche, ça marche. Merci à toi. Dis, oui, mais il ne pourra pas, donc on a remis ça à plus tard. Mais euh, voilà, pour répondre à ta question, on est en plein dedans puisque ce sera samedi 14 h pour, euh, pour la carrière en ligne. Moi, je bah, suis plutôt hein. sur. Moi, je voulais Francis Le Bonnet. Ah ouais. Francis Le Bonnet, là, samedi, ça aurait été du génie. Hein. Moi, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas Francis Le Bonnet, quoi. <laughs> Il sera arrivé avec son petit chinois le midi, là. <rire> <rire> en boîte de nuit avec la vodka. <laughs> euh, oui, j'ai vu Sébastien l'heure à la 25 millions, hein. c'est pas donné, hein. Signé un joueur, mec, je savais même pas que j'étais dessus. Bon les gars, c'est parti pour euh, l'intro. On se lance dans la carrière du derby. Et c'est du génie. On se lance enfin là-dedans. Ça faisait longtemps, longtemps qu'on n'avait pas vu cette intro. Laquelle intro bien travaillée, on sent qu'il y a du travail, bah ben oui, c'est mon métier. Hein. Parce en fait, chauffeur de taxi, c'est pas mon vrai métier. Et c'est quoi votre vrai métier? Eh ben, je vais vous montrer. <laughs> Et là j'ai balancé l'intro. Euh, je voulais dire autre chose, mais je ne me souviens plus, du coup. Ah la boulette. Ah oui. Euh... Donc du coup, la carrière... Euh... On est à la troisième saison. On va commencer par la présentation. Euh... Bah de Palerme qui a réussi le sans faute, l'éléphant. Ah oui, je voulais parler d'un truc parce que je cherchais un émote d'éléphant, il n'y en a pas et euh, bah j'ai retweeté ça. Ils ont enlevé le pogchamp. Champ. ne sais pas si vous avez vu. Sur Twitch. Ouais, parce que le streamer était, euh, je sais pas, il était dans la sauce, du coup ils ont enlevé son émote. Dur. Et moi c'est le, le truc que j'utilisais tout le temps, le pogchamp. Là, tu ne peux même plus envoyer un beats avec le pokechamp. Je suis ultra déçu. Là, c'est le plus gros drama de Twitch, hein, je pense, depuis des années. Hein. J'ai envie limite de recréer le pokechamp et de l'ajouter dans mes émotes perso. Tu fais le pokechamp avec ta gueule. Il a soutenu ce qui se passe aux States, donc il s'est fait. Ah oui, d'accord. Bah, il s'est fait, euh... fait supprimer direct. Logique. Logique alors. TU DÉGAGES <laughs> Comment ça se fait que Jax réussit toujours mieux que les tiennes Alors là, peut-être wow. parce qu'il choisit les meilleures équipes dès le début. Après, moi je dis ça comme ça, c'est l'inside. <laughs> <laughs> Il est chier vainé parce que je dis toujours, c'est bah, bah, choisis ce que tu veux et puis moi je prends. Puis, tu me dis, ouais oh, bah je prends bah, ça, bah voilà, vas-y. Moi, le problème, c'est qu'il faut suivre les carrières long terme. Moi, dans les premières saisons, je suis pas ouf en général. Mais plus de temps. Et ça a toujours été un petit peu vrai. Tu as dominé au début et en Serbie et même à Séville, j'ai été bon à partir de la saison 6 et 7. Quoi. Et j'ai rebasculé euh, après. Mais bah là, on part. Après. on part de plus bas. Après, on part de plus bas et... Ouais, ouais. Euh... Que, dire que dire, que dire, que dire. Peut-être que je vais aussi monter en série A. Au final, il n'y a pas tant d'écart que ça. Cette série C, elle était très compliquée parce qu'il y avait très peu de place pour les promus. Il y avait très peu de place pour les promus. Et, et toi, tu as réussi à... Tu as réussi là, j'ai échoué, quoi, voilà. T'es qu'une merde non mais oui voilà, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas vendredi normalement. Alors, alors. Non mais il y a des mecs. Et toi finalement euh, Jax, euh, on est en quelle année là Je me souviens plus. 2021, je crois. Ah ouais, OK. Mais on est, on n'est pas vendredi. Non non, je crois pas. Ah, après je crois qu'il y, y a, un y a truc quelque chose qui s'appelle le planning. Voilà, je suis en train de l'afficher, il y a quelque chose qui s'appelle le planning et aujourd'hui on est jeudi 14h donc jeudi c'est pour J Vendredi, c'est avec un V, parce que le V, comme vendredi, le V de Vendetta. Et du coup, voilà. Euh, bah, ça a été annoncé depuis le début de la semaine. Donc n'hésitez pas à checker les plannings. C'est pas fait pour les chiens Oh ça fait du bien de gueuler. <laughs> Bobby en série, tu dégages sans colline. Du coup, euh, Palerme, 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 tu es en Serie A. Première saison, premier série C, premier de série B. Donc voilà, tu as fait le sans faute. Euh, la série A pour toi a commencé depuis quelques journées. Trois journées, tu as des. Non, en plus, cinq journées. Oh oui. oui, oui Ça important. a commencé par un 4-0 contre sa solo. Donc là, déjà, euh, voilà. La carrière solo a été mise sous l'eau <laughs> dans la première journée. <laughs> C'est vrai. C'est réaliste. Là, ça se Follow au tapis, t'as fait 2-2 contre Naples à l'extérieur face à Insigné et Ozimene, donc c'est quand même pas rien. Doublé de Colombo, t'as battu Benevento, tu t'es fait sortir par la l'Aspal en Coupe d'Italie, ça c'est par contre... Euh, voilà. Pousse, mec, regarde la compo aussi mec, c'était voulu. Bakary Sanya, Adil Rami, ah oui d'accord. Non on va parler des recrues parce que là, là y a... on touche un point. Et t'es sur deux matchs nuls, le 4-4 héroïque face à Parme et un 0-0 face à la Roma. Ouais. Mais là aujourd'hui, Genoa, Inter, Juve. <laughs> là, ouais, là on tape un peu le plus dur. Là, là c'est. Inter, Juve, Piz, Atalanta. Je pense que les trois, euh, trois matchs-là vont être. Euh... Si je chope 5 points, je serai content. Et du coup, petite présentation de ton mercato de Serie A. Je te laisse euh, le faire, puisque. Ah assez... Alors. Rapidement, pour faire un petit récap, même si j'avais tout mis sur Twitter, comme d'habitude. Il y a eu du monde. Ouais. Il y a eu du monde. Euh... Alors, Noam Bowman que je ne connaissais pas, et qui a été un nom qui a été glissé dans le chat. Je l'avais observé. Qui du coup s'avérerait euh... pas, si pas si mal. Pas si mal. Je pense pas que ça sera le crack sur le long terme, mais pour une montée, je pense que c'est pas si mal. En plus, pour un gardien, 7.30. Euh, C'est pour vous dire à quel point il est sollicité. Bah, de ouf. Donc, euh, non, non, gratuit en plus. Donc, au pire des cas, si euh, la saison prochaine il euh, y a mieux, bah, ça deviendra une doublure. Puisque euh, je pensais récupérer euh, Pizzari et qu'il s'avérerait que. On mis un, un stop. Milan est dit non. Donc, euh, bah voilà, hein, on fait avec les moyens du bord. Ensuite, on a Santiago Rodriguez. Alors, je suis un peu déçu de son début de saison. J'en attendais un peu plus En vrai pour le prix Et mais... le potentiel annoncé Voilà Je pense que ça peut être euh... Ça peut nous faire beaucoup de bien Malheureusement il y a un mais Il y a une clause à 6 millions ça, Une clause à 6 millions Pour les clubs qui jouent ah l'Europe Il y a une clause à 6 millions Qui traîne et ça ça m'emmerde T'as peur de te le faire piquer on va dire que s'il fait une bonne saison, je pense qu'il peut partir très facilement à 6 millions. Mmh. C'est pas énorme en plus, 6 millions. Ouais. Mais bon, pour l'instant, bah, je suis assez serein peu, parce qu'il fait pas une grosse saison. Donc euh... Avec, euh, avec du bidouillage de prolongation de contrat, on va peut-être pouvoir la faire sauter. Et bah, éviter de moyen. faire une Jérémy Boga. <laughs> bon, ça, tu pouvais rien, Boga. J'y pouvais rien. Je, je savais pas qu'il y avait une clause de rachat de Chelsea. Ça, bon. Ce sont des choses qui arrivent. Après, on a Gianluca euh, Frabotta, donc l'arrière-gauche, qui, qui était à la UV. On me le conseillait pas. Hein. J'avoue que euh, mon staff me le conseillait pas, mais pour moi, il est plus que correct. Moi, j'aime bien. Hein. Il manque peut-être du centre. Pour un 800 000 euros euh, avec le potentiel, euh, non non non, c'est... pas déconner hein. Il manque peut-être du centre par contre. Ça, c'est peut-être le point noir, mais après, pour le prix. Je trouve... Pour le prix, je trouve que ça va. Hein. Parce qu'en vrai, on n'a pas fait des folies. Hein, niveau prix. On euh... s'est pas trop lâché, on a été. Euh... On a été plutôt soft. Donc au pire des cas, ce sera revendu. Et puis sera un petit un petit billet quoi mais ou alors ça va être quelqu'un qui va qui va s'installer durablement on sait jamais hein. mais voilà il a un potentiel euh, je pense que ce sera indéboulonnable cette saison euh, à gauche j'ai toujours pas pris le toujours pas pris le pack maillot uh, gamekey <laughs> Pac <-mayo. rire> je suis une merde <laughs> philippos Garbi de Parme le défenseur un titu ça il est titu pour l'instant. Euh, pas très cher. On l'a acheté vraiment pas très cher. Non, ouais, c'est pas, pas mal. 320 enfin 400k on va dire. Euh, voilà, bon, bah, ça paye pas de mine, mais il a les stats où il faut. Donc euh... donc voilà. Euh... Au plus, tu fais un bon début de saison. 300 000 euros, ouais. Tu dégages. <laughs> Là, non, je pense que ça peut être quelqu'un qui... qui est solide. Même si là en théorie euh, je pense qu'il va sûrement peut-être sauter. Mmh. Peut-être, je dis bien peut-être. Ça va, ça va. On va voir. Ensuite, alors là, c'est un transfert que je pensais pas. Euh, Le junior. 50k, enfin 55k. Je voilà. Marcos Junior. Qui je trouve est techniquement. Euh, Ouf. Très bon. Après il n'a pas de physique. 4 de puissance ça fait mal. Après il a pas de physique c'est sûr que s'il y a une frappe bon, bah, le gardien va, va la sauter quoi. C'est la... il va... il plutôt un bon début avec un but, une passe d'ess, plus une passe d'ess en coupe d'Italie. Non non ils font... ils font des bons débuts. Des bons débuts. Euh... Après je pense que bon il va pas monter va haut. Pas... Hein. Dans Mais... tous les cas si c'est acheté. Euh... 40k et tu le revends 700, c'est déjà bien. Ah oh oui, mais si on peut, tu c'est un petit bénéfice, quoi. C'est le mec, tu le prends, hop, tu l'emmènes un petit pour en Syria, il, il découvre. Euh, Alors, il, il, il baisse déjà, oui, non, il baisse déjà, mais voilà, il... ça va être un achat-revente, lui. Il faut voir les choses comme ça. Pour 55k, tu le revends, oui, tu revends à demi-million, bon, bah. Tu prends. Il hein. n'y a pas de soucis, look car Ranieri, bon bah ça c'est des prolongations de, de près de la, la saison de passée. Euh, oui, on connaît déjà Ranieri qui, avait, qui sort d'une assez belle saison chez toi. Je crois qu'il n'y a pas de... Et puis, de lien de parenté. Euh... Et puis l'avantage c'est qu'il joue deux postes, arrière gauche et centraux. peut dépanner dans l'axe. Ouais. Donc il va dépanner, enfin, surtout que là il joue dans l'axe actuellement. Oui. Prêté par la FIO. Et que bah, je pense qu'il paye pas de mine, mais. C'est pas mal. C'est solide. Moi, j'en suis satisfait. Il prend beaucoup de jaune, c'est le seul euh, problème. Mais, mais j'en suis satisfait. De toute façon, c'est dans la, dans la prolongation de ce qu'on fait depuis la série B. Donc. Euh... Hey yo, euh... Sikrads Ensuite, Lorenzo Ça, Colombo. Ça, c'est la filière au Milan qui s'active, hein. vous connaissez. Euh, prêté par le Milan Colombo, hein, qui, qui je trouve ultra fort pour l'âge qu'il a. Hein. C'est le crack du début de saison. Ouais, de ouf. 4 buts. 5 ah ouais, matchs, 4 buts. C'est le crack. Il remplace euh, Esposito, qui est blessé. Deuxième meilleur buteur, et bah, il, a, il a marqué plus de buts que tout, toute sa formation à Milan. Et je ne sais même pas si j'ai une option de dessus. Non, je n'ai rien du tout. Milan avait, Je, crois, je pense que Milan n'avait pas voulu en mettre une. Je comprends. <laughs> Ouais, ouais, euh, je vais rassuivre dans, dans FM, les gars. Ah, oui, je vais je rassuivre, assurément. Je pense que ça fait largement mmh. le taf. Tomaso Pobega bon, bah, continuité de la série B. Hein. Ouais, moi, j'ai pas ses stats, n'hésitez pas. J'ai mis le lien multi-twitch si vous voulez voir ses stats euh, plus en détail. Il reste. Voilà, il reste. Euh, bon, bah, faute de mieux. Hein. On va pas se le cacher, mieux terrain, c'est un peu faute de mieux. Et puis. Il fait pas des. Il fait pas assez... Je trouve qu'il fait pas des matchs de ouf, mais il n'est pas catastrophique. Il est il est normal. T'es passé à Palumbo, ça. <laughs> non mais voilà, c'est le mec, on enfin on sait que ça peut faire c'est très complet. Après voilà, il ne sort pas des dingueries, il n'est pas game breaker, mais bon, il n'est pas nul, tu vois, c'est le mec, il est. Il se fond dans le moule. Euh, après, on a Luca Garitano qui était de base censé être le titulaire à gauche et qui s'avérerait que bah il va, <laughs> il va plus l'être ah oui achetez moi Damion bon bah voilà ce sera la doublure hein, parce que je pense que voilà on va quand même faire jouer Felicci d'Amico hein, qu'on a eu en prêt très fort le, 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 le monsieur qui avait été à Catane en prêt. Qui a été à Catane en prêt, oui. En série C. Donc voilà. Donc, euh... il passe à, à la série A direct. Garitano, pas grand chose à dire, je pense que ça va être une doublure, euh... même s'il a fait un début de saison correct. L'avantage c'est qu'il est polyvalent, il peut jouer 4 postes. Donc je pense que ça va être un petit peu le couteau suisse de cette saison. Euh, Pétard Moussa, bon bah c'est une grosse déception, pour l'instant. Bah Pétard c'est une grosse finition. Bah mais... oui, il est ouf, ça de ouf. C'est s'appelle de balle, la détente verticale, 1m90-87 kg. Mais pour l'instant, ça... ça a du mal à suivre. Peut-être qu'il va se réveiller, mais pour l'instant, ça a du mal à suivre. Après, je ne me suis pas ruiné sur lui non plus. Hein. Comme beaucoup de joueurs, je ne me suis pas ruiné sur. Lui. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Quand même 8 millions au total, mais que des petites sommes. Donc voilà, Federico Gattodi, ça c'est la boulette. La boulette. Il ne peut pas jouer. Mais non, j'avais oublié Parce ça. Parce qu'il est extra-communautaire et que bah, c'est le troisième et que j'en avais déjà fait deux avant, donc lui ne pourra pas jouer deux l'ensemble de la saison. Donc euh, voilà, il va juste euh, visiter la, la ville en touriste. Oh la vache, le prêt à 1 million 3 millions au total. Merci à lui, euh, et puis merci à moi. 1 million 3 par la fenêtre. Ouais, <laughs> ouais un peu. Et puis, euh, alors lui, je ne sais pas comment tu le dis. Louis. Louis, tu dis Louis tout court. Ouais, 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 Louis. Qui est prêté ouais, ouais. Euh, bah, pour remplacer justement euh, Gatoni. Gatoni qui ne peut pas jouer euh, en défense. Euh, voilà. La bobby. <laughs> Ah, ça, c'est la boulette, ouais. J'avais zappé. Ça, ah non, mais on a, on, a fait, on a fait une petite boulette. Une petite. Une toute petite. Et puis, il fallait bien. Et puis, des départs, bah, pas grand-chose à dire. Canouté qui part gratuit chez Zena, Le qui retourne en France à Rodez. Voilà le bro qui doit avoir. Si... Évidemment, tu as les clauses de ne peut pas être. Enfin, il peut être rappelé, donc peut-être que euh, s'il voit que ça ne joue pas, ils vont le rappeler. Mais Par contre, toi, toi tu peux pas les... le résilier. Moi, je ne peux pas le résilier. Eux peuvent le rappeler, mais moi, je ne peux pas le résilier. Et vu qu'il ne jouera pas, je pense que la suite logique, c'est qu'il va être rappelé. Donc voilà. Pour Et bah, 4 euh... départs, mais c'était pas pas des, trop détitus, des à part peut-être Jérémy Bro euh, qui part à, à Rodez. Euh, Jérémy Bro n'a pas joué, je crois, en série B pratiquement. Ah oui, ouais, donc... Logique, logique Oui, oui, il est censé être prévu titulaire, le, le monsieur. Mm. Non, mais je pense qu'il sera rappelé. Je, je n'ai pas de doute là-dessus, hein. enfin, j'ai peut-être flingué sa carrière, hein, pour le coup. Euh... Bon, ça ne te changerait pas trop d'habitude, je pense je pensais qu'on avait le droit à 3. À 3, et non, c'était 2. Donc voilà, du c coup, ça. mon mercato. Mon mercato a été assez euh, lourd également, mais avec zéro moyen, hein, même pour de la série B. On n'a pas d'argent. Euh, je suis très content de la récupération de Neuen Paz. 29 ans euh, libéré par Bologne. Donc, il arrive euh, gratuit pour un salaire de 24 000 euros par mois. C'est ça aussi qui est déterminant parce que mon salaire maximum est de 25 000 euros par mois. 25 000 le max. Donc, vraiment, euh, il faut faire avec des petits moyens. Très, très petits moyens. Et euh, là, on est quand même sur du lourd. L'arrivée de Riccardo Calafiori, gratuit, libéré par la Roma. Alors, c'est un des plus gros espoirs de la Roma. Euh, il n'a que 20 ans. Je sais pas, vous me le vend... enfin, tu me le vends toujours comme un crack, mais je ne l'ai jamais vu crack en fait. J'étais déjà dans le chat. Mais chez moi, mec, il le monte... enfin, tu... on me l'annonce, pas si ouf. Hein. Bah, il monte à 3,5, voire peut-être 4. Oui, oui, j'entends je, l'argument, mais même à, à Sasuolo, j'ai regardé, il est pas si ouf. Ouais. Hein. Ou alors j'ai vraiment pas de chat et je tombe dans les parties où son, po enfin, son potentiel est pas dingue. Ou moi je... Je... je pense que ça peut monter même à une valeur marchande de 5-6 millions quoi. Pour un mec que j'ai gratuit. Peut-être, je ne sais et pas. J qui, peut être, euh, qui peut être large. Titulaire. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. J'avoue que moi, je l'avais testé. Euh... Ben, quand on avait fait la carrière multi avec Aurelio, euh, lorsque j'avais pris la Roma... Oui, tu je sais pas si... Bon. Dans vos carrières, ce que vous en pensez, je pense que... Bon, pas, euh, ça ne va pas monter... Je euh, ne pense pas qu'il ait 200 de potentiel, mais je pense que ça peut monter suffisamment. Pour la série B, et même pour, après, en, en devenir de la série A. Le prêt de Gaetano de la part de Naples... Le milieu offensif italien, qui, pareil, euh, espoir après espoir après espoir. Euh, Peut-être que ça n'est pas, euh, ça n'est pas un. IRL en tout cas. Je pourrais pas te dire. Mais en tout cas là pour de la série B, c'est un prêt qui est très très correct. Gianluca Gaetano. J'ai eu aussi Gabriele Capani donc là, c'est un profil un petit peu particulier, c'est tout dans la vitesse et dans la technique. Euh, ouais, le reste, euh... reste c'est très moyen, mais ce genre de profil, euh, bah, parfois, ça marche assez bien. C'est genre de mec que tu fais rentrer en fin de match. Tu vois, ça, Faire rentrer, ça va tout droit, ça centre et c'est but. Parce que techniquement, c'est quand même bien bien. Euh, et d'ailleurs, c'est déjà une passe décisive pour la première journée. Prêté par le Milan. Mais je pense pas que ça sera un tissu. Martine Palumbo qui va rester chez nous pour une année supplémentaire. Il n'a que 20 ans. Hein. Il est chez nous depuis ses 17-18 ans. Il a fait deux saisons. Deux en série C, une en série B. Enfin là, il va faire sa, sa troisième saison chez nous. En pré, encore une fois. Euh, J'ai pris Philippe Brecalo, le petit frère de Josip Brecalo qui a un gros, gros potentiel. J'espère pouvoir en profiter de ce potentiel avant qu'il reparte. La saison dernière en série C, ça a plutôt été très bon. Plutôt très bon. Donc, je suis assez content de, de l'avoir prolongé. L'arrivée en gratuit, Carlos Baca. 35 ans. Bon, ben, ça sera pour rentrer. Hein. Il a encore de belles stats, hein, je trouve. Hein. Il a encore de très belles stats. Carlos Bacca. Mais là, c'est surtout pour du kiff. Mmh. Ricardo Ladinetti, libéré par Cagliari pour entrer dans la rotation. Le potentiel est assez intéressant. Il n'a que 21 ans. C'est pas le top joueur, mais, mais j'ai fait avec mes moyens. On a eu le prêt de Toffol Montiel également, le traître. Puisque l'année dernière, il était en série B avec Palerme et il s'en est très très bien sorti avec 11 buts et 7 passes d'aise. Donc il reste, euh, il avait beaucoup aimé la Sicile depuis qu'il est tout petit. Il a voulu rester en Sicile, mais en série B. Le paris Bacca, ça vaut d'être tenté, mais ouais, c'est clair. Dans la rotation, euh, en série B, il va s'éclater. Hein. Donc Mentiel, j'aime beaucoup ce joueur. Euh, L'arrivée de Vigorito, le gardien italien euh, libéré par Lecce. Rappelez-vous, en début de saison, j'avais un effectif où j'avais plus de gardiens. J'avais 8 joueurs dans mon effectif. Il a fallu tout reconstruire depuis la base. Donc Vigorito sera le gardien titulaire. J'ai pris euh, Alessandro Zagnoli en prêt pour faire la rotation à droite. C'est pas foufou, -fou, mais euh, pour le prix... Euh c'est pas mal. Bélody, c'est ma seule recrue payante. Gabriele Bélody, défenseur central, acheté au Milan AC. C'est pas terrible, mais ça peut progresser. L'arrivée gratuite. Pour moi, il est juste en série A, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il est resté en série B avec moi. Andrea Dini, qui arrive gratuit. Libéré par Parme, je pense qu'il a... Il peut jouer quelque chose. Il n'est pas ultra fou en physique et en mental, mais pour faire de la rotation, pourquoi pas. Milico, très content de ce prêt. Il a mis un doublé pour son premier match. Vicenzo Milico, prêté par Torino. C'est lui qui va jouer à gauche. Oliver Jurgens qui arrive gratuit. Bon, ben ça c'est pour l'équipe jeune et pour essayer de faire de l'achat-revente. Et Simonetti assez content de son arrivée, assez complet, à 25 ans, libéré par Parme également. Voilà, voilà pour le mercato. Ah, mais as prêté à euh, Rotti et Nicolas Rotti qui va essayer d'affirmer de, de, son potentiel à l'Albinon. Bah, déjà, il a mis autant de buts. Euh, <laughs> ouais. euh... J'ai prêté Nico Rotti et j'avais eu euh, Raspadori hein, que j'ai prolongé, qui est un petit peu la star de l'équipe. Du coup, je suis en série B, moi. Je suis en série B. On est sur la saison 3. Première saison, euh, j'ai euh, Choc en barrage. J'ai terminé 6e et, et voilà. La saison 2, j'étais beaucoup trop fort pour de la série C. Euh, 95 points sur la saison. Ça a été monté direct en série B. Et là, j'espère que la série B euh, va plutôt bien se passer pour aller chercher la série A direct. Sachant que je suis annoncé 9e mais c'est ultra serré. Hélas Vérone, Spal, Breccia, il y a la Monza, il y a Croton, il y a Pescara, le Kievo. Et nous on est là, annoncé ah milieu de tableau, mais euh, ça s'est très bien passé pour le début. De côté, moi je vais chercher la promotion directe qui va vraiment être compliquée et toi Jacques, tu cherches le maintien qui devrait se faire, je pense avec l'effectif que tu as Oui. Je n'ambitionne pas mieux que le maintien. Pour moi, on est euh, top 10. Je vous l'annonce. Je ne comprends pas. Dans ma partie, j'ai pu faire un seul prêt. Ils me disent 5 mouvements de prêt max par saison. Tu es en série euh, B, en série A, c'est différent les règlements dans les bases divisions. Euh, c'est plus favorisé, euh, officier Jambon. Vous le voyez hein, que l'effectif, il se base quasiment uniquement sur des prêts. Euh, la saison dernière, j'avais 10 joueurs en prêt. Hein. C'est 8. 8, tu as le droit à 8 prêts de la division au-dessus. Donc quand es en série C, as le droit de récupérer huit bah joueurs mais de Serie A. Il est en Ligue 1, mec. Mais en Ligue 1, mais les gars, c'est comme si tu me dis « Ouais, je suis en MLS, j'arrive pas à enregistrer des joueurs. <laughs> » Ça n'a rien à voir, les championnats. Chaque championnat a son règlement spécifique. Et du coup, ouais, en, en, dans les basses divisions italiennes, t'as le droit de récupérer 8 joueurs italiens, pas forcément italiens, mais 8 joueurs de Serie A. Et encore des prêts à côté qui ne sont pas de l'Italie. Donc, tu peux te retrouver avec 10 prêts, dont 8 de Serie A, plus 2 d'ailleurs. De, euh, de, mais effectivement, dans les autres championnats, c'est beaucoup plus limité. C'est pour ça qu'en Italie, nous, on a un petit peu abusé de ce système-là. Par contre, quand on sera en, en Serie A, on pourra évidemment moins, faire beaucoup moins de prêts. Donc, voilà, voilà, voilà. La tactique ressemblerait à, à ça, normalement. Un breccianini aussi, que j'ai prolongé, je n'ai pas présenté, mais. Euh, très très fort, Palumbo. Euh, J'ai prolongé Amione également, le, le défenseur très très fort. Donc euh, on est plutôt pas mal. Voilà ce qui va euh, être annoncé pour aujourd'hui. On va jouer Brescia, Salernitana, Cremonese, Vicenza, Crotone, Spal. Et, euh, et du côté de Jax en série A, il va y avoir du lourd, il va y avoir de très beaux matchs à suivre également. Pas euh... de voilà. Vous avez vu le calendrier, donc il y, y a plusieurs options qui sont possibles à la fin de la saison. Soit on se retrouve tous les deux en série A, soit on se retrouve tous les deux en série B parce que je suis pas monté et que toi tu es relégué, ou soit euh, moi je monte pas et toi tu restes en série A. On va dire qu'il y a un scénario où euh, l'écart cartes s'agrandit pas c'est celui où tu montes. Il y a un scénario euh, qui réduit l'écart, c'est-à-dire je descendrai et qu'on se retrouve en série B. Mais s'il y a le scénario où on se croise, où tu descends et je monte aussi. Il peut y avoir ce scénario-là, il y a le scénario où bah, tu perds deux années de, de sur. Ouais, 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 ouais. Parce que les finances sont très, très compliquées. Euh... Et j'avais pas vu la question, mais Esposito il joue bien, je l'ai en prêt avec ma carrière avec Tottenham, il est pas ouf. Bah, si tu l'as dès la saison 1, il va pas être ouf, hein, je te le garantis. Euh, et même moi, Esposito, pour l'avoir pris à sa solo saison 2, c'est très très loin de faire les dingueries que ça me fait sur cette carrière. Je, pour moi, mon Esposito de sa n'est pas aussi bon que l'Esposito que j'ai à Palerme, ça dépend vraiment du potentiel qu'il a eu dès le début. Parce que bon le mec, euh, mec il fait deux saisons. Ah bah là ton Esposito c'est pas le même qu'ailleurs. Hein. Je pense qu'il est, il est Gauthier. Et je pense que même le petit Daniel dans cette carrière, il est mec. très très haut. Si tu regardes même avec les jeunes, Esposito, je sais pas si tu vois, éliminatoire non, mais... championnat d'Europe, il a marqué 13 buts en 6 matchs. C'est une dinguerie, mec. Il est meilleur buteur. Il a 10 sélections U21, il a 18 buts. Hein. Je. Voilà. Et les matchs l'année dernière c'est 41 buts en série B et 20 l'année d'avant mais c'était à la SPAL. Déjà même à la SPAL il les fait pas, enfin dans ma carrière il les a pas fait. Hein. Ouais. Moi ouais, je pense qu'on est dans une carrière où les. Il y a des joueurs qui sont juste plus forts que, ah, que vu. J'avoue que ton Daniel, tu il est boosté hein. Oh la vache. Ah non mais il est. Après je pense qu'il joue dès le début euh, tranquille ou quoi. Sur voilà. les deux déposent le bilan et hop. Ce <laughs> terrible. La statue de l'éléphant coupée en deux. Enfin, sûr si Esposito il l'a pris euh, début de carrière, euh, Oui, tu vas pas le trouver ouf. Ah Bah, j'ai pris Lise Béton en kiné. Moi, je sais pas, ils arrêtent pas de chercher. À euh, l'analyse des performances, ils me cassent les couilles avec ça d'ailleurs. Ils prennent toujours un mec qui est pas bon. D'ailleurs, en. Ce qui, ce qui est compliqué et il y en a qui disent ouais mais pourquoi tu montes pas et tout, c'est que il n'y a que les deux premiers qui montent, plus un barrage euh, pour le troisième, voire une promotion avec euh, 14 points d'écart, enfin voilà. Donc il faut que je termine dans les deux premiers obligatoires, et le pire, c'est en série C où tu dois être uniquement premier. Si tu n'es pas premier, tu n'es pas sûr de monter. Tu peux être deuxième et Lisbeton, c'est pour Renonce. <laughs> Ça ah y est, 10 béton, il est là. Ah il y, y, y a Gérard Junior qui, qui me parle aussi. Moi, je dis 10 béton. Ouais, ça marche. Hein. Résultats commerciaux. Oh, 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 oh. 19ème, ça fait mal. Ça fait très mal. T'es prévu de 19 Non, non, c'est les... les revenus commerciaux en série A. Ah bah oui, forcément. Bon, les tu t'es façon... prévu 18, hein, de toute façon. Oui, moi je suis prévu au fin fond du gouffre, là. Bah, tu t'en sors pas trop mal pour l'instant. Ah, pour l'instant, on est très bien. Hein. Ah, je pense que tu vas te maintenir. Parce que bon. Moi, bon, la question, c'est est-ce que je peux faire top 2 avec des équipes euh, qui ont beaucoup de moyens, c'est-à-dire des équipes qui descendent de, de, de série A et qui ont pu conserver leurs joueurs de série A, quoi. Là, je vais avoir un très très gros test face à Breccia qui est annoncé 3. Et qui dispose notamment euh, d'Alfredo Donnarumma devant et de euh, Terre Grossa. Je pense que j'ai pas tout euh, ce qu'il faut pour rivaliser avec ça. Ça serait terrible de ne pas monter direct. Merci pour le follow, euh, Chris Pauls. Les crisprolls, c'est des biscottes, ça <laughs> oui. C'est ouais. trop bon. C'est des biscottes. La biscotte J'en ai pas bouffé de cette merde. Des biscottes Ouais, enfin des Crisproles. Tu fais ce que tu veux. Hein. En série B, ça, ça change de système de jeu vu le niveau de piste de la Spezia. Jax devrait pas galérer. Ouais, je pense. Ça donne envie d'acheter le jeu. Faut pas hésiter. Se lâcher, faut pas hésiter. Bon, bon, on prend notre billet pour aller voir ton match. Hein. Ah, mais tu joues pas Bah, tu joues mercredi, pas moi. Ah, ouais, mais t'es un petit peu zéro aussi. Bah oui, mais bon, t'as qu'à pas en série B aussi. Ah, ouais, bah, tu vas voir, tu vas voir du beau jeu. <laughs> je, je mets pas Gaetano titulaire parce que. Ah, bah, il y a encore Félix, l'enculé, mais. Ah, bah, ça y, y est, il a eu moins de viewers quand même, tu vois, on voit le, la différence de potentiel. Dégage le faux host. Tu vois, moi, j'ai pas le message. Je vois que c'est du trucage. Mais en même temps, toi, t'as jamais Streamlabs qui te pose quoi Ah ouais, c'est vrai. Il a fait apparaître une petite île, le bâtard. Du coup, on va jouer comme ça avec Respadori qui va descendre d'un cran et Carlos Baca titulaire. Voilà, c'est dit. Mais Gaetano ne fera pas du dessus parce qu'il revient de blessure. Quand je vois les couleurs Aston Martin en F1, ça n'a pas l'air beau. Hein. Par contre, l'Alpine, elle va être belle, je pense. Ah l'Alpine, il y a des moyens qu'elle soit belle. Aston Mais... bah, Martin, ça va être quoi Ça va être vers euh, vert bouteille, non bah, Vers Aston, hein. Ouais, ouais. Allez. Allez, allez Ça part sur un 4-4-2 à plat euh, côté Brescia. Brescia qui a fait. qui a perdu son premier match. Lopez, Ils sont à zéro points. Le bien, le coach non, 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 j'ai regardé, c'est pas lui. Ah. <laughs> c'est autre Diego Lopez. Un argentin, je crois. Paul Marais et de Diego Lopez, je me suis fait sauter le caisson par un gamin de 16 ans. Ah. Mais parce que c'était juste des à Milan quoi. <laughs> Quand il a perdu sa place euh, sur une pseudo-blessure euh, face à Donnarumma. Allez, Raspadori, Raspadori qui va chercher Calottaka. Et eh oui, ah, la, a charrette. la charrette. Allez. <laughs> <laughs> oh, le tacle de Paz. Et c'est récupéré par Blechanini. Blechanini. Il va faire la marque au Rogue. Je pense que si on gagne ce match, ça peut vraiment nous mettre en confiance par rapport au. au entre guillemets grandes équipes de série B mais attention parce que Blanco Blanco j'ai bah voilà. Blanco ouais j'avais une feuille j'ai fait une rature je voulais mettre du Blanco Medico qui a pris un coup attention les éléphants qui réagissent qu'est-ce que j'aime pas les éléphants pas. qui réagissent ah Carlos. Carlos Sovetis. Mais non. Mais non. Mais le gardien <laughs> Comment il est aussi avancé On dirait moi c'est Rocket League <laughs> Mais ne me dis pas qu'il veut sortir récupérer le ballon là Regarde ça Il est en dehors de la surface <laughs> Vigorito Au tapis <laughs> c'est pas possible Allez, allez, les gars On réagit oh là là, on, est... on Je pense que Baka, à la mi-temps, il est plus là. <laughs> Qu'est-ce qu'il fout, bordel La Courtois. Je pense qu'à la mi-temps, euh, le bonhomme, il... il est plus là. Carlos. Ouais. Ah, mais là, il n'est pas crucifié. Euh, il s'est installé lui-même sur la croix. C'est pas possible. C'est quoi le placement, en fait C'est Christian je le... Ouais, je prends le deuxième. Non, non c'est Andrés, je crois. Andrés ah. Tello. Penalty. Voilà. Le match qui bascule. C'est quand même dommage. Hein. Aïe 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 aïe. aïe, aïe, aïe. C'est quand même dommage parce qu'en stat on était plutôt équilibré et là on se fait bouffer sur deux coups, euh, deux coups du sort. Au moins qu'on revienne là un peu pour annuler la boulette. Prends ton temps aussi. Allez, Fury. Fais pas de furiture. Ouais. Ça me saoule, ça. Ouais, je vois le beau jeu, t'inquiète. Il fallait voir mon premier match contre la Regina où j'ai gagné 5-2. Il faut pas voir ce match de merde. Allez, allez. En tout cas, voilà, on continue de proposer. On baisse pas les bras avec Raspadori. Ok, tu le vois, Raspadori, il est là Vous avez un problème avec ma manière de travailler Précisément... Mais non, nous on aime le beau jeu là, on tient bien On fait ça pour le fric Ouais ah, mais c'est sûr, il n'y aura rien, euh, rien d'aussi... ...de meilleur que mon gardien à Toronto qui m'a tout fait perdre en fait. Salut Jérôme Au fait... Pas fini, C'est peut-être pas fini cette première période. C'est dans les petits espaces. Ah mais il y a Donnarumma, comment tu veux que je... Oh là là oh. là là Oh là, ah là 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 la là la 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 Tac, tac, tac. Je sais bien que dans ce genre de match, je suis pas forcément favori. Après, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, fini. On va essayer de... de changer un petit peu tout ça là. J'ai Milico qui est blessé aussi. Chier. Allez, ça va gueuler. Et c'est reparti. Prenez vos livres, page 47, chapitre 12. Le chapitre où Benito remonte tout le terrain. Spadori demande à sortir. Mais les mecs, c'est quoi ça? Ouais, on passe à côté. On passe à côté. Euh, niveau niveau casse, c'est à peu près ça. Mais bon, on commet un penalty, On fait une boulette. Ça pardonne pas. À moins que. Oh, c'est quoi ce centre Et boom. Oh, dommage. Ouais, faudra gagner sur la durée. Ce match-là, bon, c'est pas terminé, hein, Mais vu comment on joue, la défense, c'est... Ça me rassure pas la défense. La passe, il fait un match de merde. Ah mais le gardien fait une passe D. Bah logique. Je sais pas si j'ai le droit d'autres changements. Ouais, ouais, c'est. Le gardien a fait une passe D, oui, <laughs> je viens de croire. Non mais je sais pas, c'est pas, <laughs> c'est sûr en fait, il a fait une passe D. Mais non, Benito. Mais t'as vu mon gardien aussi. Bon ben bah Bredia au dessus, logique. Hein. Oh le 5/8 de Toffol. Ouais, Toffol vraiment zéro. Hein. La aye, cache de folle. Dire que je me suis déplacé pour ça. Ouais, ouais. C'était pas ouf. Prochain match, Salernitana. Il va falloir se rattraper face à Salernitana. Mais non L'autre tu le prends après, il prend 4 à 5 semaines, et en a peine en arrivant, tu vois, mais non. Sérieux Bah oui, le Louis. Louis. <laughs> le Louis. Louis Mariano. Après, bon, pas de conneries non plus. Et Colombo qui est convoqué avec les, avec les espoirs. Ah oui, mais c'est vrai que moi j'ai des sélections, j'ai des trêves de sélection, toi tu les as pas. C'est vrai, mais, voilà, t'es favorisé encore une fois. Il ah, fallait monter. Hein. fallait faire le, le clean sheet. Hein. Ah, mais la première saison, je pouvais rien faire, tu te souviens bien. Tu pouvais rien faire, tu pouvais rien faire. Tu te bon. Moi, je trouve, tu as baissé les bras un peu trop vite. Pas baissé les bras, j'y arrivais plus. L'équipe ne mettait plus un pied devant l'autre. Facile à dire ça. Du coup, c'est Empoli, le Virtus et Monza qui sont les trois à 6 points. Il faudrait absolument qu'on batte Salianitana pour revenir très très vite dans la course au titre. Et Toffol, il va faire un petit séjour sur le banc. Et on dit GG au club anglais, qui prennent les jeunes Italiens dès le début, qui ne les Ils utilisent pas. Bravo à eux. <laughs> Salut Rovella. Masterclass, hein. Arsenal, Liverpool, même combat. Marc, c'est réaliste. Hein. Arsenal, Lucas Torreira, qui ça Je connais pas. C'est qui Torreira C'est quoi ce plot <laughs> Je connais pas. Bon, mais bah, je vais retenir que Carlos Baca titulaire, c'est pas... <laughs> oh mais bah, mec, en même temps, t'as cherché. Enfin... Euh, Carlos Baca... plutôt euh... un mec qui va rentrer... Euh, voilà. Je te l'aurais bien dit. Hein. Là, ça me fait penser, mais avec ces conneries, j'ai pas d'arrière-droit. Hein. En remplaçant Damit avec ces conneries. L'estry, c'est pas ouf. Euh, Vas-y, si tu veux, Marco, on va faire une petite prédiction là. Que Benito va encore se faire souiller. Que Benito va perdre. Voilà, on peut parier sur la défaite. On parie pas sur les matchs nuls, c'est de la merde. Les prédictions sont lancées. Ah, eh bien, on affronte le frère Esposito. Malheureusement, le petit frère sera pas sous le terrain. Il a toujours sa coque. Petit frère. Salut Camille Ça va très bien, cet opus te plaît Ouais, ça va. Je pense que c'est plutôt, euh, plutôt logique. Le petit Daniel pour gars. L'ouverture du score Donc Vous avez tous parié sur ma victoire là. On est d'accord. <laughs> Là, vous êtes confiants les mecs Vous savez que je joue Salernitana ah, quand même. Mec, 99% de non là. Ça mise majoritairement sur ta défaite là. Bah non, est-ce que Benito ah, non va perdre Non, ah oui. Oh, ça, la question elle est là, c'est une question inversée. Bien vu, bien vu. Vous avez pas vu ça comme ça. Non ah, mais c'est vrai voilà. Les... la communauté me fait confiance, je me sens adoré. <laughs> Oups, Béga. Ça faire le je, par, je, je pense que je suis un peu l'idole, euh, l'idole FM, au minimum. Euh, un des streamers les plus aimés de la commu. Porté au nu. Ah ouais. Salut ça, Jackie, salut Alex. C'est moi qui porte au nu. C'est une expression. Oui, non, mais... <laughs> hey, mais toi, le premier degré, enfin le second degré, c'est pas qu'une température. Hein. Avec ces conneries, et... bah, tiens, avec les conneries je vais prendre un but. Ah, mais, je savais pas parce que moi, quand, quand tu dis descends l'équipe en flammes, euh, je sortais le, le feu, tu vois. <laughs> Il sort le lance-flammes. Ah, C'est ça. Est-ce que tu es monté en série A bah, Comment dire que pendant Noël, on n'a pas joué en fait Donc, La dernière fois, on s'est arrêté. Euh, la série B avait pas commencé. Euh... On n'a pas fini la saison en 1h40. Ouais, je suis désolé. Tu ne mets pas du tien paniqué. Bréchardini El Centro okay. <rire> 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 Moi ça part... moi je te jure ça part comme ça samedi. Oh non L'ouverture du score de Salernitana. Les parieurs à la douche. Oh Colombo pour le 2 0 Les parieurs à la douche. <laughs> Les bookmakers! Dit, ça me dit, ça va partir comme ça. Les enculés, euh, c'est obligé. Hein. Les bookmakers dans la sauce. Mais attention, parce que le match n'est pas terminé! Quel chat! Mais c'est incroyable ça! Double poteau, j'ai jamais vu ça. Il <laughs> fait des doubles poteaux depuis qu'il est tout petit. Ils ont fait un tir cadré, un but. C'est tout. Le Benitos n'a jamais vu sa valeur marchande aussi haute. Ah <laughs> voilà, Raspadori qui égalise. Non mais ça va Camille, tranquille. Ça marche le skin hein. C'est juste que tu peux pas le spammer. Le wisebot a répondu hein. Et attention, parce que Katane est en train de revenir. L'éléphant n'est pas très rapide, mais il est puissant. Ah oh, putain, je suis à score. Oui Toffol Montier, le deuxième. Et tac Quelle inspiration de Carlos González. Regardez ça, la passe au second poteau, là, elle est parfaite. Mais attention, parce que Salernitana peut revenir. Ils peuvent revenir. C'est bien ça, voilà. La passe FIFA. Clairement, la passe FIFA. Oh, Raspadori, le troisième! Bah, c'est du Friello, ça! Je... L'éléphant écrase l'hippocampe! Oh là, le petit Daniel qui récupère le ballon! Le petit Daniel qui se présente à la surface! Enculé! Y a pas euh, un Pokémon <laughs> qui, sa... qui est éléphant, genre tu ou je sais pas quoi? Dolphan. Dolphan? Oui. Bah, là, je te dis que l'hippocampe. Euh, li... C'est quoi déjà? Hippostar? Hippo Céan? Hippo trempe, Hippo Céan, Hippo Roi, mec. Ah oh là 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 ben cul... là. Bah là, Hippo. Ah, mais j'ai plus l'habitude. La culture Pokémon de Benito, elle a pris un coup. Elle a volé un éclat. Là, l'éléphant, il... il éclate. Euh... Attaque, écrasement sur Salernitana. Tana. Hein. D'enfant. Vous savez bien qu'il y avait un Pokémon éléphant. Il ouais, y en a plusieurs. Hein. Je te signale que, que j'ai ouvert le jeu Pokémon. Il y a un gros éléphant qui pop. Mais hein. bah oui, oui. Quand c'est tapé, c'est <laughs> Katane. Colombo. Qui sais qu'il y a besoin de, de temps de jeu là Simonetti, il a, il a, il a le niveau, ouais. On va se faire égaliser avec vos conneries là. Allez, bordel Oh là 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 là. Garitano Garitano qui ne s'entre pas, enculé! Le petit LA Oh! Dommage. Tu as gagné du coup? Non, oh bah là oui. Petit Daniel qui crucifie. Troisième but de la saison et cinquième passe-dé, je crois. Eh bien, les parieurs sont au tapis. Parce que Benito a gagné. Ils sont pas au tapis, ils sont. Ils sont bien. Bah, ça y est, on a validé la prédiction. Victoire de Catane sur un doublé de Raspadori. Salernitada, ils ont vraiment marqué leur seul tir cadré. Hein. Bah, Jérôme, t'es pas prêt alors ce que samedi, tu vas voir, ça a brailler. Hein. Avec Aurelio et Babane, c'est tombé. Hein. On a la team. Euh, la team qui gueule. Hein. Match d'ouverture, je joue Aurelio, je peux vous dire que ça va gueuler. Hein. <laughs> La revanche de McLaren. j'avais oublié un enculé qui m'avait mis un but à la dernière seconde. Bon, bah c'est fini. T'inquiète, on est habitué. Oh, Vous êtes pas très nombreux cet après-midi, c'est vraiment bizarre d'un jour à l'autre comme ça. Le mardi, il y a 200 personnes, le mercredi, il y a 100, le, le jeudi, il y a 90. Ne me dites pas, vous travaillez plus le jeudi que le mardi, C'est pas vrai. Ça va en décroissant, tu travailles toujours bien lundi, mardi, mercredi, et le jeudi, vendredi, c'est la main dans le slobar. On fait tout ça, arrêtez. <laughs> euh... Non, moi, c'est du lundi, où... c'est du lundi où... Ouais, <laughs> Du lundi au jeudi, arrêtez conneries. Le vendredi, on est, on est la main dans le slobar. Ah, mais ça fait un petit moment qu'on fait des sessions euh, jeudi, vendredi, voire vendredi, samedi euh, à Glion. Puis j'ai toujours été en live le jeudi aussi. Perso, je suis en repos. Donc je suis là. Yes. Après, vous savez que vous êtes nombreux à voir un rediff. Je fais un petit coucou à vous là qui êtes en rediff. À 2h du mat avec une bière dans le lit. Ah. Moi je vous imagine comme ça, tu vois. T'as un écran YouPorn, un écran Benito et Jackie. Et, euh... Euh... Et, je pas... et je veux pas savoir la suite. Ça me ferait bizarre d'avoir un mec qui se prend le pendant qu'il regarde un live. Tu vois, il a live. Non. T'imagines, tu... on sort une connerie en même temps. <laughs> ah Oups <laughs> <Ouh> <laughs> Il a tout lâché. C'est dégueulasse. Ouais, je pense. Ah non, c'est dégueulasse. Benito et Jackie, sérieux Bah oui, hein. Euh, Diogo Brass, c'était pas mal ça à l'époque. Ah, c'est si l'argot dès qu'on sort des trucs de cul, il sort de l'ombre lui aussi. Ouais, mais Diogo Brass, il a pris tarif. Hein. Je... <laughs> je... Ouais ouais, c'est dommage. Hein je l'avais avec ce show euh, sous le vin, sous le vin, il était pas mauvais, voire même très bon. Et là, je trouve qu'il est. <laughs> Moi, je commence mon taf à 16h30, je garde des enfants. Eh bien, bon courage! Franchement, ça, c'est un genre de truc que je pourrais jamais faire. On garde les enfants! <laughs> à ma gauche, ceux qui veulent rendre le trésor. Et toi, tu seras ministre des anciens combattants. Comment ça, les anciens? Moi, je vais être ministre des combattants tout court! <laughs> Trop il la besoin de Oublié de bon, Marco Varnier, ça a l'air encore très fort. Hein. Bon, bah voilà, on est avec 9 points d'avance sur le, le 18ème. Euh... Bah GG, hein Moi, bah, je pense que c'est fait. Hein. Non, non, euh, moi, j'avais pas de doute sur le fait que tu vas te maintenir. Et puis, en plus, si tu chopes une... Bah, on est encore au début de saison, mais... Ouais, ouais. Moi du coup je suis septième euh, mais c'est ultra serré, un seul point d'écart avec le deuxième et là je vais jouer Crémonaisé, qui est zone rouge. Donc là c'est victoire impérative euh, face à crémoniser. Il faut pas perdre de points surtout face au Crémo. Et yo... Euh, alors, Zeltan ou Zeltan C'est Sultan mec. Mais non C'est qui Sultan C'était pas un de tes joueurs ça Si j'avais un arrière-gauche qatari qui s'appelait Sultan. Ah mais toi t'as eu des trucs aussi mec euh... Il y avait joué dans Aladdin je crois. Prononce le à l'américaine Zeltan. ZELTAN Oh my god it's Holy <laughs> shit. ZELTAN Holy shit Oh my god Unbelievable <laughs> J'ai jamais joué à un multi ça se passe comment On est plusieurs dans le même championnat Pas forcément On est juste dans la même carrière En fait ce qu'il faut savoir c'est que Le mode multi c'est pas un mode à part C'est une carrière. Tu fais ta carrière et euh, tu l'as fait à deux. Il n'y a rien qui change. C'est juste que bah, tu as un concurrent qui est pas dirigé par l'ordi, mais par un humain. Donc l'idéal, oui, effectivement, c'est de faire. Ça, je vois pas l'intérêt de faire un multi, que t'en un qui entraîne en Chine et l'autre aux états unis tu vois. Tu on l'avait fait, ça, avec Aurelio. Moi j'avais pas l'air mais il avait l'Atletico. On se retrouve en Europa. Ah bah c'est ultra rare, euh, il faut ah, ton, oui, oui. avoir le bon tirage au sort et tout. Et puis surtout enfin, nous on a toujours des bons moods pour se croiser presque jamais en Europe. Euh... Ouais. Parce que je crois que Milan Inter on s'est jamais croisé en Europe. Séville, on l'a fait une fois. Mais... Avec Milan Inter on faisait que des finales de Coupe d'Italie, je me souviens. Oui. Et puis à part. Euh... Ouais non mais je crois. On s'est croisé que deux fois, je crois, en Europe. Une fois, bon bah la, la fameuse Ligue des champions, mais on retiendra pas cette Ligue des Champions parce qu'elle n'a jamais existé. Et puis l'Europa League où tu m'as... Ouais on n'a jamais gusté non plus. En fait ça fait deux fois. À chaque fois tu m'as tapé, tu m'as... tu m'as toujours sorti en demi. <rire> <rire> ça a toujours été un match pour aller en finale. C'est chaud hein. Viens à Toulouse garder les enfants avec. Ah bah non, je ne vais pas venir au minimum. Ça peut être sympa. Mais t'es de Toulouse toi, Lenny Il s'appelle Lenny Nice. Il habite pas à Nice. C'est la première fois que je vois ça. Il est peut-être originaire de Nice C'est comme Marco euh, MHSC qui habite à Paris en fait. ça c'est. C'est camouflé euh, dans le. Marco, il va venir dans la gaming house parce que c'est produit maison. Lui c'est le formatage du streaming. Mais Marco streamer, je, je, je m'abonne direct mec. Alors là, regardez, je suis en train de buter Alex et Jackie. Et tac Ce serait du génie. Marco, son J. Ce serait du génie. Par contre, en vrai, on parle, on parle, mais moi je joue plus là. T'as combien de matchs Comment ça, tu joues plus mais et bah Moi, je, la joue dans, je joue dans dix jours. Oh, bah, oh, bon <laughs> ça va. Nice, c'est mon autre famille et je viens de Toulouse. Ah ouais, mais comment tu veux que je sache aussi C'est le nom d'une ville. Non, mais les, vous faites des, des, des trucs un peu tricky. Hein. Aïe, 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 Je vais changer Alex Benito en. en Alex Montpellier, je pense. Il faut le setup, mais c'est pas grave. Ah Marco, vu le nombre de subs que tu lâches, euh, je pense que tu as les thunes pour le setup. Moi, hein. bon, je pense aussi. Hein. Le, le monsieur qui a un petit appart parisien à, à 2000 euros par mois, euh, aux 25 mètres euh, carrés, c'est large. Hein. C'est easy peasy. Est-ce que je tenterais pas, euh, Robella, moi du coup ça aurait été avec plaisir Lenny, mais tu vois que là je suis en train de travailler moi aussi, du coup je peux pas venir t'aider à garder les enfants, de toute façon euh, les enfants. Euh... Oui voilà, gosse de merde Attends, je voulais mettre juste le clip, tu dégages pour les enfants. <laughs> les enfants, s'ils font une connerie, c'est ça. Tu vas pas faire ça. Voilà ce que je leur fais aux enfants. Sinon, je t'en colline <laughs> Fais-moi penser de pas te faire garder de ghost, toi. Ça serait du génie. Attends, Marco, t'as une femme de ménage What Mais non. Mais Marco, il vient à Versailles, en fait. Il il, Peut-être qu'il est là en sneaky, mais c'est le petit-fils de Macron, hein, je pense. T'imagines Il a le daron à l'Élysée. hein. <laughs> en fait c'est un crack on le sait pas mais... ah ben voilà ça c'est co l'argo parce que c'est vrai que t'avais des problèmes de co la dernière fois ça s'est pas senti du tout sur, euh, sur voilà que t'as eu des problèmes de co je pense que ah, le, le micro il partait en couille ouais. et ouais désolé d'alicou il faut que je me mette à jour sur la carrière multi mais les vidéos sont tellement longues après vous n'êtes pas obligé de, de tout regarder euh, toutes les rediffs à chaque début de, de carrière enfin de chaque début de live surtout aujourd'hui on a fait un gros récap donc, si tu regardes juste le récap qu'on a fait euh, en début de live, euh, tu peux largement rattraper ton retard. On a fait le point sur la situation des deux équipes. Savoir qui est attendu, à quel endroit, quel championnat on est, les recrues qu'on a fait, le mercato. En vrai, en 30 minutes, tu as tout rattrapé. Hein. Ça, c'est des petits tips. Et d'ailleurs, j'habite pas loin de toi, Jax. Comment ça, t'habites pas loin de moi C'est Joe la débrouille. Hein. Bah, il va dire j'habite. Euh... À deux heures de chez toi, désolé, mais c'est loin. Hein. En fait, non, cherches chez toi. Ah bah oui, mais précise, précise. Et sinon, voilà, Andrea Papetti, on prêt. Bravo Arsenal, trois saisons, cinq matchs. On applaudit. Merci à tous. Voilà, c'est ça, ça de gâcher des talents italiens. Il va être prêté à Monaco, mec. Bah oui, mais je veux pas le savoir. Monaco, il va se perdre, il est tout seul, il connaît personne. Il a une femme de ménage qui a une femme de ménage. <laughs> T'étais pas juif ici bah T'es où, où alors Parce qu'il faut préciser, Marco. Là, faut faut donner des noms. Ah, Papetti, Quand ils font des bêtises, je leur dis c'est le rouge. Mais tu ne fais pas ça, Alenny. Papetti refuse de te prêter. Ça, c'est moche. Bah, je suis à 5 minutes. Alors attends, 5 minutes. Enfin, ça veut dire qu'à à, à une...

À gauche, euh, à gauche de la. À, à gauche des bouchons ou à droite Des bouchons. <laughs> Mec, c est, c est, cet axe-là, c'est une catastrophe. Ah, c'est con, Marco. On aurait presque pu se voir un an près. C'est ballot. Hein bon, on fera quand même un apéro au déconfinement, là, un, un apéro à Alex et Jackie avec les abonnés, non Ah, t'es vers le RER. Oh là là, ah, c'est vraiment le coupe-gorge <laughs> Non mais Marco un jour il va revenir en live, il va faire désolé les gars on m'a tout volé j'ai plus d'ordi Ah ouais non, mais mec c'est vraiment le coup de gorge en plus la gare <laughs> le bon... Quelle idée aussi Oh merde Au moins il a les dealers pas loin quoi Ah Je pense qu'il est bien là, il se met bien Mais qu'est-ce que tu fous là en fait T'es là depuis le début Genre attends depuis qu'on qu live les conneries euh, bêtises tout ça là Ça fait combien de temps qu'il est le Marco Bah il a commun, il a je sais plus combien de mois, mois d'abo euh... 12. Ah si, il est peut-être là depuis. Oui oui, c'est possible. Bah, il était pas sub au début mais ça fait le plus longtemps qu'il est euh... après tu attends, dis... fo follower depuis le Ah non, ouais, 2 décembre 2017. Ça fait un peu Ouais, c'est ça. 2017 hein. Ah on aurait presque pu se croiser. Ça se qu'on s'est peut-être déjà croisé, on ne sait pas. Bah, si Jax t'as déjà été racketé, bah c'est Marco. Non après j'ai pas souvent pris le RER donc. Euh... Mais d'ailleurs le RER, le RER c'est celui du Vizis. c'est pas... pas y a pas de RER à Attends, j'ai un doute. J'accepte Lenny. J'accepte. Tu vois, je prends le shake, j'encaisse. Et euh, j'en bois, bois une et je la re-remplis d'eau et je la bois comme ça, tu vois. Technique. Petit tips. Ouais, je vais bien être sponsor par monster, y'a pas de soucis. Hein. Attends, je la vois pas, la garnettissement. Bon, mais moi, je vous trouve un petit peu timide aujourd'hui, là. Parce qu'à part parler. Euh... Ah, Mercato terminé. C'est là, c'est là, là. Oh le bordel, toi. Ah oui, t'es vraiment dans le coupe-gorge. Je pense que Jack n'était pas prêt. Hein. En plus, sur les côtés de la scène, mon gars, tu, Alors là, tu, tu joues qui d'abord La Juve ou l'Inter L'Inter. D'accord, tu vas voir leur mercato. Plus grosse dépenses 335 millions de transferts pour. Euh... Denis Malen, Myron Boadou. Ah oui, ben d'accord. jamais Mendy. Oh. Crayant tes pieds Boadou à 83 millions, Nuno Mendes à 45, Malen à 64 millions. Mais l'Inter, c'est de l'eau. Yuri Tillmans. Christopher ailleurs, 336 millions pour battre Palerme. C'est vrai qu'ils ont quand même lâché les pépettes. Tu verras, jamais en vrai l'Inter met trop hein. de temps. J'avoue que, que si c'est si un peu beaucoup, 335 millions. Après, ils même sont... Paris, ils mettent pas ça sur deux joueurs. Ah si. Ah si, non mais mec, c'est même pas sur deux, c'est... Jacques, il connaît pas les deux francs. ban, nique-toi en fait. Hein. Jackie dans la sauce. C'est quoi ce mercato Ah ouais, c'est chaud. Hein Enregistrement de l'effectif. Il ah ben, est, est assez vidéo. facile à enregistrer puisque tout le monde est U23. En fait. J'ai un effectif ultra jeune. On ne dirait pas comme ça. Un peu on dit « Ouais, pourquoi tu arrives pas ?» et tout. On a un effectif qui est ultra jeune. À ah, quoi Tu pas déconnerie Il n'y même plus. Il y a tout ça. Je ne sais pas si je peux sélectionner là. Jusque là, c'est moins de 23%. Donc plus de la moitié de l'équipe c'est moins de 23. Heureusement qu'on a baca pour, euh, pour augmenter la moyenne d'âge. Bon, c'est les vacances en Italie ou pas? Bah, moi je, suis, je me dors à la pilule, moi je suis euh, en Sicile. T'es pas en vacances. Mais tu joues quand Tu joues le 10 Je joue le 10, oui. Ah bon bah voilà, on joue ensemble. Je joue l'Inter à la maison. On reçoit le premier. Je joue Crémonese. Alors, imaginez que dans un malentendu, on bat l'Inter. Est-ce qu'on peut, est qu peut prétendre être un candidat au titre Alors, je dirais pas au titre, mais à l'Europe. Ce qui serait déjà assez ouf. Est-ce que du coup, on ne pas en question le fait que le jeu est peut-être un peu trop facile mmh. Je ne sais pas. Mais j'avoue que ça manquerait un peu de réalisme. Je, je m'attendais à ce qu'on galère un petit peu plus. Vraiment, 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 vraiment. Le mec, il arrive, il fait one-shot euh, série B, enfin, one-shot série C, one-shot série Après, B. Après, mec, euh, t'as vu les prêts qu'on avait Je pense ah, pas que là, c'est un, un problème de facilité, c'est un problème d'effectif qu'avec un effectif comme ça, t'es obligé de monter, en fait. Moi, ah ouais, je t'ai déjà, hein, ouais, déjà dit, les prêts qu'on a en série C, c'est inimaginable en vrai. Esposito, hein. en série B, qui claque 45 buts, euh, oui, ok, bah, ouais, tu montes. Tu veux que je te dise. Logique, logique. C'est comme si, si en Ligue 2, t'as as le prix de Moussa Dembele, tu vois, c'est ouf. Ça arrivera jamais, même en, en national. Ah, après, c'est le pif d'avoir été le chercher. Hein. C'est ah. peut-être le talent aussi. Hein. Oui, oui, oui. C'est peut-être un peu ce qui manque dans cette équipe de Katan pour être au top. Hein. C'est du talent. Ouais, mais un éléphant, ça vit longtemps, tu sais. <laughs> Les gars qui sort des trucs. <laughs> Ouais, ça dépend. Je l'ai vu, vu sur Arte, hein, c'est 80 ans, je crois, un éléphant. Ouais, mais il y a beaucoup qui ne les voyaient pas, les 80 ans. Âge éléphant le plus vieux du monde. Longévité entre 50 et 70 ans. Voilà. Bah, 4 mètres de haut, 6 tonnes. <rire> <rire> 60 à 70 ans, l'éléphant d'Afrique. L'Asie ah, dure moins longtemps, je sais pas pourquoi. Ouais, pourquoi Ouais, l'éléphant d'Afrique, tu entre 60 et 70. Ah c'est pas la même race je pense. Et l'Asie c'est 48. Ah, ah, c'est comme certains, certains chiens qui vivent plus longtemps que d'autres. Ouais mais ça fait quand même sacré en... La blessure de la dynétie cette semaine à trois mois. On en vient quand même à se poser des questions de savoir quelle est la durée de vie d'un éléphant. Mais oui, nous nos lives on apprend des trucs, on n'est pas juste là à commenter des parties, c'est... C'est une aventure unique, c'est la vie. On a toujours eu des débats. Euh... L'Afrique est pieds nus. Ah. Qu'est-ce qu'il raconte, lui What Qu'il a pété en boulard, euh, Clem. Ouais, je crois. Hein. J'ai 20 minutes de voiture pour aller chercher euh, le gosse. Ah ouais, mais toi aussi tu vas dans des quartiers, mec. Euh, rien que pour ça, les gamins, moi je les laisse. Hein. <laughs> Pourquoi ça craint euh, la <laughs> Bah J'y suis jamais allé, mais il paraît que oui. Hein. J'avoue que même à Toulouse, c'est pas trop les quartiers qui craignent un peu. Vous voyez, je pense que la sépia, ça craint un peu. T'inquiète, Benito, si tu viens, on, on ira à la source. Ah ouais ah, C'est dit comme ça, on ira à la source. Ça fait genre, tu vas à la source, tu vois, on dirait dans Matrix. T'inquiète. T'inquiète. C'est classe. <laughs> tu verras peut-être du Matrix, y'a pas de soucis. <laughs> Merde. Ouais, je verrai Morpheus en train de me mettre des coups de latte. Genre, je vais prendre la pilule bleue, mec. On va descendre au fond du gouffre. Parce que la source, tu sais quand il rentre, mais tu sais pas quand il ressort. Il va pas ressortir de la source. <laughs> non mais c'est quoi cette merde aussi ce... T'inquiète. T'inquiète. Ouais, voilà, moi j'y connais pas aussi. Clem y connaît en tout cas. Oui, oui, J'ai pas de doute sur le fait qu'il connaisse. Ah. <laughs> non, mais une petite visite de la, visite de la source. Non, merci. T'es au lycée là-bas, mort de rire. Est-ce qu'on peut dire que quand tu vas là-bas, t'es prélevé à la source 20 euros de l'heure, ça vaut le coup Ouais. Non, j'avoue, 20 balles de l'heure, c'est pas mal. Moi, quand je fais des extras, je suis à 10 balles de l'heure, donc euh, ouais. J'avoue 20 balles de l'heure c'est pas mal. Après tu fais pas tu fais pas 10 heures d'affilée quoi parce que si tu fais une journée à 20 balles de l'heure euh... Ça fait cher la journée hein, pour regarder le gosse. Tu, hein. tu fais 8h20, heures, heures, euh, tu le fous devant des, des films et toi tu regardes des streams à côté j'avoue que c'est bien payé pour ce que c'est quoi. <laughs> ah bah tu te fais sucer dans une cave. Hein. Ah. ah mais Clem, comment tu sais ça aussi? Ah ne raconte pas! <laughs> là, là, il y a, là, il y a un tournant de l'histoire dont je suis pas au courant. Là, là, là il, a, il a sorti le dossier, là. Gratte. What the. Non, mais Clem. Clem, qu'est-ce qui se passe? Que dirait ta femme, Clem? Hein? Si tu tenais de tels propos. Là, Clem, euh, il balance des doses, là. De toute façon, Clem, il va arriver. là, Quand il va choper la fille, mec, il va stream du Warzone. Hum. Mm. <laughs> J'ai <Je> pas <même rire> besoin de te visiter, je crois qu'il y a quoi. Bon Benito. Désolé, ouais, Largo. C'est quoi qu'on retourne Ouais C'est quoi qu'on retourne sur Warzone <laughs> Bah, moi, tu sais qu'en 15 minutes, il est DL. Hein. <laughs> non, je rigole. J'ai vu, le... vu la méta actuelle de Warzone, c'est mort. Faut pas y jouer. Hein. Ouais, non, ça fait trop longtemps que j'y ai pas joué. à euh, Bon, bah, c'est Bon courage, bon courage. Euh, c'est Inter-Palerme ou Palerme-Inter Palerme-Inter. C'est quoi la compo là qu'on rigole Ondanovic, De Devraich. Astonie ailleurs, Hakimi. Ah oui ça va. Ah Non mais ça va, je pense que. Comment on a pu en arriver là bah, ça. C'est Marco, hein pou, pou. Grosse équipe, hein, tu. Ouais. C'est Marco qui a parlé euh, à Tismons, On a dit coupe gorge et puis bah après on est arrivé. Euh... On est arrivé sous le fait que bah je pouvais emmener Benito à la source. Ah bah du coup tu bosses où, euh, Lenny, si t'es serveur, euh, sûrement que... que je connais ton resto. Ah. Mais c'est sûr qu'en ce moment ouais, il vaut mieux faire des petits boulots à côté. Ouais. Attention. Attention. Et puis surtout quand on mon avis vous n'êtes pas sorti de l'auberge avec vos boulots. Ah mais là c'est sûr, j'ai une réunion là, la semaine pro, je sais pas trop ce qu'on va nous dire, mais on va nous dire bah vous reprenez pas les mecs. Vu qu'il a prolongé le truc sanitaire là. Ouais. Enfin, le... Je vais m'exiler à Londres pour aller bosser, je pense que c'est le bon bail. Oui. Enfin tous les, oh, les Angleterre c'est Bon bah il se pourrait peut-être que l'Inter c'est peut-être un peu dur. hein. Bah, Parce qu'on est en train, train de se faire un peu ouvrir le derche mais pour l'instant il y a toujours 0-0. Mais on prend cher. Le petit Daniel, le petit Daniel, le petit Daniel qu -ce Que c'est trop Bon non. Mm. Moi aussi il y a 0-0 mais on domine un peu, j'aimerais bien qu'on marque avant, le... avant la mi-temps. Mais mi non Mais mec, on a What tapé la latte. La latte. je bah, perds un 0 moi. La volée du petit Daniel qui tape la barre. Il était battu. Ah, Andanovic était battu. Je peux pas perdre contre eux à la maison. Quoi. On a laissé barrer là. Ah, le bah, moi je travaille, euh, je travaille en resto, l'argo. Hein. C'est pas pour rien que je stream autant. Hein. <laughs> Bois du Bois Doux. <laughs> Qui met son sixième de la saison. C'est fini. J'essaie ma reconversion en streamer professionnel, mais les temps sont durs. Tu hein. la concurrence de Domingo, c'est pas facile. Hein. <laughs> pas fou le gardien. Ah le gardien, il a pas fait, il a pas fait des étincelles. Il va pas faire des miracles. Hein. Et il va pas faire tout le temps des miracles, non on est, est d'accord. Oh la vache. Par contre, Federico, il va falloir se réveiller, bonhomme. J'aimerais à... bien me réveiller aussi là, quoi, c'est incroyable là, ce match. T'es pas à la Sam d'Oréal, là, faut... faut. respecter le maillot là. T'es pas à Katane, hein. Penalty non Putain, j'y ai cru. Ça va pas rentrer T'es pas à la sando, je t'ai déjà dit. Tu vas finir les, les pieds coulés dans le béton. Mmh. Après, qu'on perde contre l'Inter, est-ce que c'est réellement une surprise Pourquoi il est dans le béton alors que moi, j'ai une kiné qui s'appelle Lise Béton <laughs> J'aimerais te répondre, mais je pense que non. J'avoue, il y a Carbon qui fait. Je sais pas qui c'est ce mec qui C'est le il petit stream... frère de Guata. Ah Ah Ouais, donc faut être pistonné, quoi. Moi, vous savez, les gars, que j'étais euh, le petit frère de. Il euh... faut que je trouve un streamer. <rire> <rire> de Diablo X9. <laughs> ouais, mais là, ça marche plus, je vais couler si je dis ça. <laughs> Et Hakimi qui loupe son face-à-face. -face. Ok. Non, après, Carbone, il est pas tant boosté par Gotha, hein. Pour le coup, euh, il fait son trou tout seul. Hein. Le grand frère de Michou. le <laughs> vrai Chanini qui était pas loin du rouge. On va chercher l'égalisation, peut-être, avec Fiori avec Laspadori. CR7. Bah non, si c'est ça, j'ai plus le droit de boire de Coca. T'as plus le droit de bouffer des chips. <laughs> oh là 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 là, bon bah 2-0. Je crois que l'inter, ça va être très 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 dur. La ressemblance est réelle avec Squeezie, mais arrêtez. Ah, il y a la même Calvos, hein. Carlos Sobetis Culé. <laughs> non, je pense qu'en rapport âge Calvici, il est en avance, Squeezie. Hein. Il est en avance Ah bah, il a moins de cheveux que moi et je suis plus vieux que lui. Hein. T'as moins d'argent, il en a plus aussi. <laughs> ah ah ben dans ce cas là je préfère me raser la tête alors. C'est pour euh, quelques millions. Bon, je crois que alors c'est fait ouvert. Bon bah on aura pas... il n'y aura pas eu l'exploit face à l'Inter. Hein. Puis je pense qu'il n'y aura pas l'exploit face à la Juve. L'Inter nous remet à notre niveau. Ah, puis là on provoque un penalty. Bon bah voilà. Hein. Merci à tous. <laughs> Le fils de Carlito. Allez les mecs, allez les mecs sur la fin de match, on va chercher le deuxième. Oh là là, c'est quoi ça Penalty accordé, bah oui, 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 forcément. Non, on va perdre L'arrêt du gardien, le génie. Et l'arrêt de Bowman sur le penalty. Bon bah voilà. Et vous Johnny, est-ce que vous connaissez quelques streamers Ah bah c'est vrai, euh, je connais, euh, je connais euh, évidemment Zazie. <laughs> allez, raspadori, allez la passe, ouais. Vas-y Pecorino. Wow. Ah, je peux pas le dire en live, Lenny. C'est dans la clause de confidentialité. Je te le dirai en privé si tu veux. tu me, tu me DM Twitter et si tu veux on peut discuter resto. Ouais, ouais, tu vas être en retard là, les gosses. Ils, ils vont être pendus au plafond, tu vas rien comprendre. GARITANO Peut-être 10 minutes de folie pour aller égaliser Il faut pas perdre. Il faut pas perdre maintenant. Ouais, bien joué ça. Allez, on y va. On y va. La dernière minute. La passe pour Carlos Baca Allez, va te retourner pêcher dans ton pays, toi. Il travaille dans le rouge. <laughs> Non mais ça passerait l'argot hein. Merci pour le follow. Pourquoi avoir pris Katane Et pourquoi ah. pas Parce que le logo c'est un éléphant et c'est vrai que moi j'aime bien les trompes. J'aime bien les grosses trompes, bien dures. <laughs> Pardon <laughs> Ah Ah oh là là, là on aura pas démérité! On va faire du 1 Vous un. vouliez du buzz, moi j'en sors. Hein. <laughs> on a perdu de 1 hein. Non! Ah, hey, mec, tu t'es pas fait si éclater que ça! Bah non, en plus on a, <laughs> on a tapé une barre. Ah, moi aussi je me suis tapé une barre. Non, vas-y, j'ai fait. Voilà, on les félicite. Moi je les félicite, c'est mes petits. Moi je suis comme. Euh... Moi je, suis comme, euh, merde. moi je suis comme Lenny, moi. Je, je garde des gosses. Là. <laughs> le petit Daniel à la garderie. Non, c'est un projet intéressant. Il y avait le, le derby euh, avec Palerme, après il faut, faut connaître un petit peu le background euh, du streamer. Et si on te dit si d'avoir perdu face à, face à l'Inter Je ne pense pas. Du coup, je me retrouve troisième à un point de Monza et Pescara, donc ça va. Hein. Après, t'as joué des plots aussi. Hein. Euh... Breccia, là où j'ai perdu, je pense pas, non Ah mais oui, mais en dehors de Breccia, t'as joué que des plots. Et pourtant, Cremonese, c'est costaud. Hein. Ouais, c'est 19ème. Hein. Toi, peut-être pas, ça. Non, mais c'est bien si tu montes tout de suite, c'est cool. Hein. Ouais Ça m'évite de m'envoler ils hein. Il s'envole, il s'envole, il s'envole. Crap, y'a la UV d'ailleurs tu joues le ça tu joues le mercredi ou pas Non je joue le samedi Ah bon ça va on peut avancer alors Tiens quoi tu veux bon, si je garde des enfants t'aurais pu t'aurais dû prendre l'etche Ah oui aussi aussi ça compte Bah qu'elle est là adjoint ah mais moi, j'aime bien ce genre de mec qui arrive, il, il te lâche une, une question et tu réponds, tu prends le temps d'argumenter et il n'y a plus rien derrière. Le gars, il est déjà chez Mac, là, en fait. Mm. Il, a même pas il a même pas écouté ma réponse. Je pense que t'es un peu négatif. Ah, mais oh. moi, j'ai toujours été comme ça. Hein. J'ai préférais... je... fait un test, j'étais négatif. Je suis content. Ah. On t'a mis le <laughs> potentiel le nez Non, en vrai, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai jamais fait. Ah bah, bravo. Mais alors, Nero le nombre de l'est, l'est en V, une narine en feu. Tant que est là, il... Puis... <laughs> on passe à en tirer là-dessus. <laughs> un peu salé, non, mais il a un peu salé. Ouais, je, suis pas, on est... je suis pas salé. Moi, je veux bien être sympa, mais à un moment, ça veut pas dire euh, que, que je suis ouvert à tout et que. Ouais, ouais, ben bravo, merci. Ah bon, t'es pas ouvert à tout Si vous me faites un truc de travers, moi, je vous encule. Hein. Oh là là. Oh. Ah, je, ah, je, ah oui, je confirme, ils sont pas ah prêts. Il hein. y a un mec qui a dit Forza UV qui s'est fait ban, désolé, mais t'es encore pire que moi. Hein. Or, c'est faux. Moi, je, je tacle que verbalement, toi, tu bannes des gens. Je l'ai pas ban, je l'ai Théo. C'est clipé. Type... arrête ça, Marco. Puis c'est Jérôme, c'est Amical. Parfois je disparais, mais c'est à cause de la connexion. Non, mais c'est vrai. Vous, vous êtes, euh, voilà, je pense que c'est assez logique que certains soient remis à leur place. C'est pas un dérapage. Moi, j'assume hein. Ah bon, je suis... <laughs> moi je suis choqué <laughs> Il me dit un truc de travers. Moi je vous en cul. Non mais c'est vrai. Attends, la Véro, elle a pris pire que ça. Hein. Ah oh, putain, tu me butes. <laughs> Habituellement, c'est moi qui dis ça. C'est vrai, c'est vrai que là, ça déteint fortement. Ah là. mais là, moi, moi, je suis gentil aujourd'hui, je ne dis rien. Mais non, mais il m'a énervé l'autre aussi. Après, ça a du mal à redescendre. <laughs> là, Merci pour le follow multis. Ouais, Merci beaucoup. Le live va bien, le live va bien. Mais le live va très très bien. Tout est sous contrôle. Il n'est que 16h. Le, le, le groupe est soudé, le groupe vit bien. Oui Didier. Après voilà, c'est vrai qu'on a un groupe, on fait attention aussi à Olivier, on lui fait confiance. D'ailleurs, n'hésitez pas à finir à la source avec Giroux. N'hésitez pas euh, si vous avez besoin d'un brozovic. Ça coûte de source. Il est pas très cher. Source rare. Il a encore pris, non euh, J'ai baissé, mec. Ce que j'ai dit. Je voulais casser les prix, mais en fait, je l'ai baissé, mais il a remonté. Après, t'es toujours le moins cher sur le marché, c'est ça qui compte. Hein. Oui, c'est ça qui compte, mais bon. Dis-toi que de base, j'étais au même prix que le, le pierre. Mm. Retrouvaille au Zèbre Stadium. Ah, le nom n'a pas changé par contre. Zebre Stadium. Bon, ça on peut pas. Je pense qu'on peut pas aller contre. Mais... On dirait le coach corse qui parle. Salut, continue comme ça. Merci beaucoup, Multi. Et merci, euh, Lunar, pour ton euh, follow. Bienvenue à toi. N'hésite pas, installe-toi. Voilà, on est comme à la maison. On est plutôt chill, on est plutôt sympa. C'est le frère de Squeezie qui parle actuellement. Partagez le stream. Ah. Le défenseur de Genk qui va en prix à Toulouse. Ah bon, j'ai pas vu. J'ai vu qu'ils avaient pris un gardien. Ah oui, Sébastien euh, de West. Ok, il jouait pas lui parce que je l'avais regardé sur Justement. Je l'avais regardé sur Sorare. Ouais, J'avoue, ça vaut le coup. Il a 14 balles sur Sorare si ça joue titu en Ligue 2. Ah, mais la Ligue 2, elle n'y est, pas... est pas. Ça fera 0 points. Ok. Ça va, il aime bien les tatouages, le mec. C'est Kenny West. <laughs> 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 qui c'est qui a sorti <laughs> C'est Kenny West, mais non. C'est Kenny. <laughs> Allez, ah, bonne journée, bonne Vas-y. Moi, je l'ai valide. Ah, je la valide. Merci, Neox, pour ton follow. Bienvenue à toi. Ben, là, tu vas voir l'équipe, puisque je suis en match et que je vais faire ma compo. Euh... Sinon, euh, quand c'est que vous allez refaire du F1 cette année ou l'année prochaine, ou même en coop avec Jack C'était des barres de rire sur F1 2014. Ah oui là, Il y en a quand. Euh... C'est obscur, là, là, vous dans des... La grande mémoire nostalgique. J'avoue que je pense qu'on sera peut-être de retour sur F1 lorsqu'ils sortiront le F1 manager. Euh... Soit le... Ouais, soit le Motorsport Manager 2, soit de la vraie coop, une carrière coop, parce que ça, ça a disparu. Sans aucune raison d'ailleurs. Et euh, d'ailleurs, bah, c'est eux aussi qui sont sur FE Manager, c'est ça Non, non. Non Non. C'est pas... pas Codemaster qui fait FE Manager Non, c'est ceux qui ont fait Planet Zoo. Ah oui Qui vont se lancer 2022. 2023, je sais plus. Mais non, non, c'est pas Codemaster. Son Codemaster, là, c'était repris par IE. Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner. Je... Après, c'est racheté par IE, mais Codemaster ils gardent leur identité. C'est comme euh, certaines marques qui sont qui appartiennent à une marque, en fait. Je m'attends à ce qu'il a patillé quand même. Hein. Je pense je sais pas si ils les achète juste pour toucher le chèque, ou s'il les achètent pour leur donner des conseils de, de développement. Bah, vaut mieux pas qu'ils leur donnent des conseils de développement. Ouais, je pense, hein. Parce que. Parce qu'après, ça peut juste être racheté comme Google a racheté YouTube, mais tu vois, sans qu'il y ait de, de lien entre les deux. Je sais je, pas en vrai. Je savais pas te dire. En vrai, je savais pas te dire. Mais bon, voilà, un produit certifié IA n'est pas forcément de très bonne qualité, quoi. Ouais. Malencontreusement. On va se ouvrir par Ronaldo, je crois. Et merci Lunar pour le follow. Si si les deux follow Bon, bah, on va partir là-dessus avec Gaetano, j'espère qu'il va se réveiller un petit peu. Euh, on joue Vicenza. Je sais pas trop ce que ça vaut, Vicenza. Au vu du classement, je te dirais que c'est de l'eau, mais ouais, mais j'ai l'impression que le classement qui est là, il veut pas dire grand chose en fait. Bon allez. on valide. Oh, ce déplacement à la UV mon gars, est, euh, dur. On valide, on valide. En tout cas, voilà, si vous avez des questions sur, sur les équipes, n'hésitez pas. On fait un challenge en ligne. Euh, des deux équipes de Sicile qui sont Catane et Palerme qui étaient en série C les deux. On était en série C en tout début de saison, tout début de carrière. Ah Mais ils ont Sergio Diaz Ah ils jouent pas Ronaldo. Sergio Diaz, euh, Ninkovic, Cuomo, euh, ouais. Pas Jack. Ah oui, mais si c'est Averro, c'est Avero, c'est pas Ronaldo. Ouais. C'est écrit Averro, c'est Averro, c'est pas. Uh, tu sais pourquoi t'as les faux noms? Non, mais quand t'es dessus, c'est bah. vrai nom mais je pense que c'est. Je, je sais pas. Je sais rien en fait. Chelou. Quand tu cliques dessus, c'est Cristiano Ronaldo, mais là, je sais pas, c'est écrit C Averro. L'Averro. L'Averro, oui. Bah. Je me suis fait une déchirure musculaire en descendant les escaliers, je me sens comme Gourcuff Oh là là, mais Julien, mais c'est pas possible. <laughs> ah non, la honte! Le joueur en <laughs> cristal. <laughs> bon rétablissement Christian. Euh, Christian. <laughs> Christian Gorkiff. <laughs> Et euh, Sévi Dortmund, je suis assez confiant. Tout dépend de la forme d'Alland. Je pense qu'il y a une grosse dépendance sur lui, mais Dortmund, euh, c'est pas la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Hein. Tout est possible. Je suis assez confiant. Oh bah si, mais, mais on... ça. Mais on peut très bien perdre comme, euh, comme gagner. Et Vicenza qui domine. Vicenza. Vicenza qui ouvre le score. Ah, c'est peut-être pas de l'eau alors. Ça me saoule. Bah, ça va, les cinq, a... ça a frappé, tranquille. Okay. On, a fait 9 on a fait 9 tirs. Ils font leur premier tir du match. Il est au fond. La base Ouais. D'ailleurs, surpris, c'est la base FM ça. Allez, Frabota qui joue face à son ancien, à son ancien club. Oulolo, c'est pas serein la Youv, hein. Je vous le dis, la Youv, c'est pas serein. Sérieux On les tient On va peut-être prendre le. Le coup franc, mais pour l'instant on les tient. Et c'est la boulette, le but de Bonucci, mais non Ah mais c'est Bonucci, hein Pas cette salope Oh oh non, Paz, il va prendre le rouge. Oh non, il a rien. Ah, Fabrota qui se trouve. C'est le rouge. Il y avait rien. Ah là 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 là, là, là le choc. Non, mais vous comptez tous choc un par un là ou. C'est quoi ces si relances, les mecs Allez, Colombo. Colombo pour l'égalisation non mais Lunar c'est la même en fait, c'est un, un troll. Pourquoi Ça dégage, ça on le ban. Ben, il a fait un host à 230 viewers. C'est quoi cette nouvelle mode On n'a jamais eu ça et là ça, 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 ça pop en boucle. Je <laughs> sais pas mec. Début du succès, t'attires les bottes. Tu oh mets Baka, il va être décisif. Ouais j'ai peur là. Colombo le crack. Ah bah, par contre, si on prend un but dans la foulée. Oh là, là, Bowman! Ouais, il y a une attaque de botte. Aéro bot. Aérobot. Ah! Ouais. Pas pris, non? Non, moi non plus. La pâte milanaise. Qui fait les beaux jours de Palerme. Non, pas avant la mi-temps. Pas avant la mi-temps. Pas avant la mi-temps! Oh ça, bougre d'un salopard de, de temps Oh, le petit Daniel, le petit Daniel. On va essayer de jouer comme ça. Hein. Marcos pour Colombo. Ah, Colombo qui s'est fait bloquer par Bonucci. Ça mériterait un jaune, ça, monsieur arbitre. Il a rien du tout, mais ça mériterait un jaune quand même. Euh, non, ça m'était jamais arrivé. Là, ça fait deux fois en une après-midi. Après, voilà. Hein, euh... Bowman, c'est quoi ça Oh, les gants en les, les mousse là, là c'est plus possible. Bon, man Carlos Baca Merci à ma 2000 Je t'ai écouté, hein. Je t'ai écouté, Carlos Bacca qui rentre et qui est décisif. Tu as combien de saves en Italie Bon, on en a juste deux. Hein. Moi j'ai la mienne en solo, à sa solo. Puis là, notre duo avec Benito palerme Catane, c'est tout. Salut Jérôme, merci mm. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on va revenir à 10 contre 11 après le rouge Après le rouge Allez la Raspadori La Ah c'est parti je pense que c'est un flop. Ah ouais Oh Missy C'est quoi ce tacle Oh là là, le tacle... Le, le tacle... Ah bah non, 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 mais ça c'est un tacle qui se fait respecter de Ronaldo. Là. Ah Là, il a envoyé Ronaldo à la maison de retraite. Hein. Allez, le ah, il faut le, il faut doubler là. Si on arrive à gagner ce match, c'est c'est énorme, mais ça serait mérité en même temps. Ça serait large mérité. Ok, Ronaldo a été vexé. <laughs> il a failli nous mettre à but. Oh, shit Oh merde. Bon, bah, vous saurez ne pas vexer Ronaldo. Hein. Parce que j'ai failli prendre un but. Quand le Ronaldo est vexé, lui faire ça. Hein. Oh, merde. Et vas-y, je prends le deuxième, quoi. Qu'est-ce qu'il a pris en rouge, l'autre connard, là. C'est ça Vincent J'ai encore perdu 2-1 C'est terrible. J'ai perdu 2-1 moi. Et Pescara va s'envoler je pense. Manza a fait nul contre Breccia. La Spala a fait nul. Euh, par contre Pescara ça a l'air solide. Hein. Mais non. Petit Daniel qui peut pas centrer. Alors en parlant du stream squad les amis, j'ai quand même une petite confession à vous faire. Vous voyez le sub goal qui est juste en dessous à 83 sur 100. Euh, il me manque quelques subs pour obtenir le partenariat avec Twitch qui est indispensable à faire, euh, pour faire le stream squad. Donc en gros, si j'obtiens la certification de Twitch euh, grâce à vos subs, donc ça peut dépendre uniquement de vous. Donc je compte beaucoup sur vous, je sais que là... On fait un mois de janvier qui est très très correct, un début d'année qui est parfait. Mais euh, j'ai reçu un mail de Twitch qui m'a dit qu'au niveau des, des vues, c'est très très bien. Euh, on est beaucoup sur les lives, on a une belle communauté, etc., etc. Mais il manque des subs pour passer le dernier cap. Et donc, ça sera uniquement grâce à ça qu'on pourra passer le cap et qu'on pourra euh, lancer des, des squads. Voilà, voilà, Eh oui, et eh oui, ils ont des privilèges les certifiés, c'est pour ça que j'aimerais en faire partie. Donc voilà, Eh oui, eh oui, c'est ça, ben ouais, mais il y, y a ça, il y a des émotes en plus, il y a le fait de choisir sa qualité de stream à n'importe quelle heure. Là, sur les après-midi, vous pouvez choisir la qualité de la vidéo, mais si je stream en soir, c'est en flux euh, obligatoire de sortie. Donc vous ne pouvez pas le modifier. Enfin, il y a beaucoup de restrictions. J'ai beaucoup de restrictions du fait que je ne sois pas certifié. Donc si vraiment vous pouvez donner un petit coup de pouce à la chaîne avec un sub, ça serait du génie. Puis ça serait, tout le monde serait. Ça serait tout bénef pour tout le monde. Quoi. Oui, parce que vous ne pensez pas qu'on balance un lien pour le plaisir. Hein. Oui. Si on pouvait le faire directement sans ça, on l'aurait déjà fait. Hein. Donc ça serait, ça serait énorme. Hein. Oui, je pourrais le faire même si Jack n'est pas certif, je l'intègre. Euh je l'intègre directement. En fait, avec un stream squad, t'as le droit à 3, c'est ça babane il le sait mieux que moi, mais. T'as le droit de faire une squad de plusieurs streamers, même s'il n'y en a qu'un seul qui est certifié. Je crois que t'as le droit à autant que tu veux. Non, je crois que c'est 4. C'est pas autant que tu veux, mais c'est 4, je crois. D'où le terme squad. Du coup Pescara s'envole hein, totalement avec euh, 13 points en poli et pas mal. Après je suis dans la course hein, avec seulement 2 points d'écart sur le deuxième. Mais attention, Pescara, ça a l'air solide. Et là je vais jouer Croton. Le Croton. Bon bah moi je suis heureux. J'ai fait mes deux matchs de merde là. Moi je vais Piz. Tu joues quand dans deux jours. Ah, bah non. J'ai ma petite pause. J'ai ma petite pause. Donc voilà, voilà, le message est passé. Euh, pour, euh, pour soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen. Donc cela ferait... Bien, bien, bien plaisir, ça me permettrait d'abandonner la restauration pour devenir un des meilleurs streamers de ma génération. c'est dit. Le nouveau métier, eh oui, engagé par, par Baban dans sa gaming house. Bon, n'était pas prêt alors. Ah, il a dit qu'il voulait faire ça, il avait son idée d'entreprise et tout. Ouais, qu'il ait l'idée, ça se dis pas, mais... Moi j'ai déjà préparé mon CV, je lui envoie... Euh... Je pense, je pense que c'est le financement qui va peut-être manquer, mais. Ah ouais? Après, on fait une petite magouille à la Ocean Eleven. On pique tout son pognon. <laughs> Putain, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. C'est du génie. Baban, c'est le, le méchant, là. Bénédicte. Ah oui, Bénédicte, ouais, c'est lui. On oh, piquait sa thune. Euh, tu as les teams. Et les squads. Hein, pour les teams, tu peux en créer et deux et y mettre autant de membres que tu veux dedans. Et le stream squad, c'est du multi-twitch, mais je connais pas les règles. Ouais, il faut minimum être partenaire, ouais. Votre partie m'a inspiré. J'ai commencé avec Palerme et fin S3, j'ai fini troisième derrière la UV et l'Inter. Donc, Jack, ça va passer tranquille le maintien. Ah, ouais, j'ai pas de doute que ça va pas passer. Hein, moi, je suis serein. Après, nous, en tout cas, tous les deux, j'ai l'impression qu'on recrute bien italien. Euh... On recrute vraiment très, très bien italien. On est euh... un peu contraint aussi, mais euh... on respecte en tout cas la... la nationalité. Après, on aurait pu envisager des papetis, des conneries comme ça, mais bon, si des clubs anglais n'avaient pas fait de la merde. Mmh. Comme allez, c'est parti pour moi avec Paz qui est suspendu. essayer de jouer comme ça croton euh, je pense que c'est pas mal c'est un relégué non croton il euh, je crois que Gnanto est juste monstrueux ah ils ont euh, Matteo Tramoni Zanellato Sergi Enrich, Stefano Turati Vignali Michele Soma ouais oh, Turati ah il y a le Soma, si. Soma si. non c'est pas dernières, c'était avec moi les dernières par contre Belle équipe à Crotone, avec le gardien Claude de Colanta, Soma Vignali, euh, même Zanellato. Claude euh... oh, ben, m'avait dit des Claude de Colanta, mais j'ai vraiment pas la ref. Hein. Mais il ressemble Ah mais c'est juste pour ça. Mais c'est juste la gueule, mec. Putain mais j'étais pas du tout. Moi je disais putain mais le mec de Claude il s'appelle Claude Tourati. J'étais en train de chercher, je l'avais pas. C'est la même gueule. Ah oui, oui, maintenant que tu te dis, oui, oui. Sur mon vrai. face c'est la même tête, c'est... D'accord, je l'avais pas. Non, mais je l'avais pas. C'est pour moi. Et Renonto, euh, c'est mort, puisqu'il y a déjà la Juve, et que euh, la Juve... Euh... Bah, la Juve, c'est la Juve. Hein. Je pense qu'ils vont pas le lâcher. Allez, Milico, Milico encore. Milico toujours. Il faut marquer maintenant, c'est la bonne opportunité. Ah, Lenny, c'est la tuile, ça. T'as vite fait, là, le gamin, il a, tu l'as balancé à la Garonne et t'es revenu direct. J'avoue que c'est un peu la boulette, ça. C'est la tuile. Moi, j'aurais exigé le, le paiement, quand même, pour, au moins pour le déplacement. Non, tu restes pour la meuf, hein. Tu restes occupé de la maman aussi, hein. T es obligé de t'occuper que des gamins, hein. Ah <laughs> Bon, j'aimerais bien gagner, là, les gars. Merci, ouf, Ouais, mais sur une contre-attaque, tu sais très bien, hein. Oui, oui, le fameux... Le fameux attire un but. À moins que. Un petit pénon. Ah, Le centre en coup du foulard On en est là. Milico régale Merci pour le follow Ah oh, mais Lunar, on va te faire foutre Voilà, c'est dit si c'est le même, tu imagines, c'est pas le même. <laughs> Allez, deuxième. Oh, ça déroule. Désolé, Lunar. Hein. Mais si tu me fais un host vraiment, ça dégage. Tu <laughs> vas avoir un host dans 5 minutes. Et non mais c'est quoi cette attaque de host là En plus ça sert à rien là, parce qu'il n'y a même pas les viewers. Allez hop 3-0 C'est ça Croton bah, C'est ça Tourati ils, ils sont relégables en fait actuellement Elle m'a filé 20 euros. bah ben, ça va c'est encore mieux Lenny Ah ouais qu'est-ce que tu fait plein T'as été payé euros, une heure de rien. taf pour rien faire <laughs> C'est du génie T'étais payé une heure pour toucher les calots C'est énorme Le mec il arrive, il prend ses 20 balles, il se casse. Hop, ça paye le kebab de ce soir ça. Le mec qui va au centre Pokémon, hop, 20 euros Oh merci Yama Yama 2000, il a tout compris Yama. Merci beaucoup de soutenir la chaîne grâce au sub. De toute façon, n'oubliez pas qu'un follow, c'est un sub. Oui, donc euh, il faut... Urban Spirit. Urban Spirit, euh, qui est censé travailler, qui fait semblant en regardant des lives. Ouais, mais maintenant, c'est son nouveau taf, euh, Modo, Il fait un petit boulot à côté. Euh. <laughs> Pour mettre un peu de beurre dans les épinards. <laughs> le gars, le <laughs> oui oui Alors que Monza est en train de choc Tant mieux Tout comme en ça, ça serait Pescara que j'aimerais que ça perde Ah La remontada Évidemment. Bah donc même pas... Oh, si elle donc ça cent, fait quatre... 84 e euh, AMA sur les 200 Sur les 200, sur les 100 déjà pour commencer je, je voulais faire un sub goal, genre. Euh, tu sais, les sub goals. Euh... T'avais pas dit que les primes euh, ne comptaient pas C'est vrai. bon. C'est très con d'ailleurs, mais. Mm -hmm. Ah bah tiens Ah, <laughs> oh, t'as eu un host Tiens, Lunar Lunar, la, la Wi-Fi là La face Wi-Fi, bah. Même son de cloche, hein. C'était là pour. Si euh... t'es là pour. Euh... Pour te faire enculer, t'es au bon endroit. <laughs> et wow. si t'es pas à bot, euh... désolé. Go pour avoir le stream squad. Merci, merci du soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne et ça fait plaisir. C'est vrai. Peut-être qu'un jour je serai l'adjoint de Domingo. D'un popcorn. Mais what? Juliano Panzani Tu es au bon endroit Panzani en Italie, ah, c'est du génie. Merci pour le follow. Mais qu'est-ce qu'il te prend Aurelio Qu'est-ce qu'il a fait Il vient te 5 subs Mais t'es complètement zinzin du... Ah mais oui, c'est vrai qu'il te l'avait promis Mais il est pas obligé Bah merci Bobby GG Aurelio Aurelio qui lâche 5 subs, au calme. Et j'ai gagné 3-1, je suis très content. Orio qui slash, bah merci Bobby. Faut pas m'énerver dès le matin, mais on n'est pas le matin. <laughs> et alors lui, <laughs> il est décalé complet. Holy shit Et ben bah, merci à Bobby qui offre à Magellan, à Sash, à Nerdasia, à Katsiko et à Sanctuar. Moi on adore. Il n'y a pas plus fort. Et donc Pescara a perdu, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais les Las Véron passent devant, la Spal la gagné et Monza, il fait match bordel. nul. C'est ultra serré, il y a deux points d'écart là pour aller chercher la première place. Et trois points avec Empoli, qui est neuf. Qu'est-ce que c'est que ce mois de janvier Et prochain match, je joue Monza tu joues quand toi Là. Ah ouais, ok, je joue le 1er octobre. C'est vrai mmh. Ah bah moi je joue le Pise, Atalanta et après Bologne le 1er octobre. Bah on va aller te voir contre Pise ou à mon avis, ils sont un peu finis à la Pise. Surtout qu'on va rechoper Esposito Ah oui Allez, Monza, ça dit dans le, dans le chat. Waouh ah, mais ben Marco, il est toujours contre moi, aussi. Voilà, j'en ai marre, putain. Moi, j'essaie de proposer des streams de qualité. T'as vu comment je suis remercié Après, est-ce que tu vas aller à Vitouloul Non. Parce que t'as fait sensation, t'as joué trois matchs. Si, si, Jax, il voit les messages, hein, mais s'il ignore, c'est qu'il a pas envie de répondre. De quoi Quel message je Travaille dans quoi ah et Baban ba a répondu que c'est le travail c'est pas vraiment le bon mot c'est plutôt glandé toujours dans le déni alors est-ce que si je mets ça ça donne un indice sur ton travail ou pas mmh. Ouf, oui oui encore je suis pas sûr un peu quand même un peu quand même mais je suis pas sûr Ah, t'es à la maison. Euh... Je suis en vacances. <laughs> Allez, Esposito, c'est la première. La vraie première en série A. Qu'est-ce que tu fous en vacances je... Non, en vrai, en vrai, je suis en vac là. <laughs> Et non, je suis ah, pas... je croyais dans un jeu, moi. Je suis pas gazier. <laughs> c'est la même boîte, mais non, je suis pas gazier. Non, mais c'est bien ça vous fait réfléchir un peu. Après on... après ceux qui suivent le live le savent normalement. Normalement. Ah mais il y a Brian O'Day qui est là-bas, mais c'est perdu lui, non. Brian euh, il y a Andrea Siani, ne pas confondre avec Michael Siani. Il y a après, je connais Il y a, a Tripal délit hein. Par contre. Il y a Joe. En vrai, PIS en série a, moi je trouve ça déjà un peu étonnant. Mais GG à eux. Ça peut venir de quoi le PC qui ne reconnaît plus mon casque quand je le branche la connectique Change de prise USB. Il y en a plusieurs. Ça peut venir de la connectique, du cap de ton de ton casque. Euh... Allez, ça c'est fait. Hop là. Tomaso, Pogba, Pobega, pardon. Kralus. Sixième passé du petit Daniel en neuf matchs. Oh lolo 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 lolo, lolo dis ça la 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 qu'est-ce que la la Faut la finir, la 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 main ferme la pourras faire une vidéo où tu la ta carrière fm une vidéo. Euh... Mais laquelle Parce que j'en ai fait plusieurs, non En FM15. C'est pas Lyon FM15. Esposito C'est pas Bauman, c'est Baumal. <laughs> Ou Boval. Parce que j'avais fait ça là, du coup. Lenny. Ouais, euh, j'ai fait ça et euh... j'avais re-récupéré la save, la piste de l'eau hein. Bah oui Tu croyais que ça l'était pas toi Moi j'en étais déjà, déjà sûr Ah Ouais ça va lui, Lyon ouais Esposito Esposito c'est de l'eau. Il a UV qui fait match nul pour l'instant. Pas une grande UV. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire largement mieux contre eux. Aripe et Marie, les solo plus. Ouais. Ça sent le 3-0, ça. Après, ils ont mal l'Inter. jamais vu cette vidéo, mais voilà aussi, c'était sûr. Ouais, mais vous suivez pas tout. Il y a des mecs qui vont dire Je sais pas si tu connais un petit jeu qui s'appelle Little Hope, ça serait bien que vous y jouiez ensemble. Il est déjà en série à l'animal, bien sûr, je suis déjà en série a. Bah, il cheat, Aurélio, tu sais bien. C'est bien connu, de toute façon. La darène, là. <laughs> D'accord. Ah, ça va faire la passe FIFA là. On connaît le foot italien. Hein, oh, vous vous êtes tout de suite là. Comme s'il y avait de la mafia en Sicile. Ah, moi bon, ça mmh. c'est le fond. Allez, hop. Raphaël Ratao. Le frère de Léo. Attends, j'ai pris un but du gardien. Une place des gardien. Ah non, c'est bon. Ouais, bon, là la défense elle est au temps Oh là là, mais ça ne veut pas rentrer, hein, deuxième. Et pourquoi pas, l'égalisation de pise à la dernière minute Je ne prendrais pas que ce genre de match, on perd des points en fait bêtement. Allez, ça c'est joli. La Allez, Colombo. Oh, Avec de la réussite. <laughs> Je te pisse dessus. <laughs> oh non, qui s'est carosé. Oh, ah, Rélio. Un but et tout. <laughs> la main n'est pas assez ferme. La main est un peu molle. La mole la mole. Voilà putain. Bon, Ils ont quand même frappé 12 fois au début, oui. Ouais, c'est que t'es pas si serein que ça. Hein. Ah mais j'ai jamais dit que. Mais nous on ouvre le jeu en fait. C'est. On bétonne pas en défense, en fait. Ce qui fait qu'on prend peut-être beaucoup de buts. Mais au moins ça laisse place au football. Eh oui, Lenny, non, c'est vrai que c'était une belle carrière. C'était une très très belle carrière. Bielsa, quand il prend 50 buts dans la saison, on dit pas que c'est... <laughs> on, dit on dit que c'est un crack, hein, voilà. Homme du match, petit Daniel, neuf passes clés. Neuf passes clés. C'est un peu, euh, c'est un peu le maître des clés dans l'équipe. Et là, je rejoue euh, le 1, moi. Tu rejoues Oui. Le 28 Oui, contre Atalanta. Salut, Denis Bibi Merci d'être là. J'allais dire merci pour le follow, mais non, juste salut, en fait. Golovin, 10 secondes de jeu, il a mis un bijou hier. Le mec est absent depuis 5 mois et on dit qu'il est pas bon. Ah, bah écoute. Ça arrive, hein Ça arrive. Ça le lance. Par contre la Tata on va peut-être se faire ouvrir aussi. j'avais dit je voulais 5 points en... enfin je... si on visait 5 points c'était déjà bien mais je pense qu'on va se contenter de 3. Ah mais je joue Bologne derrière aussi. C'est quoi ces enchaînements de matchs On a pas le physique On n'a pas pense. le physique oh, je pense, ouais, je suis sûr. D'ailleurs, qui est troisième meilleur joueur de série actuellement C'est le petit Daniel. Ouais, je connais quoi vu. Je connais très bien même. Je suis jamais allé, mais je connais. Que je travaille. Non, <laughs> mais je connais, oui. Rattrapé pu rentrer dans le délire ouais j'aurais pu dire ça mais c'est un étoilé donc euh, pas très étoilé euh, ouais, pas pas ça a aucun rapport <rire> <rire> ah ouais quoi vu bah, on peut en parler en... en off si tu veux tu dis ça comme si c'est UTT mec le chef était pas ouf tu vois <laughs> C'est vrai, on peut pour pas. Pour connaître le chef, enfin, pour connaître de nom le chef chez qui t'es, mec. Euh... Je crois que c'est pas si mal. <laughs> dire qu'il y a pire. Ah, il y a pire, ouais, je pense qu'il y a pire. J'arrive pas à chuchoter. Euh... Je peux pas chuchoter Non, pas oh, si on peut. Mettre un truc, non, c'est oui, Ah si, ouais. Et Jack les ventreurs euh, Les ventreurs. Ouais. Paolo est dans la save, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Ah, mais je vais te donner mon patron, Vincent. Je vais te, te donner mon numéro de sécu aussi. Et ah, mais les mecs. Et voilà, c'est reparti. Mais je vous invite pas, les gars. Moi, je vous aime bien, mais je vous invite ailleurs, en fait. <laughs> On va louer une salle des fêtes, on met euh, on les sardines hyper short, hyper fort. Mais dehors Romano. Oh, bon <laughs> bah oui, mais désolé. Je sais bien qu'on est un petit peu proche, mais un peu d'intimité quand même. Tu peux aussi envoyer un slip envoyer un slip aussi. Ah. Je crois qu'Oreilleux veut ton slip fleur de 4 buts. C'est dégueulasse. Ouais, c'est encore pire tu nous offres. Encore pire qu'invité. Ah, mais c'est ton match à retard ou quoi Pourquoi t'es le seul connard à jouer Je sais pas. Je suis peut-être le seul connard qui est sorti de, série... de Coupe d'Italie en fait. <rire> <rire> Et, ça... Et du coup. Je euh... pas mal de choses. Euh, Paolo Giglione, il est à Leverkusen, il a l'air plutôt fort. Bah il joue pas beaucoup par contre, 7 miron. Et ouais, je me souviens de Jan Kopic, ouais. Ouais, ouais. Ah bah sanctuaire, il faut même pas la chaîne. Bah bravo. Bravo Je ne te félicite pas, mais merci quand même. Merci quand même. On peut demander sans forcément aller dans ton resto ou alors le connaître, mais c'est vrai que la plupart iraient direct dans ton resto, désolé. Non, non, il n'y a pas de souci, mais c'est juste, voilà, je ne vais pas donner mes, mes adresses euh, pro en fait. D'ailleurs, Non, mais c'est ça, tu vois. Et te dire Toulouse, mais plus précisément. Tu es dans... Non, non, c'est pour un pote. Que tu peux donner ton numéro de téléphone, c'est pour un pote. Ah non, bah après, voilà, après sur internet, on voit de tout. Euh, je sais que voilà 99% sont, sont hyper sympas et bien intentionnés, <laughs> mais mais euh... il y a toujours des mecs bizarres euh... qui ne sûrement ne parlent jamais dans le chat, sont juste là pour observer et ils vont prendre la, mo la moindre miette euh, pour m'emmerder en fait. De Pour t'envoyer 1000 lingots d'or. De... Mais j'en veux pas, moi oh. Qu'est-ce que je ferais de 1000 lingots d'or, mec Moi, je les prends. Hein. Bah, je préfère un chèque de la valeur que 1000 lingots euh, que ça, tu sais pas où les foutre et que ça pèse euh, 3 tonnes. Tu les vends Tu me fais le chèque direct. Ceinture, est... il, il lâche même pas le sub et il veut me lâcher 1000 euh, lingots d'or, tu vois. Ah Daniel Magnifique! <laughs> l'oignon! <laughs> <laughs> oh le petit Daniel! Maldini! Sur une passe de Qui met l'Atalanta au tapis! <laughs> tu dans l'oignon, il m'a tué! <laughs> Pourtant, euh, Papou Gomez, Bernard Mariano, Froler, Oxel Chamberlain, Palomino, Romero, Méré! Oh c'est ouf Là il y a eu le billard. La voix de Jacques par en couille. <laughs> à force de gueuler, c'est normal. Le papou. Ils ont quand même de la qualité pour revenir. Je me fais pas pour eux. Ça peut dégoupiller très vite, ça peut dégoupiller très vite mon abomane et le petit Daniel qui d'un coup de Kranus repousse le ballon, il est partout. Bon, il n'y a rien que lui qui est partout dans ce match, mais. Non, mais c'est pas pour toi, Vincent, il n'y a pas de problème. Et comme je dis, il y a peut-être des, des gens qui, qui vont tomber sur la rediff ou qui regardent en sneaky sans jamais parler, qui sont pas du tout impliqués dans la communauté. C'est quand même mieux de pas prendre le risque. Il est passé. Mais non, non. Oh là Oh, oh Je l'ai vu dedans. Mais le gardien était troué, hein. Oh, je l'ai vu dedans. Et pas Palerme mais qui fait le beau jeu Oh. What the. Le vrai aurait été cool avant la mi-temps. Le vrai qui aurait été cool. Parce qu'on est cramé là. Le physique. Il a du mal. La Talenta est un peu euh, un peu fatiguée aussi. Hein. Belle équipe, je trouve. Sur le papier. Non, mais voilà, je me méfie un peu d'internet, Vincent. C'est normal. Allez, ah, c'est pas fini. Ragnieri. Pour le petit Daniel. ou le petit Daniel, la paire de balles au milieu de terrain. C'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. Ça peut aller vite. On n'est pas organisé derrière, on n'est pas organisé Mais a... il faut aller dessus là Bernardeschi, le génie Bernardeschi Mais non, Pas sur ça. Papou Gomez Pas sur ça El Papou de la Grande Vous allez arriver au pire moment de FM21, la Coupe du Monde 2022. Ah alors, je suis pas sûr qu'en série B, moi, ça me décale quoi que ce soit. Par contre, toi, Jack, c'est peut-être pour ça que t'as un début de saison qui est ouf. Ouais, ouais. Et que t'as commencé très tôt. C'est parce qu'en hiver, tu vas pas jouer. Moi, j'ai pas d'internationaux, donc je m'en fous. En soi. En soi, j'ai pas d'internationaux, donc je. Non, mais par contre, là, faut pas commencer à faire des cons, là. Voilà. Peut-être le coup de poignard de Palerme avec son Vatou Mal Déni Oh il s'est battu Il s'est battu mais frappé Morel. Ah <laughs> oh, on se bat, on se bat, hein, mais c'est. Allez Le petit Daniel, la percée du petit Daniel, il est parti tout seul Mais non Il est parti tout seul Le petit Daniel Mais c'est quoi ce mec <laughs> C'est quoi ce but Il est là Oh là là c'est cheat. <laughs> en vrai il est ouf. Il est ouf. <laughs> J ai... J ai... Il est encore meilleur que Red Star. Ah il est meilleur que Red Star. Petit Daniel à la Coupe du Monde, voilà c'est dit. Ça c'est nul. Ça par contre je déteste ces ballons comme ça. C'est nul de A à Z. Carles, il fait la même. Carles Perez qui répond à Daniel. Ah je déteste ces ballons en cloche, plein axe comme ça, parce que c'est de la merde, c'est ralenti, puis là c'est. Là c'est le trouage. Il n'y a plus ça. Par contre, il joue offensif Ah là 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 C'est terrible. Ah, au moins, quand vous regardez un match de Palerme, il y a des buts. Ça. Et attention, le dernier mot n'a pas été dit. Il est sorti le gardien. Ouf. Petit lob. Esposito. Petit lob. Petit lob aurait peut-être pu être euh, bien senti. Et attention à la contre-attaque. La Talanta qui veut revenir avec Mariano. Ah, magnifique. La même, la même. Oh, ah, franchement Méré, euh, Méré quoi. Il se couche bien, hein, cet enfoiré. Il se couche bien. Le méré! Il se couche bien, méré! Il se couche bien! Ah, je pense que ça va faire match nul. A hein. moins que. à moins que. Oh, là, 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 là. Allez, en Derrière, ça a l'air assez solide quand même. Oh hein. là! Ouais, ah, mais j'aime pas ces ballons comme ça là. C'est des ballons à la con ça! Ça, c'est des ballons à la con! Chamberlain, Chamberlain, ça. Chamberlain encore. Non, il est en hors jeu. Non Il ouais. j'espère. Oh. Mariano. <laughs> je je espérais qu'il est hors jeu. Hein. Non, mais regarde pas la VAR. Ça. Ça, But est... refusé. Genre, mec, il n'y avait pas besoin. là. Ça, c'est l'exploitation nullissime de la VAR. Ouais, c'est au cas où. Ah, bah ouais, mais mec, là, il faut aller faire du hein. <laughs> bon bah c'est fini 2-2! De ça me va Dans un match héroïque Pour Daniel Ça me va Nous on était pas là On est là pour faire chier Les, les gros nous On n'est pas là pour euh... Ça me va oh, Ça me va très bien Ah ce un but De toute beauté Non mais. Salanta était deux Bah hein. mmh. oui c'est pour ça Que ça me va Ah, je vous garantis que le petit Daniel, j'aurais les sous pour le signer cash. Ça serait, ça serait fair. Merci beaucoup Marco, Barbarus, pour ton sub. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ça fait vraiment oh. plaisir. Le sub. Ça fait quoi, 84 84 sur 100. Le sub goal progresse. 2026. Je vais pas l'avoir avant moment. Ça fait un peu tard, ouais. Parce que, ouais, moi, j'ai pas de trou dans mon calendrier. Toi, par contre, avec la Coupe du Monde 2022. Bah, je joue pas du. C'est mon. Novembre. De mois de novembre, décembre, je joue presque pas. Décembre, je joue ouais. juste le 31. Ah, C'est pour ça que tu as un début de saison qui est ouf, quoi. tu joues euh, tout le temps. Bon, pas si ouf que ça. Hein. J'étais un peu déçu de mon budget en finissant troisième, 13 millions. C'est un peu léger, après on est sur des clubs qui n'étaient pas très riches de base. Hein. Oui, voilà. Les finances sont assez longues euh, à remonter. Et déjà là, j'ai l'impression que je les ai remontées. je suis passé de, de 300 000 euros. Euh, Jamais on était au-dessus des, des 1 million. Là, je suis à 3, quasiment 3 millions de soldes. Ah, Baban s'est fait douiller la notif. Il a transformé son Prime en abonnement tier 1. GG à toi, Baban. Et merci. Qu'est-ce qu'il a branlé Je sais pas, ça, ça. Même la notif, elle a dit non. C'est quoi cette merde Mais quel prince, Boban Du coup, le Prime, il devient quoi Bah, il l'utilise pas. Il a juste pris. Euh... Un tir tout. C'est juste que, bah, il a payé quoi. Bah c'est ça le pire. Mais non, il est gentil, Boban Pour reconstruire, c'était coton. Bah 13 millions, ça va, hein Non mais oh. Bon prêt, tu caries plein de prêts et impossible de les renouveler. Ah mais c'est sûr. Faut anticiper euh, le prêt. Si tu peux le renouveler à la mi-saison. Tu anticipes. Après, au bout d'un moment, ben, ça a ses limites, forcément. Moi, je pense que le petit Daniel, au bout d'un moment, je vais avoir des limites, tu vois. Parce que euh, si je commence à enculer Milan avec le petit Daniel, ils vont peut-être se poser des questions est-ce qu'on va peut-être pas le faire jouer nous Ouais. Après, le petit Daniel, moi, je l'ai mis dans mon cœur. Il est dans le cœur de tous les supporters de Palerme, là. Même lui, Palerme, il bat dans son cœur, Palerme. Donc, il aimerait venir. C'est l'essence même du produit maison, là. Tu vois, regarde. Je me réjouis que vous soyez intéressé par le recrutement de Daniel Maldini pour un accord soit possible. Le, le joueur a envie de venir. Mais bon. travailler, avoir envie et venir. J'ai ah bah, envie d'avoir envie. Christian, Christian, il est au fond. D'Artagnan la moustache qui follow. Ah. ah. Vous avez des pseudos, mais c'est du génie. Hein. C'est du génie, merci beaucoup. Massimo Un follow à Carrera, l'entraîneur de Benevento, qui affirme que mon équipe n'est pas équipée pour, pour se maintenir cette saison. Bah, attends, t'es où dans le classement, toi Ah oui. Mm. Massimo, c'est de l'eau. appelle moi t'es où avec Benevento Ah ouais, t'es 19ème, ouais, je comprends. rappelle moi combien je suis, Benevento Ah oui, 7ème, ouais, je comprends. 13 points d'écart. Ouais, oh, je comprends. Ça va être dur la série B la saison prochaine. Korak a ouvert sa gueule, quoi. C'est terrible. Je te trouve un peu salé. Bah non, mais c'est un Salut bloc qui va descendre et qui ouvre sa gueule. J'ai juste envie, c'est lui rentrer dans le lard en fait. À ce gros connard là, que c'est même pas d'où il sort. Non, mais voilà. C'était sûr. Ah bah voilà, bah c'est bon, on va pas chercher plus loin. Il a gagné des trucs à la Juve, Juventini, ça m'étonne pas. Est-ce que je suis salé Non. Ouais, off. Bon bah c'est parti. But du mois, j'espère c'est Petit Daniel. Hein. Quoi Quoi, il est que deuxième Honteux. Est-ce que le live 24h, vous allez le faire sur FM Ah, évidemment. pas dingue toi 24h sur fm alors je suis encore me pose cette question j'ai bien envie de montrer l'affiche de l'ancien <laughs> de l'ancien live montre le but vainqueur bah attends je sais pas si on peut le voir voir les buts ça c'est la dernière affiche du live 24h donc qui présente à peu près tous les jeux auxquels on joue quoiqu'elle était un peu mensongère parce que finalement on avait pas fait de Satisfactory euh, ni de Tropico, je crois. Non. Donc ça, c'était l'ancienne. Hein. Là, il faut que j'en refasse une. D'ailleurs, le Tsubasa, pour ouvrir le live, c'était la pire idée. Hein. Bon, je trouve pas. Mec, c'était full buggé. Ah, mais parce que c'était pas, pas fiable. Mais ça a marché. Hein. En vrai, on aurait pu, hein, mais c'est juste que... voilà. Ouais, non, 24 heures euh, sur FM, tu te pends. Hein, tu te pends à la fin. Je, on considère qu'on fait assez d'FM comme ça pour pouvoir se faire plaisir sur autre chose. On avait fait euh, plein de trucs. On avait vraiment fait plein de trucs et c'était vraiment cool. Donc, euh, ben j'espère que vous répondrez présent. C'est quand même vous qui m'avez embarqué là-dedans. Donc, ça, c'était un plus beau but que celui du petit Daniel. Et ça a fait crash mon jeu. T'es pas sérieux <laughs> L'écran ah... noir. Ça m'a fait crash, le je... jeu. Je me demandais, mais j'étais pas là au premier live. Hein. Oh, c'était pas le premier live. Hein. Être un télétravail payé à vous regarder, c'est. Ouais. Moi, je veux pas dire. J'avoue. J'avoue qu'être payé à regarder Alex et Jackie, c'est quand même assez cool. En même temps, il faut être payé pour nous supporter. Hein, sinon, euh, tu ne tiens pas. Hello, je regarde Tranquille, le replay de la carrière sans emploi. Je découvre quoi? Un mois d'abonnement offert par Jack. C'est trop cool, merci. Pas Fous mes pas le con qui remercie Jackie. Bah GG, hein. GG pour le sub. C'est le deuxième mois, du coup. Pareil télétravail, double écran, mais je pense que vous êtes beaucoup dans, ce... dans cette situation là. Ouais, pareil, télétravail. Ah moi aussi, hein, c'est du télétravail hein, de se faire du stream. Faut changer, c'est génial de changer, de voir de nouvelles choses et d'autres aventures. Ah oui, mais là, c'est les pirates d'Alex et Jackie, euh, c'est Street of Raid 4, c'est Tropico, c'est euh, Among Us avec Marco. C'est Trahi. Euh... D'ailleurs, est-ce que le jeu Urban Spirit est encore dans le chat Ça sera du Rocket League, euh, ça sera du Dying Light. On a tellement de jeux à vous proposer. Phasmophobia. Euh... Moi, j'ai un milliard de jeux sur, sur mon PC. Hein. Alors, monsieur Urban Spirit. Monsieur Spirote. On a réfléchi hier soir que tu es parti. Et il s'avérerait que faire qu'une soirée de Dying Light fait qu'on n'avancerait pas vite. Un petit Red Bull, ouais, Jean Bélard. Donc... Le temps que tu, con... que tu convainc Babane et que tu fais euh, ta promo, je vais pisser. Et, et me si... faire un café. Et ça ne voilà, s'avérerait si pas que. On fasse deux jours dans la semaine. Et je m'en bats okay. ouais, Allez, discuter. Babane On ne peut pas discuter. On ne peut pas discuter, je Non mais c'était juste de basculer sur un lundi, mercredi pour faire le jeu en fait. Ce qui serait beaucoup plus, euh... ce qui ferait qu'on le ferait bien, qu'on aurait plus autant de jeux dessus rapidement et qu'on se décroche, qu'on décrocherait pas à la fin parce que bah, justement on fait qu'une soirée dans la semaine. Et puis comme le, le lundi on sait jamais quoi faire. Voilà c'était juste un petit, un petit call comme ça tu vois. Alors si je viens sur Among Us dans le live 24h, je refuse de me faire focus une nouvelle fois. Mais tu seras focus pareil mec. Ah voilà, ça te va Il fait peur dans la nuit le jeu. Mais non, radio, ça passe. Ça passe. Non, c'est pas juste. Mais la vie n'est pas juste, Marco. Moi, j'aimerais être riche, tu vois, et la vie n'est pas juste. Au gaming, a juste gardé la LPL. Ah oh là, là 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 là. Ah, je viens de voir au gaming a juste gardé la LPL. Oh, c'est dur. Ah, c'est dur. Après, au niveau d'être focus sur Among Us, j'ai acquis... Ouais, non, mais moi, pris la dernière soirée du Nouvel An, j'ai pris que ça. Vous avez pris quoi, la soirée du Nouvel An Bah, j'ai pris, hein. pris, bon, pris que des focus sur Among Us. Je suis mort à chaque fois la première, première round. Mm. Puis il y a Marco qui vient faire. Euh... rentabiliser Fall Guys. J'avoue, c'est le pire jeu de l'histoire, là. Salut Jax, merci pour le sub chez Vito. Pas de soucis, euh, Grit. Pas de soucis. Grit Grit. Grit. Ou Kazoua, je pourrais dire Kazoua. Je... je savais même pas qu'il était. C'est Marco, <laughs> le follow, le, le clip. C'est pour le Il est où l'objectif à Un million de jokes. Saison 3 de Rivol. Mais la saison 3 de Rivals, je... comment vous dire Qu'actuellement, je suis à un stade où Rivals, je m'en bats la race. Parce que je, je vois qu'il y en a plein qui, qui postent, hein, mais, mais voilà, il y a un moment où il faut, faut dire des choses. À ce moment, en ce moment, Rivol, je m'en bats la race. Je, je suis pas dans le délire, j'ai pas envie. Et, et puis voilà, ça reprendra sûrement jamais. Voilà, au moins c'est dit. Et si ça reprendra, vous serez les premiers au courant. Voilà. Comme ça, c'est dit Merde Kameni, un des deux Islandais, ça va carry, hein. L'ouverture du score de Demuen Paz face à Monza, le concurrent direct. C'était mardi, mais comme je tombe pas sur les bons moments, alors je remercie comme ce... Ah oh, mais y'a pas de souci, a pas de soucis, au, -au moins tu remercies. Bah merci beaucoup euh, Grette Casois, parce que t'es même pas chez moi en fait. <laughs> non mais il est chez les bons, tu vois, il est chez les mecs qui carry. Il a raison. Il vient de te dire merci à toi, mais à moi, il y a pas de merci. C'est pas, voilà. qui... pas toi qui veux faire le sub <laughs> Non, mais bon. non, mais bon. Au moins il remercie. Parce qu'il y en a qui ça a été offert, ils n'ont pas pu se remercier que ça. Hein. Au moins il a, au moins, il le fait, il a la démarche de le faire. Voilà, puis il a dit on partage le temps, en Benito. Voilà, il a raison. Ah ouais. Il a raison. Il faut du temps pour naître. Allez, il faut éclater Monza, là. Il faut éclater Monza. Avec mon le contrôle, la frappe. J'ai fait tourner mais je sens que ça va pas le faire ça. C'est contre qui Bologne. Ah. Je suis chez eux. On ça, a replacé oh, le petit Daniel en 10 en plus. De toute façon, il peut jouer partout le petit Daniel. Petit Daniel Le oh, là, là ça passe à côté LPL et LCS, bon LPL et LCS sur OG, ça me dérange pas, je sais pas ce que je regarde donc. Euh... Ouf. Bon, tant qu'il y a la LEC et la LCK, euh... ça me va moi. LPL c'est quoi déjà? La ligue chinoise. En gros TP prend les LEC, les Words, les European Masters, ils prennent tout, tout ce qui est intéressant en fait, ils l'ont pris. Ils ont laissé la Chine et les États-Unis. <laughs> ok. <rire> Ça marche, Aurélio. Merci d'être passé et merci pour tes, tes gifs. À gifs. samedi, Aurélio. Puis à samedi, oui. Parce qu'on s'affronte. Hein. Premier match, c'est toi contre moi. Hein. Premier match, c'est ouais. Aurélio contre Jackie. Premier match, à gueule. premier match ça va gueuler. Ah il y a Vignato, Vignato il est tellement fort. Ouais, bon je mets 1-0 mais c'est pas, pas très rassurant là ce qu'on fait Monza c'est assez costaud. Ah ça Une me saoule rien. ces petits ballons qui passent comme ça la, la défense, bordel le pied, bordel Bon bah Barreau qui marque mais bon Barreau est fort aussi. Donc. Voilà, l'égalisation, c'était sûr. Oh mais leur gardien, c'est quoi qui sort Ah bah il y a jeu. Bon bah pas de regret. Ah c'est vraiment le mauvais call. Ah hein. ouais Autant en série B, je pense que ça fait le taf, mais alors en série A, c'est quand même pas ça. Doublé de Neuen Paz, le défenseur central. Si si c'est ouf. Deux coups de tête. Et ça fait 2-1. Hein. C'est hyper important ce match. Ça, ça sent la loose. Ça. ça, ça sent la loose. Parce que Damico, t'as un connard. Pourquoi tu frappes La passe en retrait. Brechadini qui met le troisième. Je te jure qu'on se fait... On prend le deuxième là-dessus, tu sors. Oh là là Bah Bobby. Bah il va sortir de toute façon. Il casse les couilles. Boban bah, encore avec des bonnes notes. Hein. C'est ouf. On va prendre le deuxième. Oh, fou, 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 fou. Bon, 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 bon. Damico, ça dégage. Calafiori, Calafiori, le but. Quatre un. Que ballon. Que ballon, la passe, la petite passe FIFA là. Salut Thiago. Bah yo Thiago. C'est la première fois que je vais essayer Luis sans en... enfin Rodriguez en milieu centre. Peut-être meilleur qu'on est Allez Colombo, Colombo sur une passe du petit Daniel, le face-à-face le -face loupé, mais il y a Garitano qui suit. On égalise. Bah, j'ai gagné, j'ai battu Monza donc ça fait vraiment plaisir, par contre les Sverons ça a l'air très costaud. Pescara qui gagne encore. Il a pas Dio Bah si yo. Ouais, il a dit GG. Bah, moi j'ai dit yo. Vous êtes fatigué, je suis là depuis le début. Ouais, ouais moi j'ai vu un yo, désolé. <laughs> ouais, mais tu parles plus aussi, t'es tout timide. Là, je suis remonté, ton dernier message, Thiago, il date de waouh. De 2019. <laughs> oh, pas barreau, mais non, mais faut. Il faut le marquer, lui, il faut le marquer, il faut lui péter une patte, vous faites ce que vous voulez, mais. Ouais, moi, je pense que je suis un peu fatigué. Hein. Ah, mes joueurs sont Carbo. Mes joueurs sont Carbo. Carboni. Ah, on, a, on a tellement frappé mais ça rentre pas c'est... Salut Marco Aucun okay, cas c'était fait à cause de la beerbud, ouais parce qu'il y a le problème de spo de, du sponsor je crois en mais ils avaient trouvé pour, euh, pour contourner ça. Ah, on va pas faire un match nul putain ça c'est des points bêtement perdus ça les mecs Quoi qu'on va peut-être pas faire un match nul on va peut-être bien le perdre ce match mmh. Parce que il y a, y a Ike Le Mickey Ike Ike, Ike. Il Zouté Bowman il fait une il fait un match encore Ah c'est vrai que les stats de Bowman elles payent pas de mine mais il est pas mauvais le bougre. Hein. Ah ouais? Je crois qu'il a plus de 7 de moyenne chez moi là actuellement euh, sur la saison. 7 pour un gardien, je trouve ça assez insane. Ah oh là là, mais non, mais les mecs, faut. Coordination là, coordination. Si on marque dans le temps additionnel, c'est du génie. Si on marque dans le temps additionnel! Petit Daniel, il l'a loupé. Pénal... Mais il braille comme un veau! Mais oui, je braille comme un veau, mais moi je suis dedans, mais cette carrière c'est tout pour moi! Non! Wow. Non! <laughs> Ohlala! Oh, oh. Les penalties? Non? <laughs> Almissi, Almissi. Ah. Moi je vais contacter Palerme, je vais demander un maillot d'Almissi parce que je l'ai quand même pris de la série C, il est avec moi en série A. Mm. Et, est, il est, est vrai. et il est titulaire. <laughs> c'est quand même le mec qui part du bas, du bas fond de la série, de la, même peut-être bien de la série D, mec. Mais il est plutôt bon en plus! Mais oui! C'est fini! Un bah à, GG hein! Un partout! Toi, GG! Non, on pas de gueuler, on, on est dedans, c'est la carrière qui prend aux trip. oh, les tripes! Allez! Prochain match, la Reggiana suivi de la Spal. Mais là. C'est ultra serré. Quoi. Ah, mais ils ont des matchs d'avance, les salauds. Je gagne, je suis à 18 en fait. Il faut gagner. Est-ce que c'est là mon match en retard? Ah, c'est contre la spalle ton match en retard en plus. Ouais, ça sera la Spal. J'avoue que ce classement est ultra serré Ah, mais moi, c'est serré de ouf. Hein. Euh, je confirme que chez toi, Piz euh, ça n'a pas le niveau. Hein. Ouais, moi, je suis tranquille là. Moi, je pense que c'est large. La Roma je vois Roma qui est 16ème. Mm. Avec 6 points et moins 11 de différence de but. Abusé. Entraîneur Daniele De Rossi. Ah, bah écoute. Ouais, moi aussi je peux choper un Lorenzo Pellegrini. Merci Lunar, pour le follow. <laughs> mais non. Si, si. Mais il a combien, qu'il y a combien lui Moi je l'emmerde en fait. C'est des low boosting là. Il fait, il fait le, seul, le, le follow chez moi, mais il va, euh, il va host chez toi. Non, mais il va arriver chez moi, c'est sûr. Dans cinq minutes il est chez moi. Je vois, ouais, je vois pas le rapport, mais c'est ouf, on n'a jamais vu ça. Ils sont ils sont lancés. Euh... Ils sont lancés. Euh... Ont lancé une mode début 2021, je crois. Voilà, c'est bah, le nouveau business. Essayer de faire craquer Benito en live. Comment t'es, Baba On va pas avoir Perks en aîné du coup, c'est triste. Perks Ouais. Avec Julien. Julien, le Perks Oui, c'est toi qui me l'avais fait à l'époque. Quoi tu dingue Cette blague, c'est toi qui me l'avais faite à l'époque. Bon, oh, ça m'étonnerait. Ah mais j'en suis certain. Voilà <laughs> oh mec. Ça mais alors c'est oh, pas mon style. Du... Oh, ça c'est pas mon style de blague. Hein. Ah ouais C'est pas moi. À mon avis, c'est pas moi, mais. Mmh. J'ai des doutes mais bon. Ça c'est plus des blagues de ton style à toi qu'à moi. Hein. Ah oui, mais bon, euh... <laughs> pas de conneries non plus. Le mec, ça se trouve, il s'est fait une auto-blague à lui tout seul. Non, non, je pense pas. Hein. Si vu dans le miroir, il a dit Bah, c'est Julien le Perse. Ça l'a <laughs> marqué. Ah, bah, à côté, pas des conneries non plus. Voilà, Noam Bowman, 11 matchs de Serie A, 7-23 notre moyenne. C'est très fort. Je pense que voilà. Tout est dit. La messe est dite. Non, mais je crois que les gens ils aiment, ils aiment plus trop le derby. Hein. Non, mais c'est possible, ils sont un peu passionnés par ça, c'est possible. Ah bah le voilà. C'est quoi? Lunar, qui follow la chaîne? Ah C'est terrible, le fameux Lunar. Non courazo hein? Que j'ai craqué, j'ai pris FM sur mobile pour commencer en D4 anglaise. Personne n'a de preuve. T'as pas fait ça? tu n'as pas fait ça Mais c'est quand même pas ouf hein. bah, il joue en série B en fait vu que la va sa réserve en série B donc je pense qu'il joue en série B en fait le le gnocchi. Le gnocchi C'est qui ça Gnyungto <laughs> Le gnocchi. Mm. Non je pense qu'il jouera, il jouera mais en réserve. En fait il se fait les dents en série B là. Il se fait. C'est pour ça qu'en série A... Euh... Ce serait cool d'avoir des réserves en fait. Parce que les primaveras n'ont pas, pas le niveau suffisant pour avoir un mec qui est trop fort. Enfin, qui est, qui est trop fort pour ça. Donc il faudrait juste au milieu, et juste au milieu c'est les réserves, mais. Je crois qu'il n'y a que la UV qui s'est lâchée avec les réserves. Déplacement à la Gianna, j'ai changé un petit peu ma, ma compo. Gianna qui est en cas de victoire pourrait revenir à deux points de Katan. Ouais. Ouais, ouais, moi, moi ils sont en série B, hein, la, la vingt 23, là. Regarde, ils sont juste devant moi. Pour l'instant, Catane n'existe pas. Eh oui, Société de Séville, ce week-end. C'est à voir. Bon, 0, 0 à la mi-temps, il ne se passe rien. C'est pas l'idée de faire 0-0 là. Si on peut les bouger un petit peu plus, ça peut être cool. Je suis en silence, 40 et travail, mais c'est finalement intéressant différemment le championnat italien par rapport aux autres. Mais oui, c'est pour ça, c'est la beauté du championnat italien. Tu peux être huitième de série B et monter. Est un... Pecorino! C'est une gestion tout autre, et oui. Bon les Zerone qui met 3-0. Pescara qui gagne face à Monza. Monza qui coule. Je pense que Sivie peut aller jusqu'au en Ligue des Champions. Je dirais un quart de finale, ça serait déjà très bien. Sortir 8 huitième, c'est sortir des groupes pour rien. Et au moins encore Après, une fois que tu es en quart, euh, advienne que pourra, mais euh, au moins passer le premier tour des éliminatoires. Doublé de Pecorino. On va euh, délivrer cette fin de match. Cécile, Tommy, Ameobi Edmonton. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut le niveau en D2 islandaise. Il y a moyen que ça soit euh, que ça soit pas trop mal, hein. Ameobie. Ameobi. Allez, Juve 23 qui prend 4-0 par Brescia. Il faudrait que je batte la spalle derrière. Pour confirmer Milico 3-0 Et la Sveronne c'est inarrêtable. Ah ouais, c'est tout à fait possible, Dortmund. C'est de l'eau Le clean sheet de Dini En vrai Pecorino c'est pas mal hein son nom est Picorino Vino. Pour un gamin oui d'accord mais les Las Véron ils ont Raoul Moreau en fait Christophe En près de la Lazio Le follow de fusion, merci beaucoup. Le fromage pecorino. Pecorino, le fromage trop rigolo. Non, c'est pas ça. Ah oh, c'est ficello. Oui je sais, mais... oh, <laughs> Toi, il était chez moi, lui. Bon bah, gros gros test hein, face à la spalle. Je vais le Christophe Moreau. j'ai <laughs> sais qu'il a failli passer inaperçu. Oui, je l'ai entendu, moi, le Christophe Moreau. Hein. <laughs> c'est pas la première fois que je le fais en plus. Oui, c'est pour ça, moi j'ai l'habitude. <laughs> T'as marre, tu en train de m'expliquer que on un vrai décembre, je vais me faire chier pendant que toi tu joues. Ah ouais C'est ça le plan Bon, bah écoutez, euh... le live de demain sera.. Vous commencerez avec Benito de 14h à 16h. Est-ce puis... que là tu finis là bah, Il me reste un, un ou deux matchs. Et après t'as plus rien Ah Il me reste trois. Et après je suis tranquille jusqu'à la fin de l'année. T'es out. Je suis out Là mais demain vous reprendrez le live avec Benito de 14 à 16. Et puis moi je me réveillerai tranquillement pour, euh, pour reprendre de 16 16. C'est du shit ça <laughs> Parce que je pense que voilà. Enfin, je ferai des matchs amicaux de toute façon. le damico Bon mais je joue hein. Bah un bon match hein. OK. Déplacement compliqué, match en retard face à la SPAL. En cas de victoire, on serait deuxième. Mais attention, puisqu'il y a Alessandro Murgia en face. Murgia, quoi. Jardi, Piccoli, Di Francesco, Murgia, Diabua, d'Alessandro, Borja, del Prato, Berucci. Ça va être chaud. Vous avez déjà essayé de prendre une nation dans FM planning, planning, planning. Alors, pendant le confinement, on a fait l'euro, on a fait la Copa América avec les nations, on avait fait l'euro avant l'euro aussi, hein, je ne sais plus quelle année. Oh, c'est vieux l'Euro avant l'Euro. De toute façon, ça aide a l'Euro avant l'Euro. On avait fait tellement de... Très régulièrement... Oh, c'est joli ce but. Magnifique. Magnifique. Donc... Très, très régulièrement euh, des compétitions avec des nations. Et samedi, on prend des nations. Puisque samedi, on fait la compète de l'Euro U21. En multi. En live. Il veut peut-être dire en même temps... Ah non, non, c'est trop long après. Si prends... Ah non dans les... dans... Ouais, ouais, là ouais là-dedans on n'a jamais fait. Si tu prends en même temps qu'un club c'est long. Il bon, faut vraiment qu'on ait les deux, mais ça rajoute du temps. Enfin, on aurait... Ouais, côté club, on n'aurait jamais avancé quoi. Je pense que ça avancerait moins vite. Ça peut être intéressant, je dis pas, de faire une année, une coupe du monde. Euh... Tu sélectionnes Daniel, tu boostes tes propres joueurs. En vrai, moi je l'enverrai là. Moi je l'emmène, hein. Oui bah oui, vu, vu ce qu'il fait, oui, c'est logique. Pouf, on s'en sort bien Là moi je suis sélectionneur de l'Italie, je vois la saison qui... le début de saison qu'il fait, moi je te dis il est avec moi le... Il est avec moi la Coupe du Monde. Gaetano Breccianini, ça tourne bien. Gaetano est assez satisfaisant hein, dans ce début de saison. Et légalisation hors jeu. C'est bon. Euh, tu es toujours sur FIFA 21 euh, Non. Ça fait un petit moment que je n'ai pas relancé le jeu, j'avoue. Euh, il reste plus de place pour samedi. Et sinon, euh, c'était génial les lives sur les compétitions continentales. Merci One Knight. Ça sera encore génial samedi. Hein. Mais ouais, le... Kazaman était plutôt pas mal. Kazaman. Ouais. Ah, Island. 1-0 à la mi-temps. Connu avec l'euro avant l'euro en 2012. 2012 Allô C'est vieux. Hein C'est ouais. 2012 Et ça, c'était l'euro que j'avais fait avec PES, je pense. Nous, ça doit être plutôt 2014. Ah Non, ben non, du coup. 2016. L'euro 2016, on avait fait. Avec Mister Alsace et tout. C'est avec... possible, du coup. Et avec Tirwan. Avec Jonah. Légalisation de Hardy. Effectivement. Qui a eu besoin de manger pour comprendre une blague. On l'embrasse. Un des meilleurs streamers de l'époque. Il a coulé, lui, non Je sais plus. Je pense. Il doit faire du high-racing, je pense. Je, le mec, je crois que y mec qui ne trouve même plus sa chaîne. Je ne sais pas ce qu'il dit. Je crois que c'est lui. Ah non, il est toujours en train de streamer. Je crois que c'est lui. Bon, il a changé de chaîne, du coup. Merci, Pierrick, pour le follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. Le match nul vous arrange pas les deux là en fait. Ouais ouais mais j'avoue que la Spal l'effectif qu'ils ont Valotti Mourgia l'attaque à deux là franchement euh, c'est quasiment de l'équipe de Serie A. Hein. Mourgia ouais Mourgia euh, c'est ouf hein. Est-ce que l'ancien euh, l'ancien Akari du du Partisan va mettre un coup de, un coup de poignard ou pas? Bon, voilà, il y aura un match nul. Ah, c'est la là. Hein Pas simple cette série B. Euh, normalement, c'est les deux sont... Les deux sont en ailier intérieur, mais là sur le remplacement, Capani euh, est plutôt ailé. Donc il y avait un côté, le côté gauche était ailier. Euh... Intérieur et le côté droit était ailier classique. C'est pas dérangeant euh, d'avoir eu. obligé d'être symétrique. Intérieur, intérieur Sur la vraie tactique, voilà, Montiel est attaquant intérieur et Milico est hélié intérieur. Et quand je fais rentrer Capani, Capani, euh, il n'a pas du tout les stats d'un attaquant intérieur, il est ailier pur. Par contre, ne me dis pas que tu seras en un penalty. Et je suis troisième. L'Elas Veron est très très chaud, invaincu et Pescara, ça va être dur à aller chercher aussi. Ben voilà, je joue Pescara. Je joue Pescara Prochain match, on va jouer la deuxième place. Tu joues quand là hein dans 6 jours, le 15. Ok, je vous le 15 aussi. Euh, faut s'adapter aux capacités des joueurs. On n'a pas tous le petit Daniel qui peut jouer partout. Non, mais oui, ça se ah. comprend, ça se comprend. Après, il y, y a eu beaucoup dans le football euh, moderne que t'es es, es un mec, euh, un ailier sur un côté qui va repiquer et un ailier sur un autre côté qui ne repique pas. Hein. Bah moi, je jouais avec un ailier à droite et puis un attaquant à, à gauche. Hein. Pas dire de bêtises, mais époque de Ribéry, en équipe de France je jouait à gauche, il repiquait beaucoup. Euh, celui qui était à droite, il repiquait pas tant que ça. Hein. Peut-être que je dis des conneries, mais je, je sais plus qui joue à droite quand il y a Ribéry. Oui, c'est pour ça que j'ai pas le nom. Peut-être que je dis une connerie, mais j'ai pas le nom qui me revient. Je te que là comme ça. C'était Gauvou. Mm. Oui, c'est vrai. Ben bah, govu hein, Gaffe aux outils. <laughs> Malouda était à gauche. Malouda était à gauche. Giampolo Morabito. Mais va te faire enculer, Lunard. Tu comprends le français Va te faire enculer. Wow. Voilà, c'est dit. Franchement, c'est. <laughs> je vais aller voir Mac et je vais aller lui poser la question s'il se fait harceler par des Lunards aussi. Si t'as host, je vais avoir le host dans pas longtemps, c'est ça Ah non, il n'a pas eu. T'as eu une attaque T'as eu une attaque. Moi, je suis présent, Alex. Il y a l'un de mes streamers euh, low-level euh, qui s'est fait à gros... Non, fait... oh, il n'a pas eu. Ah, bon, bah, le voilà. <laughs> Lunar qui arrive avec ses 288 viewers. Ouais. Ça peut durer très On vu jusqu'à 3 mois, j'ai De quoi 3 mois de ça là Ouais non il a pas eu visiblement, c'est que pour nous. Je pense qu'il est c'est bien c'est que c'est que là il passe de chez toi à chez moi avant c'était chez moi à chez toi mais là il a refait l'inverse il y a un cycle qui repart en boucle après je remarque qu'il envoie toujours plus de ER chez moi que chez toi il veut me faire passer un signe c'est ça Chex c'est lui génie <rire> <rire> Pourquoi <laughs> je rigole de ça J'avoue, rigoler de ça, franchement Jax après tu rigoles pas de Julien Lepergue le Bon mental. ben, je joue ma deuxième place Le mental est à je... ta je reçois Pescara qui est actuellement en deuxième avec un point d'avance sur moi. Bonne chance face à l'Aspezia. Normalement, ça devrait aller. Normalement. J'ai vu qu'il y a le derby milanais. J'ai bien vu, j'ai bien vu. Le derby Merci pour le follow, dont c'est Je cesser sais le feu. Je sais pas comment tu peux dire aux joueurs que cette formation n'est pas vulnérable en défense, en fait. Genre, si y a un 4-2-3, bah, tu sens que t'es vulnérable ah. en défense, euh, je veux bien. Mais... À l'attaque, ils ont j'arrive, vente de pute. Belge. Belge, n'est-ce pas Je ne peux pas prendre un but devant deux putes. C'était possible. Bon. Oh bah, 21 secondes, ouverture du score de la Spezia. Mmh. C'est rapide. Sur un centre de Dickman, l'homme <laughs> beat. Il faut absolument battre Pescara pour essayer de choper la deuxième place. Gaetano, le but de Raspadori. Rodriguez pour Colombo. sur le Colombo. A partout, oh, belle passe de Rodriguez. Le plumon qui veut bouffer. Là, bouge plus. La rage, c'est pas un chat, ça. Hein? C'est un vous. Oh le veau C'est l'histoire de la vie Le cyclé Mais j'aime pas trop ça Il va du chier dessus Mais non ça chie Mec, pas C'est un veau <laughs> Mais c'est pas un veau la pauvre Oh la vache Là c'est l'heure de bouffer, du coup elle attaque. La chatte à Dédé Allez, récupération du petit Daniel Allez, la contre-attaque Montiel Allez, Montiel Allez, Montiel À moins que. À moins que. But de Ça va, tu te plaignais, mais ça passe crème. Allez, le chat Ça dégage Oh, oh j'ai cru que c'était dedans. Oh, d'amico, mais d'amico, mais tu tu es nul mais c'est affligeant, Damico, c'est affligeant! Et tu sais pas t'en servir aussi! Chez moi, il était bon! Bah oui, mais chez toi, il joue en série C! C'est vrai! C'est à son vrai niveau en fait! Je pense qu'il est passé de série C à série A sans la série B et il a pas pu s'adapter! Mmh, ça passera sur Vidéogag, le but de Mentiel! Mais ça fait 3-0! Mais c'est ça le deuxième de série B! Pescara au tapis! Il est bon que pendant les matchs d'amico. Ah, mais ça, là, je la valide parce que je l'ai déjà faite cette blague. Non, mais non, on va perdre. Mais pas vrai. Cette blague, c'est vraiment du génie. Ok, j'ai compris, c'est le genre de match qu'on ne doit pas gagner, mais j'ai compris. J'ai bien compris. C'était le match qu'on n'avait pas le droit de gagner. 4-0 Et Esposito qui met plus un pied devant l'autre. Bon, bah il était peut-être que bon en série, en série B. Hein. Esposito n'était-il peut-être pas que bon en série B La question se pose. Ah ouais, Esposito aussi, il est cuit Bah il met pas un pied devant l'autre. Hein. Après c'est l'aspect de dire, hein. c'est simple à battre. Hein. On doit gagner, mec. Y a pas de débat. On doit gagner. Les éléphants, c'est des violeurs de dauphins. <laughs> ah, mais là, l'éléphant, il a sorti la trompe. Hein. Faut que je remette l'alerte but avec le, le cri de l'éléphant. Allez, Almissi. Almissi. Oh, gardien. Ah, oh, mais ça veut pas rendre. Est-ce qu'une frappe d'Almissi, c'est une almissie cool. Je sais pas, mais nous ça veut pas rentrer là. Tout ce que je sais. J'avais pas vu Baka en série B, il a 35 ans et toutes ses dents. 18 tirs à 6, 2,43 ouais. g à 0,80. Qui c'est qui perdu C'est nous. Oh mec, t'as battu toutes les grandes équipes jusqu'à là, il fallait bien que tu tombes. Ça va chier. Tu fais 2-2 deux, deux, deux contre l'Atalanta, euh, tu fais nul contre Naples, nul contre la Roma. Euh... Bon, je veux pas le savoir. D'Amico, tu retournes à l'Assemblée d'Eau. Ah, oh, mais D'Amico, par... là c'est l'heure de parcours. D'Amico, hein, c'est. Ouais, bon, c'est l'heure de parcours. La réduction hors jeu. En jeu en jeu, Pescara ne sauvera même pas l'honneur. Pescara Vidney. Il est Las Veyron qui va perdre. Ça c'est beau ça. C'est beau, je pourrais même être premier peut-être. Allez, ça recommence. Jacques qui dit que le match Esposito est limité. Critique facile, je trouve. T'aurais pas un peu la critique facile, toi? What? Bah tu te fais insulter en fait. J'ai dit quoi d'exceptionnel J'ai dit que là il fait, il fait de la merde. J'ai le droit de dire qu'il fait de la merde mmh, Je sais pas si c'est le droit de le dire. Hein. Exposito est limité. Il est limité. Après il revient de... Oh là là. Oh là là. J'ai vu la cheville plier là pour euh, Pellegrini. Il bouge plus. J'ai jamais vu ça. Il se tord de douleur! Vous m'excuserez, mais un mec, euh, moi qui sors de 41 buts en série B, j'en attends plus, oui, vous m'excuserez. Mais hein. bah, il, il revient de blessure, mais soigne-le, bordel! Ah, il a plus rien, ça y est. Bah, il de blessure, Le doc, il sert à rien! Mec, il a eu mal dans les jambes, là, faut l'excuser de la blessure. Voilà. Et on rend la touche en plus. Bon, bah, il avait rien. 4-0! Tu penses que si j'insulte expositeurs ça marche aussi? Bah, faudrait peut-être, Winehead. Faudrait peut-être, hein, parce que. Faut demander à Jack Brest. Il se fait un peu bouffer par. Euh... Par Colombo, là. Je veux pas dire, hein, mais. Ah, mais Colombo, euh, voilà! Après, il y a un pro du Maison Milanais, puis il y en a un qui est Interest. Je euh, cherche la différence. Jeu, hein. Du coup, j'ai battu le deuxième et le leader qui perd. J'en reste Quatre. tout temps serré. Hein. <laughs> Mais regarde, c'est 23, 22, 21, 20, 20, 20. Jusqu'à la sixième place, il y a trois points d'écart pour deux seulement deux places. Je pense que c'est un sacré sbulle. J'avoue, la simulation de Pellegrini pour gagner du temps, c'était plutôt du génie. Hein. Bon. Mais j'avoue, c'est chaud. Hein. Oh là là, cette série B, elle va être tendue. Hein. Prochain match c'est Venise Legondol à Venise Oh la Fiorentina. Oi, 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 oi. Oh Fiorentina. Il s'agit d'histoire. Après, voilà, on est sérieux. Posito, hein. c'est de l'eau, ça vaut pas du pipo. Ça vaut pas du bueno

Sur soir, t'as vraiment l'impression qu'il tient une boutique. Ouais, c'est ouf. Genre, ça met sold out et tout, c'est heureux de. Je tiens boutique. C'est IB. Sauf le mec, s'ils vont pas le joueur dans la journée, ils bouffent pas de main, tu vois. Bon bah deux matchs <be>... avant de se toucher les calots. Ça va Ah oui. C'est qui et qui bah Fiorentina et Cagliari je crois. C'est ça. Oh. Le calendrier là. Yes. Venzia, Empoli, Bari. Ça va être chaud. Ah je joue là en fait. Oh, c'est Ah je joue là. Tu joues pas toi bah non. Allez, prends ton billet, on est bien. Oui, tant que tu montes, hein. <laughs> que On va pas refaire de saisons comme ça. Hein. Hop, 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 hop. Ah, mais il y a la Coupe du Monde. Baloté, je crois qu'il a touché à Lance. Non. Ah non, il a Karabag. Oup, op, 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 op. Qui ça Baloté, il a Il est en Azerbaïdjan. Au vite, roule. qui était parti à Nantes enfin à lance au début euh, de notre belle euh, carrière l équipe a l'air pas mal face ça va être serré allez bordel ils ont armu capello moi et tout. Euh... C'est mon mot euh, Je sais pas. Ah non. C'est un autre. Qui a l'air meilleur d'ailleurs, visiblement. C'est le 4 4 de losange. Est-ce qu'ils vont laisser les gondoles à Venise Le gondoles, je suis dessus moi. Tiens. Oh ouais, poteau dessus aussi. Ah, mais je fais 500 poteaux par match, c'est ouf. Et là, le coup de crâne du second poteau. Ah non! Ah non! Ah non! Aïe, 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 yeah, aïe, aïe! C'est ça aussi de, de jouer à l'extérieur. Bon, ça, c'est facile, hein. c'est à dire, Squeezie. Allez, montiel à la douche. Comme quoi, son parcours inversé, c'est un rêve de tout football. Ah bah, bah l'hôtel, il a le parcours inversé, est parfait. Hein. Mmh. De City à... à Monza. En vrai, Monza, Monza Brescia, Marseille, Nice. Milan. City. Inter. Attends, non, non, attends. attends. Milan, Liverpool. Inter, City, non Attends, c'est Milan, Liverpool, Milan, City, Inter. Je crois que ça va être comme ça à peu près. Ou alors il a fait City, Liverpool, je sais plus. Attends, je vais regarder. Si on est dans le bon. Et mon mec qui a fait beaucoup de grands clubs pour pas grand-chose, hein. Alors inversé, ça fait Monza, Brescia, Marseille, Nice, Milan, Liverpool, Milan, City, Inter. Ouais, le parcours inversé est classe, hein. Y a pas de doute. C'est pas vrai, on va jamais marquer Ça se bat. Ça défend à côté Ven... du côté de Venise. Ah ils font que ça, ils ont garé la gondole devant le, le but. La défense de la gondole. La passe pour Calafiori, le centre direct et la reprise. Voilà. Martin Palumbo qui égalise. Pour l'instant, la défense soi sur la gondole et elle craque pas. Oh ben voilà. là, <laughs> là, elle fissure un peu, mais elle craque pas. Là, la gondole, elle va couler à pic. Hein. On va mettre 4 tonnes dans l'eau. Ah, il la touche. Hein. Il la touche On va inonder se... Venise sur pas sûr, c'est fait avec un... enfin, l'éléphant, il fait une bombe. <laughs> La bombe, devant les amoureux, là. Les ta... Oh merde, j'ai démotivé tout le monde. <laughs> c'est propre. Allez, Breccianini, il faut lâcher lâcher lâché la peau. <laughs> oh, la gondole qui expulse l'éléphant <laughs> L'envoi. <Là, bon, vrai. rire> ouais. Oh, ce que tu viens de prendre. Oh, il est beau. Et il la gondole beau. qui se rassure son orgueil. <laughs> fait tomber l'éléphant à l'eau. <laughs> il ne sait pas nager, l'éléphant. <laughs> Est noyé. <laughs> ah mais là je vais perdre là Ça devient l'éléphant bleu <laughs> oh La... La station de lavage Il y a plus de mousse <laughs> Il n'y a plus du tout. Il n'y a en... plus de savon. Là, l'éléphant, il est en train de prendre l'eau. Allez, allez. Celle-là, c'est la bonne. On ne touche plus un ballon, bordel. Attention de ne pas prendre le troisième. Ah, mais là, il va arriver. De toute façon, c'est perdu. Tu le sens, là. Tu le sens venir. Voilà, contre-attaque peut. Oh. D'accord, pas contrôlé, non Dumbo se noie Il se fait tirer les oreilles. Il se fait tirer la trompe. Mm. Allez, c'est le moment C'est le moment de mettre le coup de trompe Est-ce que l'éléphant peut surgir tel le Kraken Mettre le coup de trompe dans la gondole

C'est pas qui a à froid à nager. Ah bah là, c'est plus grand chose. Là. Je pense qu'il est au fond. Là, là, le... ah, on est passé à côté. Euh, joli match de Venise. Il hein. y a l'éléphant qui a voulu faire une place sur la gondole. Euh... Et boum. À moins que. À moins que. 10 minutes pour y croire. Tous à l'attaque Il n'y a plus rien à se passer. Pescara qui perd. Donc ça c'est plutôt pas mal. Oh mon dieu. Légalisation qui survient de nulle part peut-être. Capani qui va... D'accord. Tu la mettais ça là. Bon allez. Allez, Fiori. Cara, fiori. Et oh c'est ça tout le temps. Pop, 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 pop. On a fait bar poteau quoi. Après avoir touché le fond, l'éléphant est en train de remonter. Penalty. Mais non, mais faut arrêter. C'est truqué. Et dans une dernière tentative de bombe, il échoue et tape à côté. Aïe, aïe. L'éléphant transformé en pierre et mis dans une fontaine. D'un mot malheur, je crois que les gros ont aussi perdu. Enfin, pas tous, mais... Euh... Bah, je suis quatrième. Ouais, les gros ont perdu. Ouais. Et Lazveron qui éclate tout le monde. Pescara a perdu, donc ça m'arrange. Par contre, bah, du coup, Empoli prend la deuxième place grâce à un doublé de Kevin Canavo. Faut... Faut... J'ai quand même pas de chat parce que j'ai l'impression que j'ai plus de concurrence que toi. Ah, oh, ça y est. Non, mais c'est vrai. Ça y est, je l'attendais. En série C, euh, moi, j'ai eu des gros à taper pour monter. Là, j'ai des gros à taper pour monter. Ça y est, ça y est. J'attendais le moment où ça allait venir sur le papier. Parce que sur le papier... L'autre, il est là. là, 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 là j'ai eu des gros, mecs, J'ai eu Ampoli, j'ai eu euh, Kievo, j'ai eu Léas Veron. Alors, raconte pas de conneries. Mm. Tous ceux que t'as, je les ai eus. Hein. Bah, Bobby... L'autre, il est là, il chiale. Ah oh, mais c'est facile à dire ça Scoozie Si t'étais bon, tu serais avec moi Bah je... voilà. Je sais plus trop quoi dire quoi. Moi j'ai qu'un truc à dire. Non, tu dégages <rire> <rire> tu Jamais vu un mec comme toi <laughs> Tiens, c'est moi qui t'ai tapé, espèce de connard. Connard. C'est du génie. Oh le petit dégât, j'ai tellement violent. Comment je vais battre en poli, moi Bah avec tes joueurs avec un Je pense que la FIO, c'est sans la loose. Mais... Je joue la FIO là Ouais. Le Ribéry. Son sixième. Son sixième, là où moi je suis. Euh, je suis septième. Oh, il y a déjà quand même un bel écart. Hein. Je suis déjà à sept points du, du, du troisième. Hein. Le pic bien. Ribéry Bah, dis bien de de Croton. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Les restaurants, les salles de sport et les bars resteront fermés jusqu'à la mi-février au minimum. Waouh. Moi, bah, tu reprends mi-février, tu reprends un mois et demi. Hein. Bon, ben, bah, c'est reparti, mais tout le monde est fatigué, quoi. On va essayer autre chose. On va essayer Esposito à gauche. Ah, mais c'est ça, non, non, je vais arriver, mais tu dégages! <laughs> Sinon, je t'en Les remontées mécaniques dans les stations de ski resteront également fermées. Nous avons peur que le virus se transmette dans la neige. Mmh. Kevin Canavo, euh, tout le tralala, ça va être chaud. Vous avez peur que ça se transmette sur les remontées mécaniques, mais le métro, ça ne vous dérange pas. Hein. Ouais, ouais, c'est mécanique aussi. Ouais, mais de poids, de mesure. Hein. Et pour aller voir Miss France aussi, il y a du monde. Hein. Oui, pour aller voir Miss France, ça dérange personne non plus. Oui, mais voilà. Ça dérange pas de s'entasser comme des tons. Pour aller voir des tons en plus. C'est oh. le comble. Oh <laughs> But de canavon voilà <laughs> Au bout de 30 secondes, Benito est repris. Pas la police. <laughs> 1-0 pour Empoli à la maison. Je pense qu'Empoli, c'est beaucoup trop fort pour moi. Oh là, lolo, 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 j'ai failli prendre un but. L'autre, il met ça à la 38ème seconde, tu ruines le moral de l'équipe d'un coup. À moins qu'on égalise. On égalise une minute plus tard. On égalise peut-être. Allez Non. C'est pas possible la pâte j'ai quand même une pensée pour le pauvre mec qui a lancé son restaurant en 2020 ah mais j'en connais hein, qui ont acheté le resto en 2020 euh, en janvier et ils se sont lancés janvier février dans la restauration et puis qui ont eu cette merde qui leur est tombée sur la gueule. Euh... Mm. Allez, pas rase pas d'ori. Ils ont pas dominé du tout. Ils ont fait un tir, ils l'ont mis. Quoi, sans... Oh là la défense bien vue ça. Voilà Raspadori. Nous sommes en souffrance face à la Fiorentina de Sarr. <laughs> oh, Raoul Garcia. Raoul Garcia. Oh là 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 La là Martin. Gréciard. Allez allez, il faut repasser maintenant. Magnifique là de Palombo. On repasse devant. Ouais, tu gueules. Bah ouais mais c'est ultra chaud, hein. Ouais, mais tu gueules tout le temps, mais au final t'es bien. Pas bien du tout. Si t'es bien. Le mec, il a, gueule. Mais le match n'est pas terminé, on est ultra fatigué. Oh bah, pardon Can Canavo qui a failli égaliser encore. Descend dixième. Égalité, Caladio. Elle raspa. pas. Aïe aïe aïe, le match qui arrange personne. on va Faire rentrer le mauvais Adil, c'est magnifique, but de raspadori 3-1. Ah ouais, énorme boulette, bribe. énorme je boulette de la défense d'Ampoldi. Il est là, il bribe. en fait. Il est bien. Regarde ce qu'ils font aussi. Mais je veux pas le savoir. Tu gagnes, il faut lui, il a une tacle. qu'on commence à atteindre les, les limites peut-être aussi. Hein. Bah là, ça gagne, ça gagne, euh, mais même en gagnant quasiment tout, euh, le, le, le moindre. Ah, l'égalisation était, ma... enfin l'égalisation, le but était magnifique. Le moindre faux pas, on prend vraiment le tarif. Parce que devant, ça gagne tout. Victoire 3-1 Oh Mais c'est quoi ça Oh bah Esposito, frappe au cinquième poteau, au cinquième poteau, y a pas de souci. Oh la frappe croisée d'Esposito qui finit presque en touche. Holy shit. L'NG. Oh je sais plus qui c'est qui avait fait ça en vrai que ça m'avait fait rire. Je crois que c'était un match d'Arsenal, c'était Archavine, je crois qu'il avait fait une frappe. Mm. <laughs> c'est parti en touche. Les Las qui perd mais la Spal qui gagne. Non, mais pas Bounassar, s'il vous plaît. Merci Pobéga parce que je vois que personne n'ose aller sur. Oh mais non, mais Damico. Non, mais Damico. On prend ce but là. Putain. Dis-moi, je t'en collène Mais non Jamais bien, mais comme toi T'es une merde Non, non, calme-toi, ferme-toi T'es une merde Tu restes dans le jardin, tu bouge plus Mais non, mais mec, on prend le but Mais non Mais c'est pas possible Mais ce mec-là... c'est... Mais non, mais c'est pas possible. Mais non, mais d'amico. T'es une merde J'ai jamais vu un mec comme toi. Ah, mais c'est pas possible. Mais non, mais c'est pas possible. Oh, on a perdu, bah oui. Tu penses bah, non, mais c'est pas... Mais... J'ai envie de jeter la bouteille à la gueule. Moi, je fais plus jouer ce mec-là. Il va squatter le banc. Ah non, mais là il va squatter le banc, c'est pas possible. Tu peux pas faire des relances plein axe D'amico de l'île. Et du coup, je serai troisième à un point. Mais regarde comment c'est serré 26, 26, 25, 24, 24. On est trop de candidats pour peu de place. C'est chaud, hein. Ouais, je sais, c'était serré comme ça pareil. Hein. Oh la vache. Raspadori, meilleur buteur de série B. Et Palerme qui s'incline. Ça va encore, t'es dixièmes. Ah, la sample qui a mis 7-3 à pise ouais oh, mais je pense que pisse c'est de l'eau hein. c'est ça solo ça va descendre mec ça <laughs> solo Roma euh, c'est le même combat là c'est un peu ouais Isa c'est de la pisse ah j'ai peut-être recruté Damido hein. c'est possible elle hein. m'a à part marouflé euh, pas grand chose mm. Ah mais là c'est là erreur de parcours, c'est. J'ai jamais vu un mec comme ça. Hein. Et moi je joue Barry. T'es qu'une merde Ah mais ça passe sur tout ça Merci Florent, bienvenue à toi. Bonsoir, bonsoir. Eh oui, c'est que les deux premiers qui montent, c'est pour ça que c'est ultra chaud, le troisième, il participe au barrage, ou il monte direct uniquement s'il met 14 points d'écart. Et ce qui est quasiment impossible, hein. t'as vu comment c'est serré, qu'est-ce que tu veux mettre 14 points d'écart Au quatrième. Donc voilà, promotion, promotion. Et oui, il va y avoir la Coupe du Monde 2022. Moi, ça change pas mon calendrier parce que je suis en deuxième division. Par contre, la Serie A, elle est totalement perturbée. On va faire des amicaux. Hein. Ouais, au bon, moins, tu pourras faire jouer Felice. Felice, dans le tournoi amical avec les amicaux, il va être bon. On va aller chercher des pépettes. Hein. Ben, ça va très bien, et toi, Florent Je joue Barry sans rien Paz et sans Montiel blessé. Barry c'est magique, j'aurais plutôt dit c'est tragique actuellement. Paris, c'est de long. Ça va, je t'ai découvert sur YouTube. Bah, y... Eh oui, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi Twitch. Dernier match ah. de l'année. Eh bien, bonne chance à tous. Et après, bah... Mon équipe U20 a pris 6-2 par Naples. Cagliari, c'est quand même Diego Godin, Giovanni Simeone, Bonazzoli, Marco Rogue. Je pense que t'es pas prêt. J de voir Caputo au PSG. Ouais, je pense que je suis pas prêt. Ouais. Tu as commencé. Il y avait du soleil là. tu es dans le noir complet. Bah, ben, je suis pas dans le noir complet. <laughs> Mais oui, j'avoue. Bah, ben, il fait nuit vite. Hein. Il fait nuit très tôt, on peut en on, voilà, on remettre un peu de, de couleur. Un peu de couleur Lorenzo, Lucas, blessé. Allez, bah écoute. Du coup, c'est quoi tes carrières FM On a la carrière avec K10 euh, sur, euh, sur YouTube, hein, sur, euh, sur Twitch, on a la carrière euh, solo, euh, sans emploi, un peu globetrotter, où on est euh, porté. Euh, par différentes expériences. Et sinon, euh, j'en suis en derlect et là on est dans cette carrière. Euh, la carrière multi. D'Alex et Jackie. Ah ouais. Ah ouais. Bah, Je crois, crois qu'il y a Jackie. Hein. Pas sûr. Hein. Pas sûr. Je suis pas sûr. Oui. Mais Comment s'y prendre? Faudrait se relancer la Kagari, faut qu'on gagne parce que là on est dans une. C'est mieux de tableau comme toi en plus. Non, on n'est pas dans une très très bonne, éner... une très, très bonne énergie là, c'est plutôt. Est-ce que tu n'aurais pas trop d'énergie? J'ai pas de banc surtout. C'était peut-être le problème. Oh, facile celle-là. Et je pense qu'il va peut-être falloir qu'on. Bah, non, je veux dire, je faut qu'on recrute, mais on n'a pas de sous. Donc... On n'a pas de sous euh, euh, C'est ouais. compliqué. Hein. T'as peut-être pas de sous. Mais t'as une belle tirelire. T'as peut-être pas ça. Merde, j'ai fait accepter ça. Je voulais pas faire accepter ça. Euh, je voulais pas faire accepter ça. Bah, au début, on choisit pas de club. On... Tu fais débuter sans emploi et bah, tu participes aux entretiens des clubs qui sont sans entraîneur uniquement. Donc, tu ne peux pas prendre le contrôle d'une équipe qui est déjà entraînée. Il faut attendre que des gens soient virés ou soit la recherche d'un entraîneur. Et là, on peut postuler, on peut envoyer une candidature. Et si la candidature est retenue, on a une série de questions dans l'entretien qui permet de décrocher le job. Ça va décrocher décroché à ta balle. Wow. non. Ouais, tu parles sur un autre ton à Laurent. Alors, c'est pas ton larbin J'ai dit ça, je vais le remettre. Tu fais un mix entre tu dégages et ça. Alors, c'est pas ton derbin, tu dégages Je suis dessus, moi, tu dégages Et le petit Daniel, toujours aussi monstrueux. Eh oui. Il paraîtrait. C'est quoi leur équipe à eux, mec Non, mais ils sont forts, hein. je viens de voir leur compo. Euh... Genre, c'est pas si mal en fait. Bon, il y a Cazerie, eh oui. mais... Je prends un but de caserie, je... Je, faire... je vais me faire calmer dire. Bah, Moi, ça va être décisif, hein, le déplacement à Barry. Il n'y a pas de souci, euh, Florent. Que vous soyez débutant ou confirmé, on répond à vos questions. Voilà, c'est dit. faut absolument gagner ce match. <laughs> faut absolument gagner ça, mais en déplacement, on n'est pas si facile. Oh Penalty Ici, c'est Barry. Barry est magique. Gaetano, le contrôle de Gaetano qui va lancer Milico. Milico qui a pris l'avantage sur le défenseur. Milico qui va. Oh Il n'y a rien Estime Monsieur Fuchs. Je sais pas que c'est qui c'est les pénaux chez moi. Bah moi non plus parce que j'en ai pas eu beaucoup. Bah c'est Esposito, il l'a loupé, mais quel enculé Raspadori. Ah bah Florent qui fait le host de un viewer. <laughs> J'ai cru que c'était encore le retour. Ouais, vous amusez pas avec des hosts parce que ça peut partir en insulte très vite. Hein. La pâté Daniel qui traverse tout le terrain Arrêtez-le Il euh, y a Domingo qui va me host et... Je... <laughs> T'imagines Arrêtez-le Bon bah... C'est sûr que s'il y a Domingo qui host, il se fait... Ah c'est encore quoi cet enculé de botte là ah, <laughs> Ah Domingo, j'adore ce que tu fais, j'aime bien les pop-corn dans le clovard. <laughs> je suis <laughs> <laughs> Je serais capable de le faire en plus. Eh oui, ça a été, c'est mon palmarès. Benito a failli se faire host par Domingo. Mais ça n'arrivera plus jamais, je pense. Alors, tu, sais, tu viens avoir un débat, tu parles de Domingo, ouais, c'est de grosse merde qui stream du FM, tu sais. <laughs> ah, salut PA. <laughs> pour la lost ce serait terrible. Bon on est en train de le faire pour l'instant. Pour l'instant, on est dans le match. Il y a juste Esposito qui a loupé un péno tout fait, mais on est dans le match. Allez, 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 allez. Bon app, euh, Florent. Mais non, mais on, on mange trop de cases en fait. J'en mange un petit peu aussi, mais l'essentiel c'est de mener un zéro. Et pourquoi pas d'aller chercher D'aller chercher Raspadori Vous avez pas le même skin pendant les matchs C'est quoi What the hell bah, Je pense qu'on a le même skin tous les deux aussi. Hein. Bah, on a le même skin, j'ai le multi-Twitch, euh, on a les mêmes écrans. Bah, peut-être que Jack, a plus d'anglais parce que tu as peut-être un écran qui est plus grand que moi, je pense. Oui. Tiens, Gim, Gim, le petit Daniel! <laughs> c'est incroyable. Qui s'offre le doublé? Ah il y a la taille de, de, de l'écran en fait. Oui, j'en mets plus. Quand t'as un écran plus grand, tu peux en mettre beaucoup plus. Bah, c'est encore bien de pouces aussi, ton. Le mien, il est pas petit. Déjà de boost. Il, est il en a une plus grande, c'est ça. Oh bah ben voilà, Gim Gim aussi. N'oublie pas que j'ai une grosse trompe. Hein. C'est le huitième but du petit Daniel. Ben c'est pas l'hélicobit, nous, c'est oh. l'éléphant qui fait tourner sa trompe. prend, prend vraiment des buts de merde sauter les mecs hein, c'est un corner faut sauter hein. la réduction du score de Barry L'éléphant Barry Je vais peut-être vous apprendre un truc mais votre travail de défenseur sur un corner c'est de sauter hein. ça peut être choquant comme détail je vous concède mais c'est un petit peu le plan de jeu hein. Waouh je me demandais si c'est des ordis portables que vous avez ou des ordi avec une tour. Bon, alors ça... Il faut quand même nous respecter un peu, Stéphanie. Euh, ce... <laughs> Allez, bon mec, vous jouez, vous jouez, vous jouez peut-être sur tablette. Je suis sur, je suis sur smartphone. Oh, putain. Sur smartphone. Le 3310. En noir et blanc. 3615, 3630, 3630. Ah, le père Noël Moi, je joue encore au Snake le soir dans mon lit. Puis que je suis tout petit, je suis devenu un pro gamer. à la fin, mon écran, on voit plus rien. On voit le snake qui tourne en rond. <laughs> la queue. Ah, c'est peut-être ah pas, oui. peut pas le snake, ça, mais... Et le doublé de Colombo Mais surtout que j'avais déjà présenté mon setup en fait. Il date, mais c'est toujours le même. Hein. Je te trouve la vidéo, t'inquiète pas, heures. Est-ce que j'ai le droit d'annoncer que le petit Daniel sur ce match c'est 2 buts, 2 passes D Est-ce que j'ai le droit de l'annoncer Bah tu peux l'annoncer, ouais. Eh bien je l'annonce, voilà. Il va partir au Qatar. Hein. Et je l'annonce qu'on fait rentrer Bakary Sanya Mais non. En 10 <laughs> Alors non. Oh non oh, J'ai failli me faire égaliser à la 93ème minute Alors ah, non, on fait pas rentrer Bakary en 10 C'est gagné Yes par contre, je peux faire rentrer les Adil éléphants. Rami en Allez, je fais rentrer Adil Rami en pointe. Les éléphants qui sont contents. Entrée d'Adil Rami en pointe. C'est ainsi mmh. que le 4-1 se transforme en 4-4. Ah ouais po, 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 po. Bakary, pas ce... pas... Oh, c'est pas serein, C'est pas serein. Et Adil Rami en pointe. Le pivot. Pour le triplé du petit Daniel Arrêtez-le, bordel Mais emmenez-le à la Coupe du Monde. Emmenez-le à la Coupe du Monde Benito, je prends la sélection. Ah ouais Il faut emmener le petit Daniel à la Coupe du Monde. Bah non Et surtout que dans l'interview de Cébie là, bon, on voit mon truc aussi. Je oui, oui. Allez, je vais envoyer une vidéo qui est même pas la mienne. Tac Ça, c'est pour toi. Oh, Nkoudou. J'ai pris un but d'Nkoudou. George Kevin et Nkoudou Non, il n'y a pas eu de sélection euh, en équipe nationale, mais il le mériterait. Oh là, le but de George Kevin. C'est terrible ce qui se passe. Moi je dis petit Daniel Ballon d'Or. Hein. C'est le but de ma vie. Hein. Attendez, c'est pas fini. Est-ce qu'il va aller mettre non, j'allais dire, s'il va mettre le quoi. Lélas, de... qui perd, Pescara qui perd, Breccia qui perd Voilà Le doublé Mais... Koudou mmh, Tu vas perdre, mec. Baccarie prend la sauce <laughs> Tu fais rentrer Baccarie, tu t'écroules. Baccarie prend la sauce Bah, elle est magnifique, euh, Gim Gim. <laughs> la moustache de Sebi, c'est du génie un peu un peu difficile avec il hein. Ouais faut que j'aille sélectionneur je sais bon bah c'est gagné hein. le petit Daniel a eu 10. Hein. 10 ouais note de 10. est ce que vous pouvez faire mieux est ce que quelqu'un ici peut s'asseoir à la table à la table du petit Daniel et dire je suis meilleur que toi non merci lunatic pour ton follow Oh, mais t'es vraiment qu'une. Non, 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 attends, attends, attends. Il y a eu un pénalty pour le, le club face à Fenerbahçe Marcel, ne me dis pas que c'est encore toi. Hein. Je vais te dire ça de suite. C'est lui. J'en fais une affaire personnelle. C'est pas lui. Oh, vu la note, ça c'est comme si c'était lui. Hein. Ouais, mec qui fait un match de merde, apparemment. Euh, ben je t'annonce que je passe leader de la série B parce que tout le monde a perdu. Pescara au tapis, Breccia battu. Vas-y, bah, Et sans euh... et où Et Lélas a perdu. Est-ce que j'ai le droit de t'annoncer que en 14 matchs, le petit Daniel, c'est 9 buts et 8 passes D Est-ce que j'ai le droit de t'annoncer qu'il est en train de rouler sous la Serie A C'est quand même ouf, non C'est quoi ces stats Est-ce que j'ai le droit de te dire qu'il est en train de rouler sous la Serie A C'est le deuxième meilleur joueur de Serie A et quasiment meilleur buteur avec Colombo. <laughs> et meilleur passeur. Et meilleur passeur. Meilleure attaque de Serie A, hein, Palerme. Bon, en défense, t'es un peu loin. Ah oui, bah, mais... 16ème en défense. <laughs> ah oui, 16e défense. Mais meilleure attaque, c'est ça qui est ouf. Moi je suis un peu le Marcelo Bielsa d'Italie, tu vois. Oh là là. Ça serait vraiment mérité qu'il soit appelé, mais... Euh... Ah, mais J'ai il... pas l'impression que les sélectionneurs fassent... fassent confiance. Ah ouais, mais il joue sans ailier. Ouais, ah, mais ce Tsari, c'est un connard de toute façon. Après, il, ça peut... Rit, il peut jouer Mie off. Hein. Mec, s'il fait... appelle Salcedo, il peut appeler le petit Daniel. Hein. J'avoue, Salcedo il joue pas en club. Moi je pense qu'il y a un délit de sale gueule. Après, il a Lorenzo Pellegrini. Hein. Mec, il fait jouer le Palombi là. Le Palombi qui est paumé euh, chez les Suisses. Ouais. Non, mais non, moi je dis le petit Daniel se fait snobber. Il y a un délit de sale gueule. Ah non, mais ils vont jamais me le vendre. Mais ça je le sais. Hein, mais... Je suis bien au courant, hein, vous inquiétez pas. Mais de toute façon. Du Let's go, Seria, tellement serré, mais ouais, de ouf. Tellement serré. 28, 27, 27, 26, 26, 24. Les éléphants qui pointent leur trompe en Seria. Un éléphant, ça trompe énormément. Hein. Oui. Et je... tu joues là ou pas, toi Ah, moi je joue plus du tout, moi c'est fini. Bah, je vais faire Novara et j'arrêterai le live là-dessus. Voilà, c'est dit. Moi, je suis. Euh... Oh, pop, Bah, ouais, bah là, par contre, je vous l'annonce, mais c'est Bakari au... Au face à la Dio, en fait. Face ah, à la est sus... Bah, est suspendu. Et mon prochain match, c'est la Dio. C'est dans longtemps Bah, ouais, mais. Ça va rien changer au fait que le remplaçant d'Albissi c'est Bakari. Oh, et Adil Sat, 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 sat. Adil, il faut le faire jouer hein. Non, non déjà bien oh, il, a, il a une apparition en Serie A quand même hein. Bah oui, je l'ai fait rentrer en fin de match Jacques, c'est la main dans le zlobar Ah bah là oui, hein. jusqu'à la fin de la saison t'es dans le zlobar De toute façon, moi je suis foutu, je peux pas recruter, je peux rien faire donc euh... Adil, il a deux en vitesse Bah oui, tu veux qu'il ait combien <laughs> Fais des kebabs, tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Ah ouais! Adil, là, il est foutu, il est fini. Hein. Uh, Adil, c'est nous! Moi, quand on m'annonce, bon joueur pour la Lega Pro, euh, mec, ça veut dire que c'est un bon joueur pour la série C. Hein. Bah, je joue Novara et j'arrête mon live. Par contre, cohésion d'équipe, on est vraiment en moyen? Comment ça se fait? Ouais, moi, je suis en moyen aussi. Hein. Attendez, on va faire des stages de cohésion, là, les dirigeants. Là, faut. Ah mais j'ai Giovanni Pinto qui, qui fout la merde. Là, 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 les dirigeants, faut en faire quelque chose. Là, faut. Et Giovanni Pinto qui fout la merde. Voilà, ouais, tu peux faire des stages de cohésion, ça marche assez bien. Bah, mais il veut pas. Donc. Après, voilà, j'ai beaucoup de prêts aussi, hein, donc ça peut expliquer le fait que... Après, ça ne veut rien dire, parce qu'il y, y en a certains. C'est des prêts, ça fait trois ans qu'ils sont là, donc je pense qu'au bout de trois saisons, euh... Brechanini, ce n'est pas un mec qui est nouveau. Hein, il, il a connu en, en série C. Euh... Palumbo, ça fait trois ans qu'il est là. Brecalo, ça fait deux ans. Amioné, ça fait deux ans. En vrai, en prêt nouveau il n'a pas beaucoup. Hein. Raspadori, il était déjà là un nouveau mec qui arrive au club, on a que Montiel, Milico, Gaetano et des pas titulaires. Eux deux, ils sont pas titulaires. Tous les autres, ils connaissaient déjà. Il faut quitter le live en étant premier. Ok, merci à tous. Ciao, ciao. C'est <laughs> radical. <rire> bah ouais, mais Marco, il dit des trucs qu'il ne faut pas aussi. Ouais, bah, Allez, on, on va, gens, va faire, on va faire une dernière prédiction. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on se prenne un club par an, hein, parce que ça peut faire des pépettes. faut pas penser au, au mal, tu vois. Parce qu'on sort pas de jeunes, donc au pire, ils nous les piqueront pas, mais... Ah, off, c'est rejeté, c'est rejeté. Hop, les prédictions sont lancées. Est-ce que... Novara, normalement, c'est de l'eau, ouais. Non, 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 non. J'ai failli dire que j'avais posé madame. Ah j'ai mis ce clic. C'est pas, dans... pas passé loin d'avoir <laughs> un drama <laughs> en fin de live. J'ai pas de save euh, depuis le début. Il hein. bah, faut peut-être que tu saves du coup parce que... Oh j'ai fait... Mis... Tu aurais recréé un entraîneur. Bah non mais j'aurais tout perdu. Ah oui, t'aurais perdu l'affinité avec Daniel et bah c'est oui. ça qui compte. Bah c'est ça qui compte. Tu pu plus me sucer le soir. Euh... Ah pardon, ça ne pas dire ça. Ouais, donc ça c'était pas connu à la base. Ça, on le savait pas. Bon Baban, ce soir tu joues à quoi Tu joues à quoi Tu fais un petit Daylight, light là. un petit TFT euh, en compète avec Marco et Aurelio oh, si le les matchs des concurrents on a Brescia Spal donc on a le troisième contre le quatrième Empoli qui joue la Juve U23 et l'Elas Vérone qui se déplace à Pescara on a que du lourd tout le monde là devant ça joue, ça joue vraiment du lourd Que je peux faire mon match, Jackie. Jonathan Mutumbo. Mutombo mon sera votre Mutumbo! Il est fort! Ouais, enfin le contrat. Alors, par contre, dans l'équipe type de la semaine, il y a un mec qui fait 3 buts, 2 passes dé, il est pas dedans? Ok. Non, mais y a pas de souci. Mm. Quand je vous le dis qu'il y a un délit de sale gueule. Moi, mon petit Daniel. L'équipe du moins. On cherche à me le brider en fait. On veut pas de lui, non mais j'ai compris. Il gêne, il dérange. C'est plutôt toi qui dérange, je dirais. Ah oh, pas de oui. Bon, qui a voté quoi là, du coup? D'accord, c'est un 100% que je vais finir premier. Non, mais c'est ça, le petit Daniel boycotté. Non, mais moi, je suis totalement d'accord. On le boycotte, c'est le rérimé de cette carrière. ne savait pas tirer les pénaux, c'est sa faute aussi. C'est pas une excuse. Allez, c'est parti! Ah, j'ai pas à mionner. On connaît le destin de Raimé. Non, mais le petit Daniel est dans mon cœur, c'est pas le Raimé. Raimé, c'est un random. Il n'aura jamais l'aura qu'a le, petit... qu le petit Daniel au sein de ses carrières aimé il a choisi la facilité et parti à Leicester parce qu'il voulait les pépettes mais. Après il y avait un petit gardien qui s'appelait Cristobal aussi. vous aller à... au Barça avec... oh, Il est allé au Barça il a jamais joué. Qu a fini d'ailleurs je sais plus très où, mais il a fini au fin fond de la. de l'Espagne. Allez go Nous va l'eau Ah, allez, bordel C'est moi que t'attends là hein Oui. Bah excuse-moi, je fais mes amicaux. Je termine. Forza Catania. On va récupérer quelques pépettes par-ci par-là. Allez, c'est parti, attention, il y a Charpentier à l'attaque. Il y a Antonio Palumbo, je ne sais pas si c'est un lien. Je ne sais pas s'il y a un lien de parenté, mais voilà, Raspadori, le meilleur buteur de la série B, sous l'œil des caméras. Et c'est parti Bon, mais bah vous êtes bien 100% à avoir voté ma victoire. À moins que. C'est ainsi que ça se retrouve dans la sauce. Non, ça va le faire, Novara, c'est de l'eau. Ah, c'est parce que, surtout. Oh là là. Allez oh, Ah Volgardien bon, là ah. C'est euh, pas noble, c'est immobile. Hein. <laughs> Nobile, Fekir. <laughs> elle est bonne. Allez Non, non, elle est bonne. Allez, Capani, tu viens pas de Milan pour rien, t'es le frère du petit Daniel! Ouais. ouais pourtant, hein, il a la vitesse, mais. après, tu joues 16ème, ça devrait passer normalement. Ouais, mais il a pas de logique dans cette série B. Pour l'instant je ne suis plus leader en cas de nul. C'est bien, ça fait 30, 29, 28, 27, 26, 25, 23. C'est bien, c ça, ça descend. C'est un truc de ouf. Tu fais, tu fais une défaite, tu passes, tu perds trois places. Ah oh, gard mon, mon gardien, il est bon sur sa ligne, mais entre les sorties et le placement, c'est zéro. Capagnie. Allez. Le petit Daniel. Mais non Il y a ah, un monde je pense que Catane ne partirait pas en vacances à la fin de ce live, on est en premier. Et que Carlos Bacca qui peut changer la donne là. Ben voilà Niben Troisième but le sur pass. le crâne. Ah lui il marque tout du crâne. Hein. Saison de passe, <laughs> j'avais pas compris. <rire> <rire> Wow. Ah, elle est belle. Ça sonne pas. C'est encore à Igor Yankovitch Oh là 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 ah, C'est tragique C'est tragique la première occasion. Ouais, mais c'est avec José. La boulette. David Beauvais. Beauvais. Il s'appelait Beauvais, le mec. Oh mais non. Loulou. Pour l'instant, les abonnés sont dans la sauce. <laughs> les viewers dans la sauce. Mais c'est pas fini, vous inquiétez pas. Non, non, c'est pas fini. C'est Carlos Baca qui va rentrer. Il va marquer bien avant, vous inquiétez pas. Alors, regardez, genre là, il y a but. Non, mm. ouais, mais il y a but. But pour qui Ça ah, dépend, mais parce qu'on peut qui... prendre... Regarde bien. L'action dure trop longtemps pour qu'il se passe rien. Oh Voilà Fiori, le génie. Il est hors jeu Non Ah non. Ah oh, non. Il est touché, non la fiori, li, li, li. Attends, y a pas... elle est pas touchée parce qu'elle a un effet chelou. Ah non, elle... non, non, c'est juste le gardien qui la touche, mais bon, bah voilà. Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait but. Ça durait trop longtemps pour qu'il se passe rien. Ouais, 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 mais bon. Je connais, je connais ces charlatans. Ah, c'est pas un charlatan. Par contre, le Belly, il s'est fait ouvrir, lui. Carlos. Est-ce qu'il va y avoir les deux frappes cadrées et deux buts Marie-Ange. Palumbo. Oh, attention. Non, non, non je dis non. Ça va, ils ont, ils ont pas existé du match, laissez-nous gagner. Est-ce qu'il peut y avoir le coup de poignard Dans le traditionnel, sur un corner. C'est gagné. On veut du rouge, ben non, il y aura pas de rouge. C'est gagné. Benito en tête oh ben à l'issue du live. Du tignot, il arrive, il me dit "Va faire c'est quoi ça Quoi C'est pas, pas tout de suite, Dutsigno du pas tout de suite. C'est samedi ça. Samedi ben il on est en... va lâcher des coulo et tout là, on, ouais. est, on est encore sage là. Le fan de Dave, le goto Ouais, ouais, Marcos Taribello, c'est un peu un plot aussi, on va pas se le cacher. Que... Bon, bah c'est gagné du coup. Je sais pas trop ce qu'ont fait les adversaires. Ils ont gagné. Euh, Peut-être pas tous. Hein. Non, les as Pescara, le ça fait nul. Pas tous. La Spal qui s'accroche. L'Empoli qui fait nul. Donc, on... ouais, ça décroche un peu. Et les qui a fait nul face avec Pescara. Et Breccia, ça n'a pas joué, non Si. Je les vois pas, là. Ils avaient peut-être un match d'avance. Bon, mais tant mieux ah, ben, là... Tant mieux, tant mieux Je save et je vous dis bon app et je vous dis surtout à demain. Ah ouais, t'es comme ça, toi tu coupes direct comme ça, boum Bah j'attends de save J'ai pas le temps de dire que je vais jouer Arsenal, Tottenham, Flamengo et l'Inter pour mes matchs amicaux. Non, j'ai pas le droit de dire ça. C'est quoi ce programme bah écoute, il faut des pépettes. Hein. Donc, je me suis dit que faire des petits matchs amicaux pendant le mois de décembre, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, ouais. Voilà. J'ai demandé à Palerme, enfin, j'ai voulu demander à Katan, mais on m'a dit va bah, faire un couloir. Je vais chercher plus loin. Hein. Bon, ils m'ont dit euh, c'est fini. À deux mains, à deux pieds. Bon. C'est vrai qu'on se retrouve demain. Et eh oui, et eh oui, et eh oui, en tout cas, voilà, merci d'avoir été présent une nouvelle fois. C'est vrai, moi je serai là demain qu'à partir de 16h parce que, vous voyez, j'ai deux mois à rien <laughs> J'ai tellement de matchs, moi, d'ici la fin de saison, mec, c'est la fin de l'année. Donc, si ça se trouve, moi demain, en fait, je ne joue pas du tout. Mais il y a moyen. Hein. T'as combien de matchs Jusqu'au 31 31, quoi Ah, t'as 7 matchs Oh, ça va être long. 1, 2, je... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, et je vais vraiment venir à 16 h Tu hein. peux continuer ou pas Que je puisse save Oui, c'est bon Oh là là Voilà, et tac Désagréable, là. Eh bien, merci à tous. On se retrouve demain, même heure. Les génies sont de retour pour faire des matchs amicaux. C'est vrai. Avec Encore un très bon live. Bonne soirée. Merci, Will. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. Amusez-vous bien. Bon appétit. Et puis, on se retrouve demain, 14h, ainsi que samedi. Et tous les jours de l'année. Ciao, ciao. Et ciao.